À 50 €. Tu es redoutable. Ou trois abonnements. Ouais. Donc normalement c'est bon. Je vais basculer dans ma nouvelle scène. Alors, en fait, je vais. Voilà, la nouvelle scène. Hop, voilà, vous mettez en plus petit. J'avais déjà préparé le titre pour aujourd'hui. Ma nouvelle scène, j'avais comment dire. J'ai recyclé ma compilation de clips. Parce que au moins j'aurai une scène pour deux événements. Quand je ferai la compilation de clips, je ressors ça. Et en fonction de ce que je veux mettre, je peux tout dézinguer à la vue. Ou remettre facilement. Hein, pour ceux qui connaissent OBS, il suffit de cliquer sur les éléments que vous voulez mettre à vue ou pas. Et c'est assez facile, donc ça me fait une scène pour deux événements. Les Avec compiles le de petit clips nanaï. et les promenades ou l'exhibition entre guillemets de vidéos en direct. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle, la scène, la scène, la scène. Allez, je commence Tellement la. jolie, elle en sorcelle, la scène, la scène, la scène. On va voir, je vais Bon, tester. moi je déco. Comme tu veux, merci, bisous. À plus À tard. plus. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire dans le chat que je vous réponds. Donc à ce moment-là, je commence à enregistrer. J'ai pris pont comme la dernière promenade en point de repère de démarrage d'enregistrement ou de coupure. Et là, je m'apprête à rejoindre Froboz Nainonet sur la place Tann, qui est notre lieu de rendez-vous. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas pour me roder, je vais déjà commencer à filmer en allant rejoindre Froboz Nainonet. Donc, je vous rassure, cette première partie-là, je filme en gerbotron. C'est parce que je suis plus concentré à essayer de ne pas me faire écraser ou de renverser quelqu'un, puisqu'il y avait pas mal de circulation en ville ce jour-là. On était déjà à l'approche de la rentrée, hein. Ça a été tourné quoi? Je crois qu'on l'a tourné le 2 septembre dernier. Et que dire? Vu que là, bon, c'est Gerbotron parce que je tiens pas bien le dispositif. Assurez-vous, je me suis vachement amélioré. La vidéo suivante, dans un quart d'heure, 20 minutes, quand on fera comment dire, l'enregistrement au bord de la rivière. Je filme mieux, c'est moins gerbotron, ça a jamais coupé. Là, je suis trop content, ça a jamais coupé. Et juste une fois, je me suis fait avoir, j'ai repris l'appareil sur le retour et je l'ai retourné, donc j'ai eu un mauvais sens de caméra, donc j'ai dû faire de la post-production. J'ai fait une rotation de 270 degrés de la vidéo, mais c'est pas grave. Pour vous, vous n'y verrez que du feu, mais c'est ma petite erreur du moment. Pour ce qui est du reste, on entend même mieux Froboz quand il me parle. Quand on marche que la dernière fois sur le plateau, ce qui est cool. Là, vous allez mieux comprendre ce qu'il me disait. Coupons milieu à queue dans les marais. Ah, la moyenne en maths de Christella. Oh mon Dieu. J'ai la moyenne de la moyenne générale. On voit qu'il faisait beau temps. Alors, c'est étrange le boucan que ça fait quand je laisse. Ouais, j'ai toujours à côté de moi. Je m'en sépare pas du coup. Mon dispositif où je mets le téléphone caméra. Alors là, c'est mon vrai téléphone, mais je vous rappelle que je le glisse comme ça derrière le schmilblick et je le porte au cou. Et là, on l'entend. On a l'impression que je me promène à cheval. Ça fait un bruit très bizarre. Mais c'est le mouvement sur mon torse de mon dispositif, voilà, enfin, je peux même pas dire en bandoulière, mais autour du cou, quoi. Là, vous reconnaissez le pont du canal de la Mare Noire. Alors, en dehors de l'effet Gerbotron, gauche-droite, on voit déjà que je cadre un petit peu mieux à ce moment-là. Je suis content que vous puissiez voir un peu la route à l'état normal. Alors que précédemment, c'était le ciel que je filmais.
Alors, dès que je croise une personne de face, je fais en sorte de, voilà, de pudiquement de tourner ma caméra. Un prochain passage piéton, croyez-moi que le passage piéton, voilà, comme cela, vous allez le voir de près. Là, c'est ultra gerbotron. J'ai complètement lâché mon truc. Désolé. Mais en même temps, ça me permet de. Voilà, de vous faire l'intro de la vidéo. C'est plus que zéro au niveau de la même donnée. Voilà, ouais, non, là, j'avais pas revu ça. Heureusement que je le prends à la main, le truc. Là, on voit que je passe carrément sur le trottoir d'en face, puisqu'il n'y a pas de bagnole qui arrive, j'en profite. Ça me permettait surtout d'être à l'ombre. Intérêt stratégique. Alors, Popon me dit, pour éviter le gerbotron, faisons un sacheton afin de lui payer un stabilisateur aux prochains events, sinon. Mais non, mais non. Mais quoi, quoi, quoi? Heureusement que fais pas ça dans un grand 8. Ah bah oui. Oui, bah la violence. Mince, c'est plus ce que je voulais dire, du coup, ça va couper la chic. Bref, la vidéo là d'intro, je vous la mets brute. Voilà, vous perdez rien, je vous censure rien du tout. Moi, ça me permettait de reprendre mes repères par rapport à la caméra, le dispositif et d'enregistrer la promenade. La preuve, ça m'a réussi, vous le verrez par la suite. Là, je parle pas. Bon, je suis tout seul, j'ai rien d'intéressant à dire. Moi, ça me permet de placer ma voix dans l'immédiat pour vous présenter la promenade. Donc, il va falloir que je pointe tout à l'heure si FunFan arrive à avoir sa box et s'il pense diffuser ce soir. Je pense que la probabilité est vraiment faible. Donc, je devrais dépasser des 20 heures. Et on fera complètement l'allée de la promenade qui dure 3 heures, je crois. D'ailleurs, je suis un idiot parce que j'ai pas préparé mon fichier Nemo. Je vous ai balancé la vidéo, j'ai pas. Attendez, voilà. On va faire une pause dans le Gerbotron. Pause dans le Gerbotron, je vais aller chercher mince. Mon fichier de notes, mon mémo. Je sais même plus où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs. Je ne l'ai pas enregistré dans le même répertoire, c'est un peu idiot d'ailleurs. Ah oui, merde, où est-ce que j'ai enregistré mon truc, moi? C'est là où je me rends compte que j'ai laissé dans mon Linux et que je ne l'ai pas sous la main là maintenant. Oh là! Ce serait la faute. Ah, oh, quel couillon je fais. Attendez, mais où est-ce que je l'ai mis? C'est vrai que j'ai ouvert le fichier, je l'ai édité. Mais j'ai pas souvenir d'avoir choisi l'endroit où je enregistrais dans mon disque. Et si j'ai mis sur une partition non Windows, je suis pas dans la mouise, je l'ai pas sous la main maintenant. Ah, ce serait ballot. Oh là 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 là, je sens que j'ai commis la boulette là. Oh, que je suis un nunuche. Ah bah non, bah ou alors je dirai tout au retour le week-end suivant, mais non, je pense pas que je l'ai dans document, non, non, non. Je réfléchis, pardon du moment de flottement, mais du coup, attendez, je suis sous Linux, je l'aurais mis où? Ah, je l'ai peut-être mis sous la clé Linux comme un gros nigaud, donc je peux pas la retrouver sous Windows. Aïe. Je l'ai pas mis là non plus. Est-ce que je l'ai enregistré dans ma branche spéciale pour Twitch? Je regarde. Attendez, je fais un effort de mémoire par rapport à mon ordi. Mais non, mais non, mais j'ai les photos. De toute façon, j'ai des photos et des documents à vous présenter en arrêt sur image. J'ai fait une recherche. Mon disque multimédia, il est où? Il est là.
Il est pas là, mon document? Eh si, il est là! Je l'ai retrouvé, mon document, c'est bon! Soyez zen, bon je l'ai pas converti en PDF, tant pis, mais je vais me lancer LibreOffice. Ah, mais oui, ça y est, je vais pouvoir vous le montrer fièrement. Regardez-moi ça, on y retourne. Voyez? Ça y est. Je vous prépare un document, on va parler de blablabla, blablabla, et de blablabla, et de blablabla. Voilà. Encore que j'aurais pas grand-chose à dire sur le retour. Mais rien que le début, j'ai préparé des trucs, c'est cool. On y retourne, excusez-moi. Tout de go. Gerbotron, c'est parti. Ah, Poupon et Christella. Oh mon Dieu, la nostalgie du collège-lycée. Ah. Ouais, je vais chercher un saut, pardon, de ah. Oui, non, là, je reconnais que c'est un peu violent. Est-ce que j'ai pas une phase où je... Voilà, là, on voit bien le... Si vous avez toujours rêvé de voir de près un passage piéton, en haute définition. Voilà. Ah là là. Non, je cours pas, je cours pas, je marche normalement. Non, mais je rappelle que j'avais ça. Bon, là, vous le voyez en petit maintenant. Mais j'avais ça en bandoulière, là, sur le, au niveau du cou. Donc, si je marche normalement. Alors, quand je marche normalement, je marche assez vite. Le truc, il va le dingue de gauche à droite. Voilà, c'est. Voilà, il n'y a pas photo. Mince, il fallait faire giquer le truc, moi. Non, je marche, je ne cours pas. Détrompez-vous. Voilà, si je m'étais mis à courir, je n'ose même pas imaginer ce que vous aurez à l'écran. Vous n'arriverez même pas à distinguer les objets. Oui, ça fait caméra cachée un peu, de manière un peu trash. Ouais. Attendez, j'avance un peu parce que. Ah là, c'est déjà mieux. Encore que. Je me demande si je le tiens pas d'une main faiblarde, mon truc. Si, là on voit que je redresse vers le ciel. Donc vous voyez où je marche en direction de la pépinière. Ah. Tant que j'y pense, là aussi, là je vous le diffuse en 720p, on est sur Twitch et je parle par-dessus. La version brute de mes vidéos, même celle-là, je balance tout, vous en faites ce que vous voulez. Vous la retrouverez à partir d'octobre. Je l'ai déjà programmée sur ma chaîne YouTube. Tous les samedis minuit, je crois. Ou les vendredis. Je sais plus. Non, non, les samedis minuit, ou si vous voulez, de la nuit de vendredi à samedi. À samedi minuit en fait, ou vendredi 23h59 si vous préférez, vous aurez une vidéo comme ça en 1080p, la résolution d'origine très haute définition sur YouTube à regarder. J'ai mis un morceau, une vidéo par semaine, histoire de faire durer le plaisir et de pas d'encombrer mon interface de YouTube, puisque j'ai une vidéo qui tombe par jour. Donc ça permet de mélanger les goûts, les couleurs entre les jeux vidéo, autres vidéos et ça. Donc je vous invite à surveiller. Non, j'ai pas flouté toutes les plaques. Je vous invite à regarder pour ceux qui sont intéressés à voir en grande qualité à partir du mois d'octobre. De toute façon, il y a une liste de lecture aussi. Vous savez que je suis organisé comme garçon. J'ai la chance de maîtriser la technique. On va peut-être éviter la simple Gerbotron. Oh la vache. C'est la pépinière, hein. Voilà, là c'est mieux. Et voilà la liste de lecture dédiée. Au pire, si vous êtes enquiquiné et que vous ne retrouvez pas, vous me contactez, je vous répondrai, je vous relancerai le lien. On peut faire comme ça aussi. Dès que je suis dispo, je me ferai une joie de vous répondre. Oh la vache, on voit qu'il y avait du soleil. Et là, donc, on a les premiers stands du livre sur la place qui se déroule actuellement à Nancy. Et c'est la pépinière, donc l'axe principal, et je fonce vers la place TAD. Alors, mon petit mémo pour dire
Ah mince, faut que je mette dans l'autre écran, pardon. Tac. Oui, je vais me mettre comme ça, c'est pas mal. Édition du livre de La Place cette année. La classe au niveau des invités. Je vous cite. On reçoit actuellement dans ma ville Louis Bertignac, Michel Bussy, Olivia Rius, Amélie Nothomb, Philippe Claudel, Marc Lévy, la chanteuse Lio, Alex Lutz, Laure Calamy et André Manoukian. Donc André Manoukian est à la charge, je crois, demain soir, salle Poirel, de faire la cérémonie de clôture du livre sur la place. Alors que l'intro vendredi, je sais plus si c'était vendredi ou jeudi soir, c'était Louis Bertignac, membre du groupe Téléphone avec Jean-Louis Aubert, qui malheureusement là n'était pas là, qui lui était en charge de l'intro, monsieur Bertignac. Voilà pour le beau gratin qui se trouve actuellement à Nancy. Ça se passe au moment où je vous parle. C'est le week-end du livre sur la place sur Nancy actuellement. Good to go. Voilà, ça commence. Tant que j'ai un peu l'appareil en main. Ça y est, départ officiel de la promenade. On démarre en fait depuis Nancy, entre Malz et Ville. Voilà, on peut voir Froboz. Coucou Froboz. Vous inquiétez pas, vous verrez ma tronche après. Voilà, on va longer la rivière. C'était le programme prévu. Donc là, on va d'abord faire aller la rive droite. Et ensuite, on rentrera par la rive gauche. C'est-à-dire que là, au moment où je cadre ce plan, on arrivera par l'autre côté tout à l'heure. Voilà. Donc je commence à mettre mon dispositif comme il faut dans la boîte. Voilà, pour ceux qui veulent voir ma tronche. Je suis là, voilà, coucou tout le monde, et je vais ranger ça dans mon bide. Voilà, je vais essayer de mieux filmer que la fois précédente. Je vais essayer d'apprendre mes erreurs. Alors, on démarre la promenade. Ah, alors, yadak. Normalement, hop, je vois, voilà, en tenant comme ça, ce sera déjà mieux. Alors, je m'assure qu'il n'y ait pas de cycliste. D'ailleurs, je peux retirer la coiffe, là, on est à l'ombre. Ah, donc, j'annonce le programme. Voilà, on est déjà sur la rive droite. On va aller à un endroit qui s'appelle la passerelle dite du Moulin Noir. C'est l'objectif, on va dire, minimum, qui va nous permettre de faire une petite trotte le long de la rivière et d'accéder à la rive opposée pour rentrer. Mais en fonction de l'horaire à laquelle on arrive, on va estimer, Froboz et moi, si on continue ou pas. Si on pause. Je réponds à ta remarque, Twinsen, j'ai mis les mêmes vêtements. J'ai pas fait exprès, consciemment, de choisir mes fringues en fonction de la promenade précédente. C'est un pur concours de circonstances. Mais je dois avouer que la chemise saumon que je me suis récemment acheté, elle est neuve, elle est de cette année cette chemise, je me la suis offerte au printemps. Elle a l'avantage en plus d'être à manches longues, elle est légère, je l'aime beaucoup. L'idéal pour une sortie sous ce temps-là. Mais je te rassure, j'ai d'autres fringues, mais c'est un concours de circonstances. Et puis il y a l'attrait de la nouveauté, je suis content d'avoir ma nouvelle chemise qui me va bien. Et hop, basta, voilà, mais... La remarque que me faisait Froboz et Inonette, c'est que on ne s'est pas consulté pour les fringues, hein, mais il est également en roche saumon ce jour-là, donc on fait un peu frère jumeau, là, j'ai envie de dire. Mais vous nous verrez plus tard, vers la fin de la vidéo, à un moment, on fait une pause et on nous voit, nous deux. J'ai posé la caméra au milieu de la table et vous nous verrez tous les deux en chemise rose. Concours de circonstances, enfin rose saumon. Allez, on continue à la passerelle dite du Moulin Noir. Ah ah, on va avoir un choix d'aller à gauche ou à droite. Je laisserai Froboz choisir en fonction de ma description des deux lieux qu'on peut arpenter. Et le moment venu, par rapport au temps, aussi bien le temps temporel que le temps météo, on va revenir sur nos pas. Parce qu'il se trouve que ça, potentiellement, ça pourrait être la dernière journée d'été, ce vendredi 2 septembre dans l'après-midi, pour l'arrivée, j'ai envie de dire, enfin de la pluie. Il y a de la pluie qui est annoncée au plus tôt à 18h. D'accord. Non, t'avais pas pris l'info, t'as pas... J'ai pris le Kawaii, c'est bien, tu me rassures. Soit dit en passant, j'ai passé 10 minutes sur la pluie, c'était pas si monstrueux.
Ça dépend de la pluie, voilà. Et puis effectivement, du durée d'exposition. Mais voilà, il fallait. Ah oui, je peux faire pause avec la barre d'espace, tiens, c'est plus sympa. Non, mon froc ne tombait plus, j'avais changé de pantalon. Mais oui, j'avais oublié au plateau de Malzéville, effectivement, de prendre une ceinture et j'aurais dû, c'est vrai. Là, j'étais beaucoup plus à mon aise. Là aussi, j'ai appris de mes erreurs. Bon, par rapport à ça, moi aussi, j'ai pris mon imperméable, évidemment. Et il est même annoncé, soi-disant, des orages à partir de 20h. Mais normalement, 20h, on est censé être déjà au plus tard, être en voie de retour dans nos chaumières respectives. Donc, ce sera normalement déjà séparé. Et puis en plus, ce soir, il y a Bastos sur sa chaîne à 21h, avec une interview catch de Pipoupat, qui, à mon avis, va être pas piqué des hannetons, ça va être très intéressant. Parce que la particularité, d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu sa pub, Pipoupat, qui est un des amis d'enfance de Bastos, qu'on salue, et il avait jadis aimé le catch, et ce qui est intéressant dans l'interview, et ce qui intéresse d'autant plus plein de fans, mais pas que lui, c'est que Pipoupat a fini par se désintéresser et éprouver un désamour de la discipline, le catch. On a hâte de savoir son argumentation et son vécu. Voilà. Bon, au moment où je diffuserai la vidéo, j'ai bon espoir que Bastos ait archivé son interview. D'ailleurs, j'en verrai avec lui comment il gère ça. Ah. Voilà, voilà. Et donc la mer juste à gauche derrière les arbres. Ouais. La rivière. Les rives de la meurtre et non pas ivre de meurtre. Ouais, oui, oui, t'as eu un jeu de mots là, je sais plus, quelqu'un qui. Ivre. J'ai vu ça dans le Discord. Ouais. Alors là, on a un petit vent frais à l'ombre, ça fait du bien. Hein. Parce que là, encore plein soleil, ça tape. Il fait 28 annoncés, je pense qu'il fait plus par endroit plein soleil. Non, il y a la fraîcheur qui arrive ce week-end et c'est pas de refus. Ah là 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 là. Alors là, je commence à être un peu gêné parce qu'il y a quand même un passant. Et je vais essayer de filmer la maison de retraite. la maison de retraite locale. Vous avez remarqué, on voit que ça bouge dans le coin, qu'il y a des constructions. Donc, à la maison de repos, bah tiens, à se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui va sortir. Bah, il y a déjà du monde dans la cour extérieure, ils jouent à la pétanque. Voilà, on a passé la personne, donc je rebarque vers le chemin et la rivière. Le mec qui joue à la pétanque, je pense qu'il y a des ordi, c'est une petite lame de Dieu. Ah bah oui, oui, il y a la version virtuelle aussi. Alors, c'était pas prévu, mais je suis ravi que tu m'en parles. Le coup de la pétanque, il y a eu une anecdote complètement dingue dans les faits divers de la presse ces derniers jours. Il y a des abrutis à croire qu'ils n'étaient pas contents du bruit que générait la partie de pétanque. Il y a des abrutis qui n'ont rien trouvé plus marrant que de voler et de se barrer avec le cochonnet de la partie pour essayer de l'interrompre. Et heureusement que les joueurs étaient organisés et avaient de la réserve, ils ont pu ressortir un autre cochonnet et continuer leur partie. Mais pour te dire, parfois il y a des vols débiles au possible. Juste pour empêcher le bruit de la pétanque. C'est ça. C'est tir ou je prends une. Ouais. Et puis ça fait juste des bruits là, quoi. Ouais. Enfin bon. Par contre, je m'interroge encore du boucan que j'ai entendu hier sur Nancy. Ah, là, j'ai rien entendu. Dans ton quartier, un bonhomme qui passait une voiture tuning et de la sonner dedans, 600 mètres de sonneau. Ça a duré une heure. Ah, oui, quand même. Ah, ça a duré une heure, c'était nimp. Mais je me disais, c'est pas possible, ils ont improvisé des travaux. Merde, ah, j'ai fait une bêtise. Ah, j'ai fait une bêtise, attendez, excusez-moi. Oh, j'ai fait sauter mon interface. Oula. Rien ne va plus, faites vos jeux. Non, je voulais intervenir pour dire le coup du boucan, c'était bizarre. On a encore jusqu'à demain le spectacle sur la place Tanne, que j'entends depuis chez moi la sono si j'ouvre une fenêtre. Mais c'était bizarre le bruit dont je parle. À un moment, une nuit à Nancy, entre, je sais pas, il devait être 21h, 22h, j'entendais un boum 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 du genre discothèque techno ou travaux de nuit.
Et j'ai pas compris ce que c'était. Ça correspondait pas au spectacle de la place de nuit, là. Je peux parfois percevoir. Alors c'était vraiment de la hard tech, hein, parce que c'était boum, 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 boum. Oh là là. Oh la vache, il a tellement fait chaud que là on peut voir le liseré du Japon, qui est une plante envahissante, qui est normalement qui est très grande et verte. Alors là aussi je vais pouvoir faire un comparatif photo par rapport aux années précédentes. Ça me fait bizarre de voir le liseré du Japon faire la gueule et être asséché. Ce qui est pour cette plante invasive n'est pas une mauvaise chose, au contraire. On n'est pas encore en automne et c'est déjà la violence. Non, non, on voit qu'ils ont morflé là. Ça me fait bizarre de voir ça. Hein. En bas, ils sont moins morflés, mais c'est en hauteur qu'ils ont morflé. Bah oui, plus proche de l'eau. Ouais. Logique. Parce que là, ils ont tout rasé. Ouais. Il y a des petits peupliers qui poussent. Ouais. Il y a des peupliers énormes et des gros. Ouais, les pousses, ouais. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Oh là, excuse-moi. Merci. Attends, je prends un peu d'avance parce que comme on croise des jeunes qui font du vélo. Ok. Ah, et puis là, on voit que les végétaux qui sont proches de la rive sont un peu plus frais, c'est le cas de le dire. Alors que le reste des plants côté route sont complètement cramés. Ça y est. Les jeunes sont passés. Ouais. Là, on la voit nettement mieux, la Meurthe. Alors là, elle se jette dans la mer. Mais pas ici. Plus loin, 60 km. Oui, tu m'étonnes que c'est un peu plus loin. Tu vas lorsqu'il y a la mer en Meurthe-et-Moselle, où ça? J'ai vu la mer, c'est dans la mer. Et ça. Elle va dans la Moselle et ensuite dans. Ouais. Je sais pas où elle va ensuite. Je sais plus si elle se jette dans le Rhin. Ah. Ou si elle se jette en mer du Nord. Il faudra vérifier sur une carte. Honnêtement, je sèche. Je sais plus. Sans mauvais jeu de mots. Je sais plus si c'est un affluent du Rhin ou si ça termine sa course en manière indépendante dans un delta. Mais c'est pas trop mer du Nord. La mer, elle est pas trop basse. Hein. Oui, alors ils ont bien géré, exact. Je me faisais la remarque intérieurement tout à l'heure. Et ouais, ça va, on n'a pas atteint un niveau critique. Mais partout en France, il y a surtout aussi les petits ruisseaux, ce qu'on appelle les sources. Il y a plein de ruisseaux, déjà à la fin juillet, qui étaient complètement taris. Ah oui. Chose qui arrive jamais. Ouais. Ça fait flipper grave. Voilà, attends, je vais laisser un peu la caméra. Voilà, on croisait. Pardon, j'ouvre le micro. Petite correction, la Meurthe se jette dans le Rhin. Voilà, pour la précision. Une cycliste, je ne voulais pas filmer. Par, j'ai envie de dire, par double pudeur. Parce que là, elle profitait pour faire bronzette en même temps que faire du vélo, on va dire. Et il y en a qui sont peinards pépouses, regardez la rive opposée. On passe à tout à l'heure, il y en a qui sont installés dans leur tente. Ça va, tranquille. La belle vie. Et d'ailleurs, alors, il y a une époque, il y a quelques années, où il m'arrivait de faire des promenades plus régulières le long de la Meurthe, j'avais remarqué que assez régulièrement il y avait des Allemands qui se pointaient jusqu'ici et qui posaient leur point pêche pendant une semaine. Ouais, je sais pas, peut-être des retraités allemands qui en profitent quoi et qui adorent le coin. Et il doit faire un bout de 30 parce que j'avais. Je les avais croisés plusieurs jours, sur plusieurs années, je reconnaissais la même bagnole, j'ai toujours immatriculé en Allemagne. Pardon, tu sais, il fait. C'est 27 degrés, on est en plein soleil, mais ça va, c'est pas trop chaud. Oui, 27 degrés, mais on bouge. Ça aide. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quasiment pas de vent là, c'est vrai. Il y a quelqu'un derrière. Ah merde, il y a quelqu'un derrière. Mince, pardon, je me range sur le côté. Monsieur cycliste, du don, on peut se permettre. L'anonymat est préservé. Sauf pour les personnes qui reconnaissent ce genre de vidéo. Oh, alors là, faut être fort. Ça, c'est pas mon truc. Stade Joe. Alors, attends, Joe Sechler, et moi, ça me parle largement. Pourquoi? Bah, c'est un pilote automobile, pardi. Ah. C'est un pilote automobile. Ça ne va pas du tout. Tu verrais sa tombe. Alors, j'allais dire, je vais pas vous montrer une photo de sa tombe parce que ça se fait pas. Mais il se trouve qu'il est dans le même cimetière que feu mon papa. Et il a droit à une belle tombe, Joe Sechler, avec engravé une Formule 1 des années 60-70, là. Magnifique.
Magnifique la tombe. Alors, je vais vous mettre l'info, le lien internet. Je vais vous lire rapidement ma fiche. Oui, donc le pilote automobile Josh Eschler est un pilote automobile français né en 1928 à Lyonville en Meuse et mort en course malheureusement le 7 juillet 68 à Grande Couronne près de Rouen en France. Il est inhumé au cimetière de Malzéville, Meurthe-et-Moselle, c'est pour ça que j'en parle et qu'il y avait un stade à son nom, enfin un stade, un lieu sportif là. Pilote très populaire en France, spécialisé dans les épreuves de catégorie sport, il s'est également exercé au plus haut niveau des compétitions automobiles de monoplace. Et pour résumer, je vous avais préparé cette phrase, qu'il a fait une participation en Formule 1 en 68, mais sans succès, et encore plus malheureux, mais au moins, comme on dit, l'important est de participer. De 1960 à 1967 inclus, il a fait 6 participations au Mans, les 24 heures du Mans, mais elles ont toutes ces expériences se sont conclues par des abandons. Pas top, mais bon, au moins il a voilà, il a sa renommée, on va dire locale et honnêtement, je sais pas pourquoi il a choisi de se faire enterrer près de Nancy à Malzéville. Une énigme. Mais voilà, voilà, c'est quelqu'un qui m'est familier de renommée depuis que je suis gamin. Voilà. On a pas mal amorcé notre promenade. Et j'ai toujours pas puisé dans mes sujets de conversation. Ah. Oui, effectivement, merci. Je sais pas, on a entendu une alarme où Lara Fabian qui faisait ses vocalises. J'ai bien balancé des vacheries gratuites. Ouais, tu me connais maintenant, je peux te dégonner des âneries directes, sans silencieux, comme j'aime le dire. Alors c'est bête, mais de tenir la caméra, cette fois-ci avec le coude replié vers moi, côté, au niveau du torse, je pense que ça va être beaucoup moins cher, Botron, que de laisser le dispositif pendu à mon cou, comme je l'avais fait sur le plateau. Ouais. C'est comme ça le dispositif. Ouais. Et peut-être que plus tard, je rassure une scène, j'investirai peut-être dans un stabilisateur, mais le moment n'est pas venu. Ah. Alors, le côté écolo que j'ai eu en dernière idée parce que ça me faisait suer d'allumer mon imprimante. Je me suis dit, au lieu d'imprimer sur une feuille papier les sujets de conversation que je me suis mis en mémo, je me suis dit, je vais photographier mon écran directement là où j'ai édité le fichier texte. Et finalement, je trouve que c'est plus pratique. En plus d'avoir économisé de l'encre et une feuille de papier. Ouais, t'as fait ta reconnaissance de caractère et du coup tu l'as en format texte. Du tout. Ah. Photo, ça suffit. D'accord. Je te montrerai un extrait, tu verras que c'est largement lisible. Ça y est, c'est le problème que j'arrive plus à voir si je filme ou pas. Attends, je vais laisser passer déjà la personne. J'arrive même plus à voir si je filme ou pas. Si, apparemment je filme. Il y a tellement de soleil que je vois même plus mon écran de contrôle. Enfin, le téléphone, comprenez. L'écran de contrôle. Ouais. Il y a plus d'ordinateurs pour contrôler tout ce qui se passe. Mais là, tu vois, Oui, bah ouais. Mais tu vois, là, j'ai déjà appris de mes erreurs. Parce que là, apparemment, j'ai aucune coupure. Donc j'aurais des beaux morceaux de vidéo vachement bien, quoi. Oh, c'est cool. C'est cool. Oh. Ah bah tiens, attends, s'il n'y a personne qui... Regardez la rive opposée, c'est les évacuations de l'usine d'eau usée de Nancy. Station d'épuration de Maxéville, qui fait un très bon boulot. On voit la
qui a un débit relatif. Hein, sur les quatre sorties, il n'y en a qu'une qui marche pour de bon. Mais ils ont fait des sacrés travaux il y a quelques années parce que ça schlinguait. Ah oui, ça fait mauvais. Là, ils ont dû réviser leur copie parce que c'était une horreur, surtout par les temps là en été. Et superbe, on sent plus rien. Tu peux passer à côté, on sent plus rien. Alors qu'avant, t'étais, sans déconner, t'étais sur le plateau, tu pouvais sentir l'odeur. Et ce que je vois en bas, c'est pourquoi. Après, l'eau qu'ils rejettent, elle n'est pas utilisable, je sais. Oui. Mais est-ce qu'ils récupèrent tous les matériaux qu'ils ont récupérés de l'eau, ils ont ensuite pour un truc de chaque composant qu'il y a dedans. Ce qu'on appelle des boues usées. Alors, à savoir si des boues usées, chimiquement, ils les traitent pour en séparer et en faire un nouveau, on va dire, matière première. Ouais. Je ne sais pas, il faudrait interviewer un technicien, un ingénieur. D'accord. J'ose espérer, mais encore si on parvient à obtenir la réponse, parce que pour peu qu'il y ait du tabou de pollution en volume, parce qu'il n'y a pas eu l'investissement ou qu'ils ne maîtrisent pas la technique localement, mais je me permets de mettre un doute, on ne sait jamais. Mais de toute façon, je ne suis pas du métier, donc je n'en dirai pas plus. Je ne veux pas débiter des âneries. Mais j'ose espérer qu'on ait un bon niveau d'instruction en France et que la technique soit maîtrisée et qu'on ait investi suffisamment pour effectivement qu'il y ait un traitement assez sophistiqué des boues usées, en dehors des eaux usées. On va appeler Jamy. Jamy Gourmand. À s'adresser au camion blanc, c'est pas sorcier. Je rigole, mais il doit y avoir une émission là-dessus. Elle est géniale, cette émission. Bah, Jamy Gourmand, d'ailleurs, qui a donné son nom, bien malgré lui, qui a donné son nom à un corps céleste. Il a son nom attribué à un astéroïde qui est en orbite dans le système solaire. La classe. Ah merde, il y a un vélo. Ça fait ding ding ding. Ah, un sportif qui nous a signalé qu'il arrivait. Oserais-je dire plein gaz? Non, c'est faux. À fond les ballons. Là, là, là. Alors, déjà, est-ce que ça finit toujours? Incroyable, mais oui. Je fais pas trop chaud. Alors en plus, ça va, ouais, c'est correct. Encore que moi, je cuis et c'est correct, c'est vrai. Comparé au plateau, je sors mon deuxième téléphone, mon vrai téléphone, on va dire, qui va me permettre de dévoiler la photo dans laquelle j'ai pris des notes de... Alors que je suis en train de voir en plein écran que j'ai reçu un SMS de la famille. Mes notes de discussion. Alors pardon, je vais faire mon village, je vais regarder 30 secondes mon SMS et préparer la photo et lancer un autre sujet de discussion. Tu vas peut-être faire une pause, oui, il y a un banc. Petite pause, je vais couper alors. Attends. Je vais couper, ce sera plus poli, plus correct. Et on se retrouve tout de suite après. On va montrer ça au fond des croix. Alors, oui, petite pause. Pour dire que là aussi, le pire, c'est que j'ai extrait de mon téléphone les photos que j'avais prises lors de la première promenade, que j'ai toujours pas publié sur mon Discord. Je finirai par le faire. C'est ce que je dis, c'est comme Minecraft. J'ouvre 10 chantiers, mais je les ferme les uns derrière les autres dans le temps, c'est espacé. Mais j'oublie pas, ça va se faire. Avec un peu de chance, je le ferai ce week-end, ça va me... Voilà. La suite, excusez-moi du peu. Ça, la promenade au plateau, je n'ai pas encore publié les photos. J'avais préparé la branche dans le Discord, mais j'ai zappé de mettre les photos, mais c'est pas perdu, ça se fera. J'ai plein de trucs en projet et en retard, pardon, j'avoue. Encore un informatique, je connais quelqu'un qui ne connaît pas en codage. Allez, on reprend. Et qui me dit, ah, Windows, ce serait bien, je n'ai pas ce codage. Du coup, bah, j'ai un peu spécialement fait par des professionnels qui codagent, ou commerciaux. Et voilà, mais c'est pas forcément gagnant. C'est le seul moment où je peux parler en bien de Microsoft, en toute honnêteté, c'est leur antivirus intégré à Windows, qui avant s'appelait Defender. Ouais. Moi, par habitude, je continue à l'appeler Defender, mais il a perdu le nom, je crois, sous Windows 8, je crois, avant d'arriver à Windows 10, enfin, peu importe. Ouais. Mais il est toujours là, c'est juste qu'il a plus vraiment de nom. Ouais. Il est bien,
il est bien. J'ai même un confrère informaticien qui a fait des trucs au niveau, c'est-à-dire qu'il a géré des serveurs que moi j'ai pas encore eu l'occasion de gérer. Et vraiment, il maîtrise son sujet. Pour moi, c'est ce que j'appelle un confrère référent. Quand j'ai une question trop technique qui m'échappe, que j'ai besoin de lumière, je le consulte. Adorable, mec. Bref, tout ça pour dire qu'il m'avait raconté, expérience professionnelle, il avait réussi à désinfecter plusieurs postes. Tu peux aller dans les tuyaux ? Non, il veut surtout pas y aller. Mais c'est pour les animaux qui passent sous la route. D'accord. Il a réussi à désinfecter un ordinateur d'un virus grâce à l'antivirus intégré à Windows, alors que le professionnel qu'il utilisait à l'époque, je ne sais plus lequel, McAfee, il n'y a pas que ça, il y a Kaspersky, etc., l'avait pas débusqué. Ce qui est quand même à saluer. Chaque antivirus détecte ses propres virus. Des fois, il y a des antivirus communs qui ont les mêmes bases de données communes, mais... Des fois, il y a des antivirus qui ne détectent pas le virus et d'autres qui détectent le virus. Des fois, des faux positifs, des fois... Alors, oui, il y a du vrai et du faux dans ce que tu dis. Il se trouve que chaque éditeur d'antivirus a sa propre base d'antivirus. Mais il est vrai que certains détectent des cochonneries que d'autres ne voient pas. Non. Et je te rassure, plus de 90%, je me laisse une marge, j'ai envie de dire 95%, mais ouais. Plus de 90% des virus... sont débusqués par l'ensemble des antivirus. D'accord. Mais ce qui est prêt à la confusion, c'est qu'il n'y a pas de nom commun, ou rarement, sauf les plus populaires, comme le virus à Love You à l'époque, qui avait fait parler dans la presse. Ils n'ont pas la même dénomination et le nom de code. Ils ont chacun un nom dans chaque crèmerie, si tu veux, dans chaque antivirus, alors qu'on parle du même. Et là, ça n'aide pas pour la recherche. Mais bon, bref. Les faux positifs, est-ce que c'est vraiment des faux positifs ? C'est ce que je me demande. Ah, alors là, tu poses une question ouverte. Ah. C'est-à-dire que la réponse va être très difficile. Et je pourrais te faire, sans déconner, un exposé d'une heure là-dessus. Non pas que je prétends savoir ça, mais je ne suis pas qualifié en ça de manière pro-propos, c'est pas mon domaine de prédilection. Mais je suis conscient que ce qu'on appelle les faux positifs, ça peut arriver dans des cas divers et variés. Et pour les expliquer, bah, c'est pas évident. Là, je te cacherai pas, je vais pas rentrer là-dedans. Là maintenant, c'est ni le moment, ni le sujet. Ne serait-ce que les bugs, les bugs logiciels de manière générale. On n'est pas à sec de conversation. D'accord. Ça, j'ai plus rien à dire. Et toi ? Attends, je vais lire. C'est vrai que depuis que je me suis relevé de la pause et que j'ai lu le SMS de la famille. Ouais, je vais prendre un autre sujet. Je vais commencer à piocher. Ah, mais j'ai peur, je crois que tu m'as. Ah, si, il y a du monde. Bah, au moment où je croyais que tu me disais qu'il y a du monde, il y a du monde. Tiens, tu vois, encore une arnaque. Votre colis a été envoyé, machin. Alors que... Ah, oui. Ah, c'est chiant ça. Ouais. C'est chiant. Alors, je sais même plus comment je fais pour aller dans ma galerie. Alors, pardon, je filme le sol parce qu'il y a des gens qui passent en vélo. Voilà, je voudrais pas dire, mais on voit ma liste. Alors, je sais pas si de téléphone à téléphone ça se calme. L'écriture en mode console. Oui, j'adore l'écriture en mode console. Et là, j'ai tous les sujets de conversation à vous lire. Autant de petits traits, autant de petits sujets. Alors, sujet grave, sujet léger. Sujet léger pour commencer. Ouais, sujet léger. Bon, on va commencer sur l'actualité informatique. J'ai envie de dire pour pas changer. Ouais. Joueur du grenier, Frédéric Molas. Il est un gosse. C'est ça, il est papa. Déjà, félicitations à lui. Je suis ravi que, avec sa douce Sorina Chan, voilà, il soit parent, c'est rigolo. Je suis ému le concernant, pourquoi ? Parce qu'on a quasiment strictement le même âge, Frédéric Molas et moi. Il est né l'été 82, et même chose pour moi. Donc, à quelques jours près, on a quasiment le même âge, Fred et moi. Bien qu'on se connaisse pas. Hein. Mais vous savez, toute l'affection, l'admiration que je porte à ce garçon. Bourré de talent. Voilà, bravo à eux. Donc c'est rigolo, sans que je t'en ai parlé, toi aussi t'as les nouvelles. T'es mort de rire, là t'es en train de pouffer de rire. Ça y est, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, c'est juste... Tu pensais à une ânerie ? Je pensais, ça me semblait bizarre que... Que ? À 40 ans, oui, c'est tard, mais il y a eu un gosse. Il y en a qui ont eu leur premier gosse à 50 ans, hein, j'en ai connu. Après, il faut voir les conditions, mais... Parce que du coup, le gamin, c'est sûr que tu te dis que jeune, il va voir ses parents être dépendants et mourir assez rapidement, mais bon...
Ouais, les enfants. Ouais, c'est pas un truc que j'ai. C'est pas un truc qui m'intéresse, le sujet des enfants. C'est un sujet cool. Les enfants, ben, c'est. Avoir ses propres enfants, c'est quand même pas évident. Hein. Bah, après, ça dépend du caractère, mais bon, c'est une histoire de vie. Puis si tu parles le côté concret, vie de tous les jours, ouais. Ça peut être lourd sur le poids financier, c'est sûr. Bah, pas financier, mais surtout tout ce qui va autour. C'est assez énorme. C'est un truc qui, quand ça tombe dessus, bah, ta vie est changée, quoi. Ah bah, si effectivement la grossesse n'est pas souhaitée, là, c'est problématique. Oui. Ça, c'est pas cool. Oui, ça, voilà, c'est sûr. Ce que je voulais dire. Ouais, ouais. Moi, bah, honnêtement, des gosses. C'est pas mon, c'est jamais bon. D'accord. Je suis content de pas en avoir. Bah, moi, je fais quasiment le vœu de pas en avoir, même si je finis vraiment par atteindre la limite date de péremption, on va dire, oui. Même pour un mec. Alors, je sais plus. On parle souvent pour les dames d'avoir la fin de la période de fertilité, oui. La ménopause. La ménopause, c'est entre 40 et 50, non? Je pourrais plus dire, mais il y a un nom pareil chez les garçons. Quand oui, tu deviens oui. Flappy de la bistouquette et que t'es devenu stérile. Ouais. Là, c'est. Hein, voilà, pas besoin de faire de dessin, mais. Voilà. Il n'y a plus la semence qui est apte à faire les fruits de l'amour, comme on dit. C'est pas. C'est plus reproduire à un moment donné. Eh oui, 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 oui. Mais c'est un nom chez les garçons et je ne retire jamais. Bon, d'ici là, on sera sur lui. Oui, voilà. Le nom. Alors, ménopause chez la femme, et c'est l'andropause chez l'homme. L'andropause, les termes de ménopause masculine ou andropause, que l'on retrouve principalement dans les médias, décrivent la baisse de testostérone liée au vieillissement naturel et les symptômes qui lui sont associés, notamment une baisse d'énergie, une perte de concentration, un gain de poids et un dysfonctionnement érectile. Voilà. C'était ça, l'andropause. C'est l'équivalent masculin. La suite. Nos écrans, on aura trouvé la réponse. Non. Du coup, on a dévié le sujet, c'est génial. Oui, et moi je disais, je pense depuis assez longtemps de ne pas avoir d'enfant. Bah, par rapport, ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue hors caméra, durant la pause, c'est le réchauffement climatique. Je ne suis pas confiant à l'avenir sur le moyen et long terme. Et je sais pas si ce serait un cadeau que voilà mettre au monde un enfant. Voilà, c'est terrible à dire, hein, mais ouais. Moi, en ce qui me concerne, personnellement, pas chaud. Ou alors, faudrait que je sois vraiment convaincu par ma compagne pour enfanter, comme on dit. Eh ben, c'est pareil, les enfants. Non, merci. Non, merci. Mais on est une génération qui, je pense, est très raisonnable au niveau du taux de natalité. Hein. Là, on bascule sérieusement dans une autre période où... Ça diminue, la taux de natalité ? C'est en train. Ah. C'est à l'échelle mondiale. Enfin, à l'échelle mondiale. C'est discutable. Parce qu'il y a les valeurs au niveau de l'Afrique, ça devient vraiment compliqué de suivre. Ça bouge aussi, ça fluctue, mais c'est plus complexe que ça. Ouais. Bref, moi, je dis que c'est pas une mauvaise chose. Mais bon, bref, qui vivra verra. Je cache pas que je suis pas inspiré de débattre là-dessus. Ouais. Moi, mais voilà, on a exprimé nos points de vue. Ouais, c'est assez tristounet, mais bon, c'est comme ça, quoi. Oui, bon, après, c'est le point de vue de chacun. Oui. Voilà. Ah, alors. Un autre sujet léger. Ah, alors c'est rare quand je parle avec enthousiasme de people, mais j'ai une affection particulière pour elle parce que je l'aimais bien et j'avoue que j'avais un poster d'elle quand j'étais ado. Britney Spears, surtout qu'elle a mon âge en plus, elle aussi. Elle a 40 piges au compteur.
Et Britney, je ne sais pas si tu étais au courant, dans les grandes lignes de son actualité, et elle était en fait, on peut le dire, prisonnière de son père. Et elle avait, bon certes, elle avait une rente, elle avait un, entre guillemets un petit salaire. Quand j'ai dit... J'ai oublié d'ouvrir le micro, merci Christella, je suis un gros nigo. Oui, donc je disais, bonsoir Néinonette, merci à toi de nous avoir rejoints. Pour dire que tu peux me rejoindre quand tu le souhaites sur ma vocale Discord, qui est le direct Twitch. Je reste ouvert à ce qu'on soit pas forcément que deux, si certains veulent éventuellement rapidement passer pour discuter un peu, échanger, mais il faut pas que ça soit une foire d'empoigne ou quelque chose d'inaudible, incompréhensible. Je reste quand même ouvert là-dessus. Mais Néinonette, tu me rejoins quand tu le souhaites sur la vocale. Voilà, je remets la vidéo. Merci du signalement, Christella. C'est une bourde de ma part. Aussi, ça fluctue, mais c'est plus complexe que ça. Bref, c'est moi, je dis que c'est pas une mauvaise chose. Bonsoir le sage, bon, bonsoir les viewers. Qui vivra verra. J'ai pas inspiré de débattre là-dessus. Alors moi, je t'entends. Bonsoir mon cher Néinonette. J'ai l'impression que ta voix est un poil trop faible. Je vais y remédier. Comment vas-tu? Alors attends, je vais régler mon son. Il est précisé mon son, faut juste pas que je le règle. Comme pourtant, j'avais déjà tout réglé d'avance. Mmh. Là, je te passe de 90 à 100%. Normalement, là, ça marche bien. Alors, si je remets la vidéo... En tout cas, ton micro est coupé, je ne sais pas pourquoi. Moi, je t'entends. Mais j'attends les retours du public. Hein. N'hésitez pas à vous manifester dans Twitch. Mais voilà, on a exprimé nos points de vue. Ouais, c'est assez trissounet, mais bon, c'est comme ça. Quoi. Oui, bon, après, c'est le point de vue de chacun. Oui. Voilà. Moi, je vais mettre 130%. Tu m'as l'air assez faible, en fait. Ouais. Fort et clair, tu dis, Popo. Alors. Ok. Un autre sujet léger. C'est moi qui dis un sou. Ah ! Alors, c'est rare que je parle avec enthousiasme de people. Mais j'ai une affection particulière pour elle parce que je l'aimais bien et j'avoue que j'avais un poster d'elle le quand j'étais jeune. Britney Spears. Je sais pas surtout si qu'elle a, elle a... Mais, enfin, je, oui, je t'entends. Vois que ton micro est coupé sur Discord. En plus. Ah oui, ça fait un décalage. Bah oui, parce que j'avais un écho. On va y arriver. Attends. Eh oui, j'avais coupé en fait sous. Tu as bien fait de me le faire la remarque. C'est pour l'effet d'écho que m'avait fait remarquer tout à l'heure Twin Sen. Évidemment, il y a mon retour de mon écran de téléviseur sur le micro. Ça me fait une boucle pas bonne. Mais moi, j'ai envie de vous entendre sans avoir les oreillettes. Voilà. D'accord, ok. Tu vas bien, le stage? Bah. Fatigué aujourd'hui, j'étais patraque, j'étais barbouillé, et puis les heures passant, je vais mieux, donc merci, ça va, bon, un coup de fatigue, hein, on va dire de fin de semaine. Et donc toi, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. J'étais de sortie aujourd'hui. T'as pas pris trop la flotte dans la tronche, parce que... Bah non, justement, on a fait demi-tour, on allait en ville finalement, enfin, à l'extérieur. Ah. Parce que le temps... Ah oui, le temps, heure, c'est giboulé de septembre. Ouais, bah oui. Eh bien. Ok. Hop. C'est le point de vue de chacun. Oui. Voilà. Ils répondent à ton chat. Oui, oui, bah oui. Un autre sujet. On reste attentif au chat par rapport aux questions. Ah, alors c'est rare que je parle avec enthousiasme de people, mais j'ai une affection particulière pour elle parce que je l'aimais bien et j'avoue que j'avais un poster d'elle quand j'étais ado. Britney Spears, surtout qu'elle a mon âge en plus, elle aussi. Elle a 40 piges au compteur. Et Britney, je sais pas si t'étais au courant, dans les grandes lignes de son actualité. Ah, j'ai Elle était en fait, on peut le dire, prisonnière de son père.
Elle avait, bon certes, elle avait une rente, elle avait un, entre guillemets un petit salaire. Quand je dis petit salaire, ça, je vais paraître fou en disant ça aux yeux de certains, parce que un petit salaire américain pour le niveau de vie qu'elle avait par rapport au Star International, nous, c'est un bon gros SMIC. Donc généralement, quand on a ça, nous, on se plaint pas. Mais disons que pour Whitney, c'est, on va dire, son train de vie, j'allais dire, c'est folie quotidienne. C'est exagéré, mais pour son train de vie habituel, quand elle n'était pas chapeautée, on va dire, sous la tyrannie de son père, diront certains, elle avait un train de vie bien élevé. Et là, elle a gagné un procès il y a quelques mois, où elle a pu regagner sa liberté. Là, il y a une belle chose qui lui est arrivée il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'elle a été chapeautée par Tonton Elton John, comme il l'appelle dans le milieu, et Elton John a accepté de collaborer avec elle pour lui faire un titre, un tube en fait. C'est pour la relancer. D'accord. Donc c'est sympa, c'est mignon comme tout pour sa carrière, elle est folle de joie. Et bon, sinon le côté un peu triste, c'est qu'elle est en couple avec je sais plus qui. Et l'essentiel évidemment, c'est qu'ils soient heureux ensemble. Et la malheureuse, elle a fait une fausse couche. Elle voulait un énième enfant, puis là. Bon, je pense qu'elle est balayée par le stress et les fortes émotions qu'elle a vécues ces derniers mois, donc le fait qu'elle ait gagné son procès contre son père et qu'elle ait gagné de la liberté, quoi. Alors je ne dirai pas qui, mais on m'avait informé concernant Britney Spears, quand j'avais lancé le sujet de discussion entre nous deux, qu'elle recommencerait à faire des âneries. C'est-à-dire maintenant qu'elle est libre, elle en fait peut-être un peu trop. Et paraît-il qu'elle a fait ce qu'on appelle des nus, qu'elle a publié sur Internet. Alors moi, je ne vous cacherai pas que c'est pas dans mes habitudes, mais par curiosité, en plus j'ai plein de sympathie pour elle, je suis amusé à regarder rapidement sur Internet. Alors certes, elle est retouchée, on voit qu'elle est, tu sais, siliconée, machin. Elle est, pour son âge, elle est bien. Bon, voilà, sans plus. Puis j'aime pas juger les physiques des personnes, mais non, elle est bien, elle est bien. Pas trop la musique. Par une période, j'écoutais souvent Avril Lavigne, mais c'est tout. J'aimais bien aussi quand j'étais gosse, du taille. Ah, Francis Cabrel, c'est pas mal aussi. Au fond du jardin. Vas-y. J'ai d'autres musiques, mais en tête, j'ai pas d'autres musiques. Mais c'est vrai que la musique que j'aime bien, c'est des musiques de films, des musiques de jeux vidéo. Je trouve que c'est cool quand elles sont bien faites. Ouais. Notamment, le jeu Outlaws d'hier soir, là, c'était très bien, la musique était vraiment cool. Ah ouais, la musique était extra de ton jeu, ouais. Western. Ouais. Ah ouais. Alors, t'aimes bien, je répète bêtement, parce que la dernière fois qu'on a fait le plateau de la Zéville, on a perdu de ce que tu disais, et je répète pour qu'on m'entende bien. Donc t'apprécies les musiques de films et les musiques de jeux vidéo quand elles sont bien faites, vas-y, continue. Quand j'avais la vingtaine, j'aimais bien écouter Avril Lavigne. Après les autres. Ouais, au cours de la balade, on a croisé pas mal de gens. Non, je te laisse répondre, du coup je coupe le son. Oui, donc oui, je disais, avec la balade, il y avait plein de gens, des vélos, des promeneurs, mais beaucoup de roues. Beaucoup de roues. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Ah, ok, oui, il y avait du monde. Bah, c'était un des derniers jours annoncés, on va dire, de chaud et d'ensoleillé pour la région, voilà, quoi, pour l'été. Ah, il faut que tu boives le sage dans le chat. Oui, je vais m'hydrater un coup, merci. Oui, il y a... Oui, Poupon qui dit le coquino, comme dirait Fanfan, oui. Oui, mais bon, comme elle s'exhibe publiquement, voilà... moi, j'ai de l'affection pour Britney Spears, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, depuis que je suis ado. Et puis, bon, bah, je lui... voilà, c'est, j'ai envie de dire, c'est offert par la maison. Je me cacherai pas que par curiosité, je vais voir comment elle a été retouchée, parce que elle aurait fait l'objet d'opérations de chirurgie esthétique pour bien présenter façon. Alors pardon, cliché poupée Barbie. Et de ce que j'ai vu, c'est tout à son honneur. Hein. C'est une belle femme, voilà. Oh mince, pardon, j'ai mal remis la vidéo. Bon, les nouveautés, trucs comme ça. Et récemment, j'ai regardé le. Le clip de Rammstein, Deutschland. Oula! Alors ça va plaire à Nachevan, il est fan, j'ai cru comprendre, du groupe allemand Rammstein. Pardon, excusez-moi. Oula, j'ai eu un rototo. Un rototo. Ça allait bien avec Rammstein. Voilà, mais sinon, les musiques, globalement, j'ai pas vraiment...
Quand j'étais gosse, je disais j'aimais bien Dutheil, j'écoutais avec le, à l'école, on chantait des chansons de Dutheil. Alors Dutheil, Yves Cabrel. J'ai pas en tête, peut-être d'autres que j'apprécie. J'aimais beaucoup la musique classique. Ah, et en fait, bon, après les grandes musiques, hein, comme Une petite musique de nuit, comme la cinquième de Beethoven, ensuite l'hymne de la joie, il y a aussi le Nostradamus, la Lacrymosa, okay. Requiem de Mozart, et ensuite Mozart. Et il y en a plein d'autres, il y a Tchaïkovski, Ouverture. Ah, j'ai pas le droit de voter, le sage. D'accord, donc on je sais, moi, je pourrais croiser. Bah oui, t'as pas le droit de voter. Classique. Ah, ouais. J'ai voté au joueur. Mais j'avais bien aimé la première fois la musique classique, c'était musique classique sans grande notoriété. Ouais. La deuxième, c'était pas ça, c'était insipide, et la troisième, ça m'a saoulé. Ah ouais, ouais. Mais on voit le mec qui est quasiment à poil qu'on croisait là. Donc en fait, tu apprécies toujours ce qu'on appelle, si je résume bien, tu me corriges si j'ai des âneries, tu apprécies ce qu'on appelle les si en musique classique, c'est-à-dire les airs les plus célèbres qu'on peut entendre ici et là assez régulièrement. Et ton expérience de l'opéra, en fait, a décliné. Tu y allais trois fois et à chaque fois que tu y retournais, c'est pas que ça te dégoûtait, concert. Mais ça te déplaisait. Concert. Ah, pas opéra. L'opéra, je suis juste une fois, ensuite je suis allé une deuxième fois avec des potes, mais ça m'a pas emballé. Ouais, ça n'a pas tant emballé. Mais aujourd'hui encore, tu aimes bien écouter dans ton coin tes morceaux choisis, pourrait-on dire. Voilà. Ah, sympa. Voilà, et sinon. Ok. Ouais, ça te viendra. Ah, bah, une prochaine, okay, merci d'être passé pour qu'on voit plus. Bonne soirée, bon app, bisous. Merci. Avec la musique classique, là, c'est bien. Bon, t'as des goûts assez éclectiques, puisque tu viens de me citer du rock étranger. Oui. C'est bien, des goûts et des couleurs. T'as raison. Musique électronique. J'ai vu musique électronique, ouais. Ouais, t'es bien si. J'ai vu aussi le bruit répétitif. Ah bah oui, musique électronique, cyclique. Les bruits cycliques dans la musique, même si c'est aucune mélodie, j'aime bien ça. Ouais, ouais, les boucles. Ouais. Mmh. Ouais, je comprends. Il y a sur tes streams, tu dis que c'est que cette musique, c'est répétitif. Et je dis non, laisse, c'est bien. Ouais, toi t'aimes bien. Ouais, je comprends. Oui. Alors, je pense que t'aimerais dans la musique électronique plutôt du côté américain. Parce que nous, côté européen, ce qu'on appelle exactement la French Touch, on est fort pour justement donner de la musicalité, intégrer des mélodies, alors qu'on fait usage de crépitements de puces électroniques, c'est-à-dire j'ai envie de dire presque de la musique, si je puis dire, non noble, comparée aux partitions, le fait que ce soit codé, codifié, avec les instruments classiques. Aux États-Unis, ils te rejoignent dans ton idée. Ils aiment bien quand ça pose une atmosphère. Il n'y a pas forcément une mélodie. Mais il y a une atmosphère qui est posée, qui est quelque chose qui est latent, en boucle, effectivement, cyclique. Je pense que tu aimerais plus les compositions côté américain, outre-Atlantique. Okay. Et sinon, voilà, c'est une musique qui est restée, je vais me revenir aussi, c'est Boléro de Maurice Ravel. Ça, c'est pas mal. Ah, le Boléro de Maurice Ravel, tu l'aimes bien. Ah! Alors, je pourrais plus dire qui est l'auteur en musique classique, mais moi, j'aime beaucoup la danse du sabre. J'en avais justement parlé, enfin, je l'ai énoncé sur le direct de Christella, quand elle faisait Assassin's Creed, je crois, parce qu'elle avait un duel au sabre qui était magnifique, avec les personnages du jeu. Et je disais, pour illustrer le combat, il manquait plus que la danse du sabre, c'était parfait. C'était un clip nickel. Au clair de lune, Claude Debussy. Claire de lune de Debussy. Ah ouais, ouais, effectivement, c'est les grands classiques. Ouais. Le beau Danube bleu. La musique d'Eric Serra aussi, elle est pas mal. Eric Serra. Notamment dans le jeu Golden Age 64. Ah, oh, ça va parler à mon cousin. Il aime bien ce jeu-là. D'ailleurs, j'ai chopé la bande son sur Internet et je l'ai sauvegardé. Ah, ok. Ouais, bah oui. Oh, voilà. Et sinon, il y a quoi d'autre qui était bien aussi, c'était musique classique. Vivaldi, les 4 saisons, je crois que j'ai déjà dit. Mm-hmm. Et Carmen de Carmen. C'est espagnol. Non, c'est espagnol ou français. Les 4 saisons et Carmen. Oh là là. Carmen, c'est l'opéra de Carmen. Oui. Non, c'est français, Carmen. Oui, merde, j'ai plus. Oh là là. Là, mon papa serait là, il me gronderait parce qu'il était pétri et fou amoureux de la musique classique. Alors, pause. Je précise, j'ai fait ma recherche. Carmen est un opéra comique en 4 actes de Georges Bizet. Sur un livret d'Henri Mehac et Ludovic Halévy. L'œuvre est une adaptation de la nouvelle Carmen de Prosper Mérimée. Carmen est une œuvre d'opéra comique qu'on peut rapprocher de l'orientalisme
en ce qu'elle se déroule dans une Espagne imaginaire. Voilà pour l'info. D'accord. C'est Georges Bizet. Et il tenait absolument ce que je connais, justement, les classiques en culture générale. Ah. Il serait là, il m'engueulerait. je sais plus. Merde, les Japonais l'adorent en plus. Ah, oh, des framboises. Je les mange. Oh, oui, poison. Quand tu veux goûter, c'est très bon. Alors, tu parles des végétaux au bord de la Meurthe. Alors, évidemment, je ne donnerai pas l'information. Mais il existe une plante, et ça m'a effrayé. J'ai une démonstration par mon neveu. C'est pas moi. Qui bosse. Ouais, c'est triste ça. Mon neveu qui bosse nature, animaux, etc., qui est animateur, il m'a montré que là, il y a une plante. Voilà, je t'avouerai qu'on l'a pas vu dans le plan là. Ouais. Mais dans le secteur, il y a une plante qui est extrêmement corrosive. Tu l'ouvres au niveau de sa base, au niveau de sa tige principale. Si tu as la sève qui t'arrive sur la peau, tu hurles. Parce que ça te fait fondre la peau. Oui, c'est de la soude, quoi. Carrément. Je ne savais même pas quel état naturel on pouvait avoir ça dans nos contrées. Et mon neveu m'en a fait la démonstration. Ça m'a foutu les jetons. Ensuite, il a gratté le doigt, il y avait un trou. Non, pas à ce point-là. Mais tu révises la signification du mot douleur parce que t'as vraiment comme si tu avais du psoriasis. C'est-à-dire que t'as une plaque rouge pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Comme le... Quand tu avales du piment, ce Covid 1 million. Oula! Ça te décape, ça te fait des douleurs dentaires. Ah oui, non, là, c'est une recette. Bah, petit clin d'œil à Olive qui tue. Je ne sais plus à quelle occasion, elle m'avait appris qu'elle avait. Elle aussi, elle était surprise, il y avait de quoi. Elle m'a tout autant surpris. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. On pourra en reparler, si elle le souhaite. Une plante qui donne des démangeaisons dès que tu la touches. Je ne sais plus son nom. Heureusement, elle n'est pas européenne. Elle est sur le continent américain, si je dis pas de conneries. Mais le problème, c'est qu'elle pique tellement que même avec des douches ou des bains spéciaux, tu peux pas neutraliser la piqûre. Et il y a... Non. C'est parfois à vie. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est en fait... J'avais lu l'article... La plante, si tu veux, elle t'injecte des micro-épines de résine naturelle sous la peau. Et le problème, c'est que ça te flingue complètement l'organisme. Il y a un mec qui s'est suicidé. Il a eu une grosse surface de son corps en rentrant accidentellement en contact avec la plante. Le mec, il a tellement souffert que le traitement n'a pas suffi pour soulager la douleur. Il s'est... Quick. Il supportait plus. C'est horrible. Tu dis, t'as un végétal qui peut pousser un homme au suicide rien que par la douleur. Ça fout les jetons. J'ai plus le nom, hein, mais je pense que là, pareil, devant nos écrans, je retrouverai assez rapidement la référence. Et non, je salue Olive Kitu qui m'avait appris que ce genre de végétal existe. Et waouh! Voilà. Ouais. On arrive, on voit le bâtiment au loin, on va passer à côté. C'est la brasserie de Champignol. Ah, pas grave. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, d'ici un quart d'heure, 20 minutes de marche, quand on sera près de la façade. Alors là aussi, je fais pause rapidement. Je vous ai balancé le lien, en fait, Wikipédia, pour ceux qui veulent le détail. La plante dont m'avait parlé Olive Kitu, que je salue, je l'embrasse. C'est appelé communément le Gimpy Gimpy, qui est une plante toxique dont la piqûre douloureuse peut durer des années et pousser les gens au suicide. Ces feuilles entraînent l'une des piqûres les plus douloureuses au monde. Et en fait, elles vous injectent des pics de silice sous la peau et ça part pas. Il y a un malheureux qui est tombé sur la plante là, littéralement. Mais à une surface de corps de contact très élevée, il l'a pas supporté, quoi. C'est horrible. Je savais même pas que ça existait, c'est Olive qui me l'a appris. Voilà. Donc vous avez le lien voilà, dans le chat pour en savoir plus. Ah, on a du bol, normalement il y a pas mal de cyclistes ici. Et là, donc, je trouve que c'est peinard. Proposer de garder la surprise jusqu'au bout, il paraît que c'est la rencontre. On a rencontré, c'est la surprise. Mince, pardon, t'as dit un truc, je t'ai mal entendu. Tu disais ? Je disais, faut pas leur dire qu'ils sont perdants ou gagnants la devinette, il faut attendre le dernier moment. Ah ! Oui, mais en même temps, j'ai pas donné la réponse. Oui. Les gars, je faisais souvent le. L'aller-retour ici, l'aller de côté, le retour de l'autre côté à vélo. Ah ouais, avant tu faisais ça à vélo quand tu étais gamin. Parce que c'était plein. Ah. Balzévi, j'y allais qu'une fois les 5 ans.
Ouais, bah ouais, oui, c'est plat, oui, c'est sûr. C'est pour ça que d'ailleurs qu'aujourd'hui je suis plus bavard que sur le plateau de Malzéville, oui, effectivement, il n'y a pas de côte. Donc ça peut pas me faire taire. Ah, ah. Si je peux assommer le chasse avec le chasse avec un bâton. Attends, je vais baisser la caméra, il y a quelqu'un qui passe en. Bah tiens, on va voir les champs cramés. Et il y a une personne qui passe en vélo. Alors du coup je vais filmer la. La côte rôtie d'ailleurs. Là, alors c'est, je rigole, mais la côte rôtie, en fait, elle existe vraiment ici. C'est le nom de Quasir du Flot que je filme. Là, oui, elle a le droit de s'interroger, la madame à vélo, mais je voulais pas pudiquement la filmer. Oui, ici, il y a un lieu dit, la côte rôtie, en vrai. Et là, c'est malheureusement, tristement de circonstances. Avec l'été qu'on connaît, qui est beaucoup trop sec. Donc là, ça fait encore l'objet d'un témoignage, où l'été a été un peu trop chaud. Ça craint du boudin. Voilà, il fallait que je parle des cyclistes pour qu'il y en ait plein qui déboulent. Ah bah ça y est, il y en a qui déboulent derrière maintenant. Parce que je vois un chemin goudronné. Ouais. Ouais, bah oui. Mais... Oh, pas mal, le... Mont Ventoux, ouais, pas mal. Pas l'uniforme, mais le... On parlait du loup, il y a plein de cyclistes qui débarquent dans cette... Eh ouais, j'aurais mieux fait de me taire. J'ai provoqué des cyclistes. enfin voilà quoi. Allez, j'essaie de me souvenir d'un sujet avant de rallumer le téléphone. Pardon, alors que je fais un autre toto. Ah, ça aide à la digestion la marche, je vous le dis moi. Ouais, ça fait remonter donc, les éclairs. Ouais. Alors, on peut parler. Je te laisse le choix. Je peux parler un peu de technique. Tout ce qui est Twitch. Tu peux mettre du côté ombre. Si tu veux. Oui, merci. Je attends, oui. Oh, comme tu veux. Non, tu peux rester à côté, au moins le micro, on enregistre un petit peu ta voix. D'accord. Mais maintenant, tu vois, je fais exprès de répéter, parce que la dernière fois, j'étais frustré du plateau Malzéville, dans le sens que tu avais dit des choses très intéressantes, je pensais que je captais ta voix, mais c'était pas le cas. Oui. Donc, je vais répéter les mots-clés comme un con, pour que ça nous revienne le moment où on fera la soirée, qu'on puisse développer D'accord. notre propos à nouveau. D'accord. D'accord. Okay. Alors, tu veux affiner la technique sur quoi? Alors, Twitch, Wisebot, Minecraft, côté de ma chaîne, il va y avoir des nouveautés, il y en a déjà. Ou alors, tout de suite, l'autre sujet que je pouvais aborder, merde, je suis en train d'oublier, c'était en lien avec la technologie aussi, mais c'était plus léger. Merdoum. Eh ben, ça me reviendra. Technologie, on peut aussi parler science. Là, il y a le coup de la fusée et le projet Artemis. Avec Thomas Pesquet, notre astronome, je ne sais pas si tu es au courant. Non, pas du tout. Ah, t'es pas du tout au courant. Merde. Alors, autant moi, je ne me suis pas concentré sur le sujet, autant j'ai eu des bribes d'informations qui me sont parvenues. On va lancer à la fin de la semaine, samedi, heure française, depuis, je crois, Cap Canaveral, enfin, du moins depuis les États-Unis, on va lancer une fusée dont la mission va être de rentrer dans l'orbite de la Lune et revenir sur Terre. Et en fait, cette mission-là, qui, avec une fusée qui va être bourrée de capteurs. Oula, quoi, sentier bêta? Il y a eu un projet. C'est des gamins, ça, c'est pas possible. Donc, la mission Artemis, une fusée qui va aller dans l'orbite lunaire, bourrée de capteurs, et qui va servir à préparer une mission habitée, où l'homme va retourner sur la Lune. Et ça, c'est assez sympa. Je pense que Monsieur Poupon pourra nous en parler avec passion, parce qu'il suit le projet de près. Surtout, je vais pas poser la question, mais je pense qu'il a vécu, Genot, les pas de Neil Armstrong sur la Lune en direct. Enfin, j'espère ne pas me méprendre sur son âge. Sinon, je vais me faire engueuler. Il va dire, ah, je suis pas aussi vieux que ça. Et on embrasse Monsieur Poupon. Qu'est-ce qui s'y intéresse, quoi. C'est vrai que ça... J'ai envie de dire que ça met de la poésie dans l'existence. C'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt bienvenu. Voilà, voilà. Alors, c'est vraiment dans les grandes lignes que je t'ai présenté la mission Artemis. Et la fusée est en train de décoller samedi. D'accord. Alors, elle aurait dû déjà décoller précédemment, mais ils ont eu un souci de je sais plus quoi, calibrage de son, je sais pas quoi. Et ils ont préféré tout arrêter et refaire une inspection générale avant de relancer une semaine plus tard. Ce qui est effectivement sage, ce serait couillon de perdre la fusée qui vaut je sais pas combien de milliards de dollars. Sur
Je sais pas ce qu'ils ont mis à la craie. Au moins, ça a le mérite d'être coloré. Mais apparemment, il y a une exhibition de végétaux où ils expliquent, là. C'est pas mal. Alors, on est à quelques pas, en fait. Là on voit un peu des vaches. On est à quelques pas de Pixericourt, qui est en fait un centre... oui, voilà, il parle de la renouée du Japon, dont je parlais tout à l'heure. Pixericourt, qui est un centre réputé en France de formation, et justement, mon neveu vient de là, de nature et... j'ai failli dire nature, pêche et tradition comme un idiot. Mais voilà, formation nature, animaux, végétaux, etc. Les meilleurs agriculteurs viennent de Pixericourt. Bah, tenez, on voit les bâtiments là. C'est une partie de l'école. Ouais. Élevage de Pixericourt. J'ai pas vu, hein, j'ai pu regarder. Ouais. Ah oui, ça, ils ont écrit des trucs. C'est pas mal. C'est pas mal l'idée de donner les noms de ce qu'il y a sur les côtés. C'est pas court du tout. Ah, de l'aubépine, tiens. Ça, c'est pas con. On voit ça, voilà. Au moins, on est informé. Ah, c'est mieux que le métavers. Hein. On a quand même l'information. Oh, les belles vaches. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des meumeux d'aussi près. Oh, les pauvres chattes, elles ont chaud. Bon, je vais tendre le bras, mais sans m'approcher plus, parce que je suis pas là pour faire peur à l'animal. Elles sont belles. Oh là là. Oh là là. Oh, les pauvres avec les mouches. Enfin bon. Elles sont habituées. Oh, c'est vrai que je plaide coupable. Je sais pas si c'est des laitières, mais j'ai envie de dire, mesdames, j'ai plaisir voilà. De boire votre lait de temps à autre. Les animaux que nous avons rencontrés. Ouais. Vas-y, tu peux parler, je fais pause. Ouais. Je voulais juste dire ça, en fait. C'est rien d'autre. Bah, la réponse on voit... était... On voit qu'elles sont habituées à l'homme, hein. C'est bien, elles ont pas paniqué, elles ont pas bougé. Adorable. Elles sont belles. Juste après, il y a un combat de vaches. Oui, elles ont l'air pas trop belles. Oui, sur notre retour, j'ai eu un soupçon de combat de vaches. Bah, mais ça, on verra ça plus tard sur le retour. Les moutons qui n'étaient pas encloisonnés. Ce qui est exceptionnel, c'est la première fois que je voyais des moutons en liberté, j'en reviens pas. C'est franchement, c'était craignos. Ah, je suis content d'avoir une séquence animaux. On est à la campagne à côté de Nancy. Ouais, la campagne est proche de Nancy, à quelque part. Oh, ouais, je suis content de pouvoir vous montrer ça. Là, dans les médias, franchement, la vache au premier plan, la belle noire, là, je n'ai Dieu que pour elle. Elle est magnifique. Ouais, la plastane, c'est autre chose. Ils sont bien brossés, les vaches. Alors, la plastane, ouais. Il y a les commerçants et les artisans de la ville. J'ai vu ça ce matin. Au fond, on voit l'école de Pixericourt. Pas idiot. J'essaye de faire, j'oserais dire, honteusement, marcher la machine Afrique, bien que ce soit de l'art quelque part aussi, si on regarde le bon côté des choses. Ils vont mettre en vente des bustes du roi Stanislas. Ouais. Mais des bustes vraiment taille réelle. D'accord. Recouverts d'or, pour les plus chers, en verre. En bronze, et je sais plus quelle autre matière. Ah. Ouais, mais ils surfent sur la vague monument favori des Français, ils sont pas cons. Oh là 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 là. Alors, tu vois. Ils sont collés l'une à l'autre. Ouais, solidarité de l'espèce, je pense. Ouais. Mais je pense qu'elles sont solidaires entre elles. Elles se consolent. Ouais. C'est normal. La pauvre, elle regarde déjà qu'elle a les mouches. Et puis si il y a ses copines qui viennent la titiller alors qu'elle veut être peinarde. Ah là là. On dirait qu'elle pleure, la vache. T'as vu, on dirait qu'elle a des larmes marron qui sortent des yeux. Oh, espérons que la pauvre ne soit pas souffrante. Je vous avouerai que j'y connais rien. Je sais pas si c'est quelque chose de positif ou de négatif, mais on a l'impression qu'elle est dans la douleur, la demoiselle. Des femelles. Si on voit quelque chose avec des cornes et qui bouge les pieds, faut. Oui, je pars du principe que c'est des femelles. Oui, je vois pas de bois. Et, elles sont posées. On voit qu'elles ont l'habitude du contact humain. Allez, oui, dis-moi. Le taureau, ah, je me trompe peut-être. Ah, les taureaux, castré. Ouais. Le bœuf, c'est évidemment celui sur le castré. Bah oui, bœuf castré. Mais tu sais que t'as des vaches comme des vachettes justement à Interville dans le bon vieux temps qui ont leurs cornes. Hein. C'est pas propre au mâle, hein.
Je réfléchis encore à ta devinette, mais je vois pas. On entend un train. Je sais pas si vous l'entendez, mais on a un train. Une voie ferrée sur le trive. On verra d'ailleurs la voie ferrée sur le retour. Je vous la filmerai, puis je vous parlerai d'un petit truc. Alors, pause, oui, sur la vidéo. Déjà, 255, c'est un nombre qui est parlant en informatique. Alors, normalement, c'est 256 qui est multiple de 16. Mais... En gros, c'était quoi ton raisonnement? Vas-y, dis-nous tout. Alors, dans les fusées... Dans la fusée... c'est justement la fusée Ariane, c'est pas Apollo qui fait référence. Quand ils ont lancé la fusée, je crois que la 4 ou la 5, je sais plus, a explosé dans le ciel. Dans le ciel, juste après le décollage. C'était dû à une mauvaise programmation de la valeur 255 et s'est retourné à zéro. Du coup, la fusée a tourné sur elle-même et elle a explosé. Ah, je me souvenais pas, non, tu vois. C'est quelqu'un qui, c'est un informaticien, un pote qui m'a raconté ça. Informatique. Et il m'a dit que c'était ça le problème. Bah, je sais plus quelle mission spatiale avait échoué parce que par leur grand malheur dans la programmation informatique de l'électronique embarquée. Ils avaient oublié dans la formule mathématique de fermer une parenthèse. Il y avait une parenthèse qui était restée ouverte. Ce qui merdait au niveau de la priorité mathématique. Vous savez que les divisions et les multiplications sont prioritaires sur les soustractions et additions. Et il y a eu un problème comme ça avec les variables dans l'ordinateur de bord de l'aéronef qui a fini par exploser parce que l'équation n'était pas équilibrée. Enfin, c'est pas le bon terme. On dit équation équilibrée quand on fait par exemple de la physique chimie, mais il y avait une erreur de voilà dans la copie d'un point de vue mathématique. Et c'est terrible. Une parenthèse fermante de foiré et c'est je sais pas combien de millions de dollars qui sont partis en fumée dans l'espace. Ouais. C'est moralité voilà, puis c'est la science. Moralité puis envoyer de fusée dans l'espace. Non, c'est limite parce qu'il y aurait des mêmes problèmes pour des structures terrestres. Ouais, enfin bon, bref, c'est pour ça que c'est toujours un événement quand il y a une fusée qui décolle et que ça réussit. C'est waouh, c'est énorme. C'est une addition de talent et de science. C'est merveilleux. Moi, je comprends que Monsieur Poupon ait les étoiles, enfin des étoiles dans les yeux à suivre le projet Artemis. Ouais. C'est un sacré défi humain. C'est la somme de tous les talents humains, j'ai envie de te dire. C'est merveilleux. Il y a de quoi philosopher. Artemis, déesse grecque de quoi? De la chasse. Et de la chasteté, je crois. Je pourrais plus dire. Je pensais à Amazon, mais c'est autre chose. Tu as peut-être raison. Écoute, on peut regarder rapidement sur Internet. La toute puissance d'Internet et éventuellement de Wikipédia. Je vais taper Artemis. Je vais vous le lire en direct. Alors, Artemis est une déesse grecque. Voilà, déesse grecque antique, la déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements. Le fait de mettre bas. Et c'est là. Non, pardon, vas-y, je t'en prie. Elle est la fille de Zeus et de Leto. Elle est la sœur jumelle d'Apollon. Voilà, les beaux gosses. Donc, tu voulais dire quoi? Il faut ajouter que ces nymphes étaient soumises à la chasteté. Oh, ok. Une fois, il y en a une qui a transgressé la règle et surtout que ça a pas plu à Artemis et elle s'est vengée. Ah, ok, merci pour l'info. Et le lien avec la mission spatiale en fait Artemis, c'est parce que elle est liée à la Lune avec Sélénée et Hécate. Voilà comment Hécate, du pourquoi. Hécate, la déesse. C'est quoi? Et Sélénée, je sais plus. Et ouais, c'est vrai qu'on peut faire le lien avec la Lune pour Artemis à ce niveau-là, au niveau des accouchements, parce qu'on m'avait appris quand j'étais plus jeune que lorsqu'il y a la pleine Lune sur Terre, qu'on voit la pleine Lune, ça influence déjà le coefficient dit des marées, c'est-à-dire que les eaux se lèvent, semblent se détendre et se lever, monter en atmosphère, attiré par l'attraction lunaire. Et ça marche pour tous les fluides. C'est-à-dire même apparemment nos fluides corporels. Ça explique pourquoi on dort mal la nuit quand il y a une nuit de pleine lune. Ça inspire différentes choses dont le mythe du loup-garou en partie viendrait de là. Justement le fait de la pleine lune qu'on devienne bestial et en fait foudrage de ne pas réussir à dormir et à errer la nuit. Ça viendrait de là. Et aussi que ça provoquerait des accouchements.
quand la jante féminine est à son 9e mois de grossesse, le fait d'être à une nuit de pleine lune, ça encourage la perte des os et l'accouchement. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Non, non. Mais par contre, je peux faire une parenthèse aussi sur le système d'attraction lunaire sur le sommeil qui fait mal dormir. Moi, c'était un peu différent. J'ai fait une connerie. J'avais démonté un disque dur d'ordinateur qui ne marchait plus pour voir comment il était. Et puis, j'ai parti des trucs un peu partout, puis j'ai mis un plateau dans ma poche de pyjama. J'ai dormi avec. Et le lendemain, je me suis réveillé, j'avais mal à la tête. Et j'avais la tête qui tournait. Et bah, du coup, j'ai enlevé le disque dur et puis c'est passé. Waouh! Effectivement! Ça magnétisait le sang, quelque chose comme ça. J'ai pas vérifié, mais j'ai fait le lien comme ça. C'est forcément ça qui m'a fait faire ça. Et quand, une fois que j'ai enlevé, au bout d'une heure, c'est parti. Oui, va savoir. Oui, tu t'es peut-être détraqué l'organisme avec le corps étranger, on va dire, qui était à proximité de toi. Wow. Voilà, mais il n'est pas rentré dans le corps. Hein. C'était posé sur ma pelle de pyjama. Oui. Voilà. Et voilà. Et puis aussi, je voulais dire à Christella, oui, toi tu dis Apollon, tu veux parler du programme Apollo en anglais, le truc qui allait sur la Lune, les différentes missions américaines qui vont sur la Lune pour aller, voilà. Ah oui, ne pas confondre Apollon et Apollo. Allez, Zou, on continue la vidéo avec les menus. Mais merci de l'anecdote, fort intéressant. Ouais. Bon, je vais pas rester trois quarts d'heure devant les vaches, mais je ne désespère pas qu'un jour je puisse passer sans déconner une journée en compagnie des chevaux. Je vous avais déjà expliqué que c'est un animal qui m'intrigue. Mais là, oui, je suis bien on est resté quand même trois quarts d'heure devant les vaches. Des dames meumeux. Enfin, je sais pas si toi t'es habitué à en voir. Non, t'es de la ville, t'es comme moi. Hein. T'es pas habitué à avoir des vaches. À la campagne, ah, t'as une période campagne, ouais, mais il n'y avait pas de bétail. Ah, d'accord. Ah, ouais. Agricole, c'est-à-dire, il n'y avait pas d'animaux. Ouais, il y avait des poules. Ah, des poules, ouais, une petite basse-cour, mais ouais, t'étais dans la zone agricole que céréalière, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, t'avais pas. Tiens, ça me rappelle un terme technique. Quand c'est des animaux, on parle de cheptel. Ouais. Mais sais-tu, en agriculture, qu'est-ce qui désigne le cheptel mort? Non. C'est le matériel agricole, les machines. C'est tout ce qui est moissonneuse et tout le bordel. Ça m'a surpris, mais c'est un terme technique. Quand tu parles de cheptel mort dans l'inventaire d'un agriculteur, c'est toutes ces machines, tous ces processus mécaniques. Le stage a disparu pour quelques instants. Automatisé. Pardon ? Faut y revenir très vite. Cheptel mort, mais fonctionnel. Oui, fonctionnel, bien sûr. Mais c'est tout ce qui est, on va dire, propre à dans l'inventaire, dans le patrimoine d'une exploitation agricole, quelle qu'elle soit, qui soit non vivant, mais qui entre dans le processus de transformation de matière première en produit fini. J'ai l'impression de parler comme un prof d'économie de droit. Alors que c'est pas du tout ma discipline. Oh, elles sont belles. Bon. Tout à l'heure, celle-là. Oui, qui, laquelle? La noire et blanche. Ah, qui nous regarde, la 6943? 6943. Elle a un pin's à l'oreille. Elles ont toutes une petite cloche ou elles ont juste un truc avec... Ah non, je pense qu'elles ont toutes leur cloche. C'est une peut-être une balise GPS, ouais, je sais pas quoi, pour les... Ouais, les identifier, en plus de la... On va dire la boucle d'oreille qu'elles ont. Chien spécifié, alors pardon du commentaire, mais bon là on a un peu de vent, elles sentent pas mauvais, hein. Parfois ça peut être odorant. Ce sont, mesdames et messieurs, des vaches propres. Ça va. Ouh, le sage a vraiment disparu. Elles sont propres sur elles. Elles présentent bien. Oh là 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 là. Ah non, elles sont magnifiques. Bon, c'est pas tout de rester ému comme un idiot devant les vaches, on va poursuivre. Allez, une marge de 500 km nous attend encore. C'est ça, 500 bornes. Ça use, ça use. Eh ben, au revoir mesdames, si je puis dire. Bon broutage. Oh non, elles sont magnifiques. Bon, c'était la pause, pas sponsorisée par Minka ou l'industrie laitière, mais presque. T'es intrigué par le marquage au sol, Fromose. Ouais, il y a encore les informations des plantes non toxiques. Ah, c'est gentil de le préciser. Oui, j'allais dire, oui, c'est gentil pour les vaches. Je reprends le micro, ça me rappelle une anecdote en parlant des bovins.
Il y avait eu un sondage au niveau des adolescents allemands dans les années 90-2000, je sais plus, peu importe. Il y avait les adolescents urbains. C'était un test, une évaluation de culture générale en Allemagne, je crois. Ou de manière ciblée, je sais plus, justement, délibérément, cibler les influences de la télévision au niveau des jeunes têtes, des têtes blondes allemandes. Les ados allemands sondés, la question était de quelle couleur peut être une vache, la robe d'une vache. Et il y en avait 30% de ceux qui habitaient en ville, donc les urbains, on va dire, en opposition aux ruraux, qui avaient répondu violet. C'est-à-dire qu'ils avaient été influencés par la pub, ils pensaient qu'on pouvait trouver cette couleur de robe naturelle chez les vaches. Ils avaient été influencés par la pub de la marque Milka. C'est quand même dingue. Ouais. Alors, je peux faire une petite blague ? Mais vas-y, je t'en prie. Alors, merde, j'ai oublié. Je vais faire la blague, mais elle n'est pas préparée du tout. Je sais comment elle s'est terminée, mais elle n'est pas préparée. Je cherche un truc. Vas-y, continue la vidéo. Je vais essayer de rechercher et réfléchir en même temps. Ok, tu me dirais quand tu es prêt pour la vanne. Oui, c'est complètement dingue, ouais, comme tu dis, Christella. Bah ouais, mais l'influence de la télé, lobotomisée, et voilà quoi. Ouais, il y a encore les informations des plantes non toxiques. Ah, c'est gentil de le préciser. Oui, j'allais dire, oui, c'est gentil pour les vaches. Alors oui, pareil, je vais refilmer le champ parce qu'on croise des cyclistes. Oui, bah tiens, on voit encore un peu l'école Pizzerico que je présentais tout à l'heure. De quoi, elle est juste là, quoi? Ah, l'école, oui, bah oui, c'est le bâtiment blanc. Là, c'est des salles de classe, normalement. Ça, c'est les vaches de l'école. Oui, c'est les vaches de l'école, ouais, c'est ça, qu'on a vu. Ouais. Ben, mon neveu m'avait dit qu'ils avaient même des chevaux, justement. L'animal qui m'intrigue. Mais les chevaux sont plus hauts, ils sont là du petit bois qu'on voit là. C'est dans un autre enclos, dans la partie supérieure. À moins qu'ils aient changé depuis, hein, mais il y a encore 2-3 ans, c'était comme ça. Ah. Alors, je profite pour faire mon topo sur la brasserie de champignoles dont on voit les silos ou cuves d'ici. Donc, brasserie pour la bière de la marque Cronenbourg, mais pas que. La brasserie de champignoles qui est réputée elle aussi à sa manière, en même temps je ne pourrais pas m'empêcher de faire mon chauvin sur ma ville. J'avais un cousin qui bossait, et bon, aujourd'hui à la retraite, tant mieux pour lui, mais il a bossé de nombreuses années dans cette brasserie. Et je sais plus combien d'hectolitres elle fait. Enfin, elle a un sacré bon rendement pour une usine de bière. Je pense ne pas me tromper. Si j'ai affaire qu'en volume, c'est peut-être l'usine de bière, la brasserie la plus productive du Grand Est de la France. Bon. Non, la brasserie, c'est ce que tu vois en face de nous, les cylindres métalliques. Avec le bâtiment en pierre rouge et la grande cheminée blanche et rouge. La cheminée blanche et rouge, c'était une centrale électrique, c'était la centrale de... Mais non, elle est plus loin, il y a un pont à mousson, la centrale électrique de charbon. Ah oui, non, c'est pas ça. Non, là je suis catégorique, ça fait partie de la brasserie. Par contre, quand on va atteindre notre objectif géographique de la passerelle dite du Moulin Rouge, du Moulin Noir, pardon, du Moulin Rouge, c'est le cabaret, oh le con, merde, fallait que je fasse le lapsus, c'est à l'émode. C'est à cause de la cheminée des bicolores. Il y a une centrale toute récente hydroélectrique, centrale barrage hydroélectrique, une petite, mais je pourrais vous la présenter. Elle est sortie de terre il y a 5-6 ans. Je t'ai passé une fois, je sais plus, à pied ou en vélo, peut-être en vélo, tiens. Au moment où il la construisait et qu'elle s'apprêtait à être opérationnelle les mois suivants. Alors ça, c'est un micro point d'eau qui est privé. Hein. Vous pouvez pas pêcher. D'ailleurs, je me demande si ça appartient pas à Pizzerico, justement, la fameuse école. Je vous expliquerai tout à l'heure le nom Moulin Noir. On voit les serres qui sont cultivées. C'est un champ qui appartient à une assoce, l'assoce Lortie,
qui est vachement bien, dans le sens qu'elle aide des, on va dire, des personnes en difficulté de réinsertion sociale de manière générale à se retrouver un emploi et, on va dire, remettre le pied à l'étrier dans le monde du travail. Petite parenthèse, je le sache. Oui, petite parenthèse. Le plateau de Malzéville, il est là. Alors, le plateau de Malzéville, il est là. Parce qu'on voit l'antenne qu'on avait visitée la dernière fois, l'antenne, elle est là. Et ça, c'est le plateau, voilà, le versant. Quand tu commences à voir les autres collines au loin, ce n'est plus le plateau de Malzéville. D'accord. Ce sont d'autres bois. Surtout, était juste là. C'est ça, ouais. Mais tu fais bien de poser la question. Ça fait un repère. Ouais, tu as parfaitement raison. D'ailleurs, je refais un plan, tant ta question était pertinente et que j'y avais pas pensé. Moi, ça me semble naturel, donc ça me choque pas, mais c'est vrai que je suis censé vous présenter les lieux. Effectivement, Frobose a raison. Là, c'est le plateau. On reconnaît l'antenne où on était avant. Enfin, avant. Au milieu de l'été. Et là, on regarde direction les Saint-Christophe. Et là-bas, on regarde direction Pulnois. Frobose Nayonnais. Voilà. Vous voyez, Frobose Nayonnais. Oui, pardon. C'est vrai que je garde mon ancien pseudo. J'ai prévu de changer de pseudo tous les mois. Non, ah bah, si tu changes tous les mois, elle n'a pas fini. Mais pardon, c'est vrai que c'est Frobose que j'ai retenu, moi. Oui. Mais c'est pas grave, je sais que c'est moi. Oui. C'est sur Internet. Oui. Allez, Valou. Donc voilà, voilà. Ouais, petite pause par rapport au niveau de la carte. Je vais vous montrer, attendez. Je sais pas si je peux faire en surimpression. Ah, je suis en train de faire des bêtises avec mes fenêtres. Ah, la carte du lieu où nous sommes. Je vais y arriver. Je ne perds pas espoir. Si, je perds espoir parce que je suis la fausse manip. Ah, Boogie Boo. Attendez, si je fais un F11, ça... Oui, voilà. Vous voyez, Brasil Champignol, donc on voit la Meurthe, la rivière, et je vous parlais donc de Pixérécourt, l'établissement, voilà, le lycée. Donc en fait, on est dans la partie là, je sais pas si vous arrivez à voir l'espèce de creux, je sais pas comment dire. Donc on voit l'espèce de grand A. Souvenez-vous, sur le plateau de Malzéville, il y a un aérodrome qu'on avait vu. Nous, on avait fait le tour, on avait contourné le Schmilblick. Et là, on est en contrebas, on est en aval, le long de la rivière, on est là, au niveau de la Basserie Champignole. Et va y avoir un choix qui va être fait à Frobose, c'est soit d'aller à droite, vers le renclos allemand, etc., Piroué, soit de continuer véritablement encore le long de la rivière à gauche. Vous allez voir par la suite ce qu'il en est. Voilà pour la localisation géographique. Alors attendez, je vous remets ça. Excusez-moi, voilà ce qu'il en est. Voilà, nous verrons de ce qu'il en est exactement. C'est le champignol. Alors, je refais encore quelques plans quand on passera bien devant. Mais c'est vrai que c'est un sacré édifice. Ah bah tiens, on verra les palettes avec les containers. Je les vois déjà de mon vue de ma vue. Parce que là, on va faire le virage. Et je sais pas, peut-être que vous captez déjà avec la vidéo là-bas au loin, le côté un peu bleuté au loin, c'est les palettes de bière, en fait, de canettes de bière ou de bouteilles. Ouais. Elles sont en vert bleu très foncé là-bas au loin. La masse cubique. Oui, la masse cubique là-bas, c'est ça, ouais, c'est le stockage de la brasserie. Alors, vu que c'est exposé en plein soleil, je pense que c'est les contenants vides. C'est-à-dire les emballages avant que ce soit rempli et que ça parte dans le commerce. Je présume, hein, je ne suis pas dans le secret, mais ça me semble assez logique. J'ai l'impression que je suis dans le métier. Ouais, ouais. Non, mais ça me semble un peu... Alors, on me corrigera s'il y en a qui connaissent le milieu, mais je trouve ça un peu débile d'exposer, surtout avec les températures qu'ils font en ce moment, et puis draper de noir, enfin de couleur foncée, en plein soleil, une boisson qui plus est gazeuse... Paf, ça explose. Voilà, pour moi c'est une hérésie, donc je présume que c'est les contenants vides avant qu'ils soient remplis en usine. Ouais. Ou alors il faudra m'expliquer. Il faut faire climatiser, n'est-ce pas? Ah bah, oui. Ce serait pas malin, foutre de la climatisation pour un stockage de... Enfin bon, bref. Vous pouvez constater que le ciel est magnifique, alors, tiens, quelques nuages. Bon. Et sur le retour, de parler du mot-clé-clé, je vais rebondir là-dessus. Oui, c'est vrai. Je sais plus, je crois que je t'en avais parlé durant le plateau. Mais bis repetita, pas grave. Un ancien, un ingénieur, la tête bien faite, bien malin. Il a trouvé un moyen de réduire la consommation des climatiseurs. Ils sont tout aussi performants après sa transformation qu'il a évidemment breveté. Bonne consomme 7 fois moins d'électricité. Ouais.
Alors, j'ai envie de dire, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la planète. Mais bon, je suis pas d'humeur à lancer le débat. C'est juste que mon idée, c'est la clim, c'est bien pour, on va dire, les entreprises, les gros groupes et l'industriel, mais pour le personnel, comme ils le font au Japon, il n'y a pas d'appart sans clim au Japon, là je suis plutôt contre. Mais c'est un avis personnel. Il vaut mieux un bon ventilateur, ça fait le taf de manière beaucoup moins dangereuse pour notre planète. Bon, moi je dis pas de ventilateur, faut aérer la nuit. Non, faut habiter au village supérieur pour éviter les mauvaises visites d'un truc. Ah oui, non, c'est une sauterelle. Il faut bah, fermer la journée. Quoi. Oui, bah ouais, ouais. Ça marche bien. Ouais, ouais. Bon, après, ça fait une différence de 10 degrés, mais c'est pas non plus super. C'est pas non plus avec le ventilateur, t'auras encore plus de fraîcheur. Mais disons que je suis pas fan des ventilateurs. Ah ouais. Ah si, moi je suis fan du ventilo. Pardon ? T'as un ventilateur ? Ah oui, moi je suis pro-ventilateur. J'ai jamais eu de clim. D'accord. Les rares moments où j'ai bénéficié de clim, c'était les bagnoles des membres de ma famille. Sinon, j'ai jamais connu la clim, sans déconner. Et encore si, une fois, quand j'étais gamin, j'étais ado, c'était, tu sais, à l'école, le fameux premier stage en entreprise, pour t'initier au monde de l'entreprise. Et donc, évidemment, je ne me suis pas cassé, j'avais pris l'entreprise de mon papa, ça facilitait les choses. Par contre, ils ont fait une grosse sonnerie avec moi, c'est qu'à l'époque, ils avaient mis dans les locaux la clim. Ouais. Et sauf que mon corps n'a pas du tout aimé. Ah oui. J'étais malade comme un chien le lendemain. Mais quand je dis malade, j'étais 42 fièvres, quoi. J'ai, l'organisme a très mal... Ouais, et c'est pour ça que je suis pas clim. Ça me déglingue. Mais je suis une petite nature, vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent. Je suis un fragile. Ah, c'est un train qu'on entend. Je me dis, merde, qu'est-ce que j'entends au loin, qui arrive au galop, là. Ah, j'entendais le vombrissement du... Non, ça doit être un... Ah, c'est un TGV, j'ai l'impression. Un TER, ouais. Et il a l'air lourdement chargé, parce qu'il fait du bois sur les rails, là. Là, il y a du frottement. Il doit être bondé. J'espère qu'on va se percuter quand même. Quelle catastrophe. Je m'autocongratule. Je tiens à signaler que depuis que nous sommes partis et que j'enregistre, j'ai eu aucune coupure de film. Vous entendez le train ? Ça semble être un train de marchandises, ça fait un bruit plus sourd. Ouais, on voit que c'est des wagons crades, ouais. Là, c'est le train de marchandises qui passe. Bah, peut-être que sur le retour, on aura la chance d'en croiser un. Ouais. On va être toute proche de la voie ferrée. Et pour peu qu'on voit un train, ça va être impressionnant dans la vidéo. C'est une bonne vue parce qu'on les voit de loin. Là, on est au bas du talus, donc on ne verra pas les trains, je pense. Non bah, oui. Si, il n'y aurait pas la Renault du Japon, on les verrait, les trains, là. On les aurait vus aussi si on avait pris un autre sentier la dernière fois sur le plateau de Malzéville. Peut-être chose qu'on fera dans le futur, les années prochaines. C'est pas exclure. Ouais, ah, volontiers. Voilà, là on voit vachement bien la brasserie. Alors qu'on va croiser un homme juste en mini short. C'est limite s'il n'y a pas des mecs qui se promènent dans leur tenue. La brasserie Cronenbourg ou la brasserie Lef? Ah, il y en a qui ont la belle vie. Quoi qu'ils font multiples origines. Regardez-moi ça, là. Alors, multiple. Autant je ne ferai pas le... J'ai souvenir qu'ils ont fait Cronenbourg, en fait. Parce que j'ai un cousin donc, qui bossait et il encapsulait les fameuses bouteilles Cronenbourg. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, celle qui était en verre de 33 centilitres. Depuis, ça a été racheté par un groupe allemand. Mais je vous en reparlerai plus sur la vidéo du retour pour une raison toute bête. C'est que je suis assez muet sur le retour, la fatigue se faisant sentir. Là, j'ai un quasi monologue avec toi et je vais en fait garder mes informations plus sur le retour. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais oui, pour répondre à ta question à toi, Nainonet, oui, il y a une époque pas si lointaine que ça. Effectivement, c'était des palettes entières de bière Cronenbourg qui sortaient de cette usine, oui. La gloire à comment dire, à l'industriel, industriel, ouais. Mais ça compte de la tronche. Voilà, brasserie de champignoles. La fameuse. Je me réussis à éternuer, zut. Oh, ça viendra naturellement l'éternuement, t'en fais pas. Ah là 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 là. Voilà, un presque 360, alors qu'on marche.
Je pense pas que vous entendiez des corbeaux. Il y a des corbeaux au loin. Au niveau du bois, on les entend croasser. On entend du bon chat. Ah ouais, non, mais je vais tourner la caméra pudiquement parce que le mec, il est... Bon, espérons qu'il aille bien, Réglis. Oui, il veut jouer avec le laser de la télécommande du vidéoprojecteur. Ah là, mais on serait dans les Vosges, on aurait dit on a trouvé la bête. Oui, 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 je vais la boucler parce que je vais me faire casser la gueule. Phobos, ils ont bâché l'entrepôt de foin. Oh. Ouais, ou je sais pas quoi, mais de mémoire, je crois que c'est la première fois que je vois toute une façade de l'entrepôt de foin qui est bâché. Alors ça, c'est nouveau, je m'en souviens pas. J'ai regardé quelques photos du bâtiment des années précédentes, et là, ça me... Avec un peu de chance, je pourrais peut-être vous faire un comparatif. Ça me rend fou de voir un masque usagé qui pendouille au barbelé. Ah, ça me rend fou, ça. Allez, c'est parti. Wow. On voit même une antenne de 3G, 4G là-bas. Ouais. Ah oui, il y a du popo de cheval. Peut-être justement le... Le cheval dont je parlais tout à l'heure, ça m'étonnerait pas. Ah oui, le chat de... Ah. Alors, le chemin que nous arpentons actuellement était jadis... Je t'interroge, Phobos. Ah, je sais pas. Tu sais pas, ce chemin ici avant était une voie ferrée. Ah. La voie ferrée, en fait. Alors je sais plus ce qu'il transportait, je me demande s'il transportait pas le charbon. Des mines, il y avait des mines ici, du côté du plateau, par le passé. Le charbon était transporté d'ici Champignol vers Château-Salins. Alors, je vous dis ça comme ça, mais je vous montrerai une carte le moment venu, on fera pause lors de la soirée commentée. C'était une ancienne voie ferrée qui transportait de la marchandise industrielle. Et je crois même qu'elle remontait jusqu'à Metz, si je ne dis pas de bêtises. Mais sûr, elle allait jusqu'à Château-Salins. Et c'est cette partie-là qui est encore aujourd'hui actuellement goudronnée. J'ai eu une surprise. J'ai regardé rapidement ces derniers jours, voir s'il n'y avait pas des documents plus fouillés sur la dite voie verte. Et ben bingo, je suis tombé sur un document qui a été pondu peut-être pendant le premier confinement. Et je suis aperçu qu'ils ont agrandi la voie verte. La partie goudronnée s'arrête dans les bois de... mince, ça va me revenir le nom. La Seille, la vallée de la Seille. La partie goudronnée s'arrête là. On verra ça sur une carte. Et le reste, c'est un peu la sauvage en gravier ou voire pas entretenu boueux, monte jusqu'à Château-Salins. Mais jadis, c'était une voie ferroviaire. Voilà, voilà. Et j'ai eu le plaisir d'aller justement jusqu'à la vallée de la Seille, enfin du moins le bois, une fois en vélo. Il y a le jour où j'ai eu mon vélo, j'étais tout content de le tester. Et je suis allé pas mal loin. Qui d'ailleurs, je me dis, je sais pas quand, peut-être que je me referai cette promenade-là en vélo, que je filmerai mais en solo, à moins que tu veuilles m'accompagner ce jour-là, je sais pas. On verra. Mais éventuellement, ce sera peut-être l'objet d'une promenade en solo et en vélo, où j'irai jusqu'à ce fameux bois. J'ai pas de vélo. T'as pas de vélo, donc mon pauvre, je te la proposerai pas. Parce que crois-moi qu'on la fera pas à pied. Mais lui, un vélo, c'est quand même plus risqué que l'acheter sur un... Ne t'en fais pas, ne te tracasse pas la tête. Ah, pour une fois, je te... Un vélo, ça serait cool, mais le problème, c'est... Il y en a qui le font. Pas j'en parle dans la banane. Mais ouais, enfin bref. Enfin, on en discutera. Mais ne va pas. Oui, si on devait la refaire dans le futur en vélo, que je sois en solo ou avec Nainonet ou même quelqu'un d'autre, la voie verte s'étend sur des dizaines de kilomètres en fait. Alors, rien que la partie goudronnée, que j'ai envie de dire exploitable, elle est déjà assez longue. Et d'ailleurs, j'ai un soupçon à ce que ces dernières années, peut-être durant le premier confinement, à cette époque-là, j'ai l'impression qu'il y a une prolongation du fait que ce soit goudronné sur 2-3 km de plus, donc ce serait peut-être intéressant à voir plus tard. À faire, on irait vachement plus loin.
Peut-être que ça se fera, c'est pas à exclure. Et il y a surtout, là on est passé sur la partie nord du fleuve, et il y a la partie sud aussi. Alors, je ne sais plus si ça continue très loin, mais c'est goudronné aussi. Donc ça peut faire une très grande balade. C'est vrai que la partie sud, je me suis arrêté sur du côté de Vendeuvre, où souvent il y a l'étape, comme il y a eu cette année, du Tour de France. Mais je suis pas allé au-delà, je me suis jamais amusé à me promener au-delà, mais oui, normalement, les rives sont aménagées pour la promenade sur des kilomètres et des kilomètres. Donc c'est des promenades futures à faire, c'est ça qui est cool. À vélo, c'est bien. Ouais, il y aura peut-être même des portions littéralement qui seront de la pure découverte pour moi, que je vais découvrir en même temps que vous. Donc voilà, l'avenir nous réserve de belles choses. Ah, tu as précisé mon prénom. Je vois dans le live, tu as marqué programme numéro 2 avec Laguionnet, avec un tréma. C'est rigolo. Ah, j'ai merde, j'ai peut-être écorché ton pseudo, ah, je suis désolé. Au moins, et ouais, ok. Non, c'est pas grave. C'est marrant. Ouais, bah je vais corriger ça, attends. Oh, mais tant Être dans le mal mieux. pour. Si c'est que du chemin goudronné, je peux quand même Est-ce qu'on peut dire Oui, oui, néoné, oui, oui, je te laïoné, promets néoné? qu'on fera que le goudronné. Mmh. Pour moi, qu'il y a pas mal à faire rien qu'avec le Comme goudronné. ça, Et comme ça, justement, c'est la voie là qui est le commune. soir. Si on devrait faire ce projet-là à vélo, on repassera par là, mais effectivement en deux roues, plus à pied. Et vous comprendrez vite pourquoi, parce qu'il y a pas mal de kilomètres. Sans déconner, je sais plus quand, je crois que mon record à pied ici. Quand j'avais pris donc la dite direction de Château-Salins, je crois que je m'étais arrêté au bois. Non, peut-être pas au bois, je dis des conneries, parce que ça fait une sacrée trotte. Non, je m'étais arrêté à. Je suis allé au-delà de Delmont, le Patelin, comment il s'appelle? Putain, j'essaie de faire fonctionner ma mémoire. Pas la Seille, entre la Seille et Delmont, ya. Ah, je sais plus. Ma mémoire me trahit. Amance, Ah, l'être c'est sous une Amance, c'est le secteur d'Amance dont je je voulais suis parler. bon, une mute frites. Ah, il a vu d'Amance, oui. Ça m'énerve. Ah oui, j'adore le personnage de mute frites, c'est dommage, il ne le joue plus. Excellent. Bref. Vous comprendrez quoi, on verra le moment venu. Je vais pas parler pour ne rien Bon app dire. pour ceux qui passent à table. J'ai déjà dépassé mon quota au niveau de ce défaut-là. Et bon appétit. Pour aujourd'hui. Ah, merci. Bah, quel accent on m'avait dit récemment que je faisais bien le chinois, je crois. Ouais. Je sais plus. Dans l'accent chinois, comment je le fais? C'est bonjour monsieur, vous pouvez acheter des thèmes pas chers, faites-vous Ah oui. plaisir. Et puis en ce moment, il y a promotion sur les rouleaux de printemps. Mais chacun a un accent chinois différent. Oui. C'est assez marrant. Oui, oui. C'est bien. Bah, là, j'ai envie de dire le chinois, je suis un peu inspiré de Michel Leeb pour le saluer. Il le faisait bien. Excellent l'accent, il était excellent. D'ailleurs, avec cet accent, je peux faire une blague un peu du même genre. Tu sais qu'à un certain endroit, il y a un chien qui peut tuer par le gaz les gens. Tu sais, c'est lequel? C'est lorsque tu es au bord de la plage et que tu croises un Pékinois. Elle est con. Une blague de cours d'école. Ah, je l'aime bien là, celle-là. C'est pas réussi, mais je pense qu'il y a besoin encore plus d'entraînement pour la deuxième partie là, quand tu as fait la blague sur Pékinois. Oui, je l'ai mal préparé, je te l'avoue, pardon, mais l'idée était là. Ah. Autant on dit que les plus courtes sont les meilleures, autant faire de l'humour, des sketchs et des blagues, c'est pas évident, hein. C'est tout un art, hein, pour pas casser les flux humoristiques. Il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. C'est pas évident, c'est l'entraînement. Ah oui, c'est gymnastique, oui, il y a de l'entraînement, bien sûr. Bah, eh, tiens, ça me fait penser, quand est le petite parenthèse, rare parenthèse de parler de politique. Mais pour dire, mais c'est vrai que c'est un phénomène en France, entre guillemets le phénomène dit du dégagisme, quand on a élu Macron, eh ben ça a bien embarrassé nos humoristes, parce qu'on avait on va dire nos éléphants de la politique, mais éléphants ça fait référence au Parti Socialiste, mais tout parti confondu, on avait des personnalités dont c'était quasiment le métier à vie. Donc en fait, c'était un terreau merveilleux pour les humoristes, que de pouvoir voilà, charrier les personnalités et de travailler leur humour sur ces personnalités-là. Le problème, c'est qu'avec l'ère dite du macronisme, on s'est retrouvé avec quasiment des anonymes,
puisqu'ils avaient, il avait en partie recruté à tour de bras sur toute la France, sur CV, des personnalités qui étaient prêtes à l'entourer pour la, la mission politique qu'il voulait engager. Et ben, gros problème pour les humoristes. Comment faire rire le peuple avec des personnalités dont on connaît absolument rien, qui sont anonymes? Ils étaient bien emmerdés, les... T'interroges les humoristes là-dessus, ça a été une terrible période pour eux. Ça a été un choc en disant... D'ailleurs, je me demande si certains n'ont carrément pas arrêté à cause de ça, en disant on a plus notre... on a plus notre vivier, on a plus... Ouais. T'as pas de base pour faire de l'humour, bah... Ouais. Alors, de tête, je crois... Détails, c'est... Ouais, ça demande du temps de... d'analyser les personnes pour faire un numéro dessus. Ah oui, c'est du travail d'analyse de personnalité, ouais. Il faut qu'ils aient une histoire aussi. Bien sûr, il faut qu'ils aient un passif, une histoire. Tu as parfaitement raison. C'est pour ça que ça a complètement cassé la, la dynamique de plein d'humoristes quand on est arrivé sous l'ère Macron. Non, c'est un vrai phénomène. J'avais entendu Yves Lecoq et Bruno Garcia, je crois, en parler, de manière très pertinente. Bruno Guillon aussi, je crois. Pour ne saluer que... Alors, je sais pas. Ouais, ah oui, il y a une personne qui arrive. Ah non, non, c'est juste en face de nous. Tu vas me dire ton sentiment. Je me demande si les personnes n'ont pas flippé devant nous en vélo quand ils m'ont vu avec la caméra en main. J'ai l'impression qu'ils ont fait demi-tour en se disant merde, on est filmé, on se casse. Ça t'a pas fait l'effet là? Ah, ils pouvaient peut-être aussi tout simplement vouloir rentrer vu l'heure, mais. Du Moulin Noir. Oui, c'est ça, c'est la fameuse passerelle, on commence à la voir. Et. Sur le moment, j'ai cru un malaise. J'ai dit, merde, ils ont vu que je parlais à une caméra et que je filmais. Ils ont rebroussé chemin, ils se sont barrés. Ils étaient en face de nous, en fait. Je sais pas si on les verra dans les champs de la caméra, mais il y a eu un petit moment de gêne. Je filme pas mal le côté, parce que vous voyez, devant, il y a du monde. Et je vais remarquer sur les côtés, comme vous savez, pudiquement, je ne filme pas les anonymes. Ou du moins, j'essaie d'éviter. On voit que la rive qu'on va emprunter tout à l'heure, il y en a d'autres qui font du vélo. Ouais, je suis commencé à filmer les champs cramés. Alors, je suis pas du bon côté pour filmer la rivière. Champs déchaumés. Ouais, c'est ça. Champs déchaumés. Oh mon dieu. Non, mais c'est horrible. Là, on a quasiment la vision qu'on avait du plateau de Mazzoli. Là. Ouais. Bon, je reconnais qu'on voit un peu plus la terre brute. Mais Non, ça me fait mal aux tripes. Franchement, ça me fait mal aux tripes. Je suis tellement habitué à voir ces parcelles naturelles au vert et de tout voir au. Couleur ocre, ça, voilà, bref. Je suis dépité. Ah, je sais pas si vous entendez les oiseaux qui chantent, qui gazouillent. Ouais, alors tu pointes le doigt sur la dite passerelle du Moulin Noir, avec juste en dessous, justement, la petite centrale hydroélectrique à turbine. Qui... Ouais, c'est discret. Petit barrage, ils servent de la force du courant pour générer de l'électricité. Bon, on va l'avoir de près puisqu'on va, on va traverser un moment ou un autre la passerelle. Et c'est là où tu vas devoir faire le choix. Puisque soit on tourne déjà tout de suite sur la rive opposée, mais on continue là-bas au loin, direction Pompée et Perpète, direction Pompée on va dire. Soit on tourne du côté à droite et on va en fait longer le plateau de Malzéville mais dans sa partie aval. On va faire les Saint-Christophe, le Mont, etc. en fonction de l'heure qu'il est. Tu préfères quoi? Je suis tenté d'aller à... je suis partagé. Plus à gauche, en fait. Tu voudrais plus aller à gauche vers là-bas? On n'a jamais entré le plateau de Malzéville. D'accord, ouais, non, je comprends ton choix, t'as raison. On va aller du côté gauche à Pompée. Je t'avouerais que ça m'arrangerait dans le sens que je vais avoir de la nouveauté. Ça fait longtemps que j'ai pas arpenté ce chemin-là. Donc, c'est plus de campagne et là, c'est plus industriel. En gros, oui, ouais, industriel est un bien grand mot. Il y a plus de béton, c'est vrai, parce qu'il va y avoir la voie rapide, mais il y a un peu de verdure, je te rassure, on est de plus en plus dans le boisé. Mais c'est vrai que t'aurais pris à droite, c'était beaucoup plus boisé. Mais on le fera une autre fois, peut-être en version vélo. Voilà. Ok, on va prendre la direction de Pompée, Frouard. Voilà, c'est l'autre nom de patelin que je cherchais, Frouard. Wow. Voilà, donc juste montrer ce qui va être notre bête noire si on fait le parcours à vélo. Il y a une petite montée, une petite butée de la mort qui tue les cuisses.
version grimpeur quand t'es en vélo. Pour l'avoir fait quelques fois, mes cuisses s'en souviennent encore. Je crois pas qu'une fois que tu l'as passé celle-là plein gaz en montée, t'es fier de toi. Hein. Tu dis merde, j'ai gagné une étape du Tour de France. Enfin bon, je suis pas sportif. Mais... ouais, c'est ça, poids rouge, grimpeur. C'est le bon maillot. Waouh. Et je te proposerais de faire une petite pause. Oui. Ah oui, je vais vous proposer de faire une pause pour goûter. Ouais, et boire d'abord, moi. C'est pas tout de marcher et de parler, mais là, j'ai le gosier sec. Voilà, donc on va passer sur la passerelle après la pause. D'ailleurs, à mon avis, je me tairai dès le début, parce que... Je vais te laisser, je vais passer par là. Ah, tu vas pisser? Ah, comme tu veux. Mais tu peux, hein. Tu peux, hein. Moi, je continue sur le goudron. Tu peux arpenter le truc pas balisé. Hein. Ok. Ah oui, c'est ça, ou naïonnette, oui, pardon, excuse-moi. Ah, oula, on dirait un fourgon de la poste qui a été recyclé, le véhicule jaune. Petit, hein. Véhicule utilitaire. Ah, donc voilà. Naïonnette a dit qu'on fera ça une prochaine fois. C'est un beau coin, mais on en reparlera d'ici là. C'est bien, ça nous laisse plein de promenades à faire. Allez, où ? On va se tourner vers la passerelle et on va se poser. Peut-être vers les rochers ou les blocs. Non, les plots faits, ils sont là. Voilà, je me suis débarrassé de Naïonnet, mais je ne sais pas comment je m'appelle. Ah, oh mon Dieu. Alors, j'ai hâte de boire. Avant même de prendre le goûter, j'ai soif. Ah, tiens, il y a un engin, un grue. Ah, bah tiens, je vais fermer la vidéo sur la turbine. Enfin, la turbine. La centrale hydroélectrique. On voit un étrange bras mécanique. Et voilà. Oh la vache, ils ont rajouté un mort les pierres. Après, on la verra après. Il y a quelques années. Par deux fois. Oula. Ou alors c'est parce que le débit est plus bas. Voilà, centrale hydroélectrique. Oh, j'ai redémarré sur le plan là. Oh, j'ai soif, le soleil tape. Allez, à tout à l'heure, tout le monde. Pause. Mais en fait, elle a été construite en 2017. Alors, comment j'avais fait? Oula, je vais refaire un retoto, parce que... Le Perrier, gentiment, on a fini de manger, on prend la route. Une honnête, me fait rototer. Enfin, roter, évidemment. Oui, vas-y, j'ai fait pause. Donc, je disais, c'est la reprise de la balade, on va encore faire un peu de chemin vers le nord, mais ensuite on redescend, ça va faire une boucle, puis on va redescendre. Oui, bah oui. Eh ouais. Allez, où la suite? Voilà. Alors, comment j'avais fait? Oula, je vais refaire un retoto, parce que... Et entre-temps, on va vous goûter un monsieur Gachot ou bien une honnête, me fait rototer. Enfin, roter, évidemment. Parler en bon français. Alors, je vais remettre le sac sur le dos. Le sac suisse. Voilà, c'est reparti. C'est reparti. On continue notre périple. Il est du Chanois, 4 septembre. Mais on en parle plus tard à la prochaine pause. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un sac de bonne qualité. Alors, de sac à dos. J'en profite pour filmer le barrage. Justement, mon sac à dos. Oula, je crois que ça me fait bizarre au niveau des jambes. Après la pause d'un quart d'heure goûter glouglou. Là, j'ai les jambes qui réagissent au niveau de la circulation sanguine. Bon, je me tais, il y a le vacarme. Voilà, il y a le monsieur qui est passé. Ouais, le niveau de l'eau qui a sérieusement baissé. Hein. Avec la sécheresse, il y avait chaud. Il y avait des gens qui discutaient. Oh merde, ouais, on le voit plus sur le retour, tu vois, c'est vrai. Ouais. Ta vessie dans un coin discret, elle arrive opposée. Un côté vers le sud, ça. Je ne l'ai pas trop. Si, dans le réseau électrique, ça va faire un coup de jus. Oui, non, ne va pas pisser dans la centrale, oui. Il va y avoir un souci. Ouais, c'est un barrage dans le temps. Ah, c'est les premières toilettes où il y a des étincelles avec. Oh, c'est... Oui, pardon, oui, je fais pause. Oui, tu veux peut-être dire un truc, vas-y. Non, en fait, je lâche juste une phrase, comme ça, de temps en temps,
C'est non, le décalage de peau, ça arriverait. Ah Non, je oui. ne pourrais pas. Oui, pour placer ta voix, bah oui, il faut que je fasse pause. Oui, oh, c'est pas grave, t'en fais pas pour si peu. Va. Oh merde, ah bah t'iras en face. Tu pourras soulager ta vessie dans un coin discret à la rive opposée. Et ici, le réseau électrique, c'est à faire un coup de jus. Oui, non, ne va pas pisser dans la centrale, oui. Il va y avoir un souci. Ah, c'est les premières toilettes où il y a des étincelles avec. Oh, c'est bien, c'est un son et lumière. Oups, attention, il y a du monde. Ben, c'est bien la première fois qu'il met des étincelles avec ça. Les toilettes sont pires. Ils étaient que deux. Ils étaient que deux. Je t'ai pas retourné. Ok, alors je vais aller dans le contre bas. Attends, on a encore un chemin de randonnée en bas. Donc si tu te soulages et qu'il y a du monde qui passe. Attends, on va passer le village. Traverser le pont. Le virage. Ah, c'est pas un véhicule, hein, le bras est vraiment. Ah, c'est peut-être pour nettoyer ou. Ah, c'est bizarre, on est presque une passoire rectangulaire. Ouais. C'est intriguant. Alors, on entend le vomissement de la turbine. Ou du transformateur, je ne sais pas. Ah, oh, mon dieu, c'est beau la technique. Ah, je vois qu'il a fait chaud, la mousse en surface. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est dû au réchauffement, la mousse en surface de l'eau. Oui, tu vas pouvoir discrètement, évidemment je vais filmer à l'opposé, je te rassure, tu vas pouvoir soulager ta vessie. Donc là, on va prendre la direction de Fouar Pompée. J'ai failli dire Frobose Pompée, moi. Aïe, aïe, aïe. Ah. Et ben voilà, le temps qu'il fasse la vidange de la vessie. Mais comment j'ai mis ma ceinture, moi? Je suis en train de porter ma main au niveau du ceinturon, je me rends compte que ma ceinture fait un 180 degrés. Je me suis sapé comme un sagouin. N'importe quoi, moi. Bref, je suis fidèle à moi-même. Ah, une petite brise, ça fait du bien. Ça fait du bien, si jamais vous pouviez la ressentir en vidéo. Ah, je me sens vivant. J'ai fait une blague, je précise. Au moment où on marche, il est 16h30. Mais je l'ai mal raconté, du coup, le sage a paniqué. Je m'en souviens même plus. Le fait que tu ailles te soulager la vessie, là, rapidement. Et puis qu'après, en chemin, je reviens et je dis une connerie. Ah, je sais déjà plus. Ben, on va le voir, on va le voir. Ouais. Alors, théoriquement, on est censé se séparer et rentrer à 20h chez nous. C'est-à-dire, au plus tard, on retourne à la place Tan à 20h. Il est 16h30, je pense qu'on peut marcher encore une grosse heure. On va peut-être, sans déconner, je pense qu'on va atteindre la passerelle de l'autoroute. On va passer sous l'autoroute et puis on reboussera chemin à ce moment-là, je pense. Ouais, c'est sympa comme programme. Après, aller au-delà de l'autoroute, c'est pas... Oh, c'est pas que ce soit inintéressant, mais j'ai envie de dire c'est un parcours qui serait plus sympa à vélo. Et je me pose la question d'ailleurs, est-ce qu'il n'aurait pas été immortalisé sur le fameux Google Street View map là? Peut-être back, oui, peut-être back, non. Ah, vérifier, tiens, je me suis jamais amusé à ça. On peut mettre pause pour pas faire rip up. Oui, vas-y, je vais apporter l'image, je te laisse lui répondre. Alors, selon Nancy, le petit camp où on était, en fait, c'est à environ, là, juste là, je crois que c'est 5 km. Au moins, non, qu'est-ce que je raconte? 3, entre 3 et 4, 5 km. C'est tout ce qu'on a marché, en fait, quand on a démarré la balade, on était du côté des presses, pratiquement à la frontière de Nancy. Je vais afficher une carte. Ouais. Très bonne question, attendez. Alors, hop, à part que j'ai pris la commune de Malzéville comme point de départ. Alors, le Nancy, voilà, Nancy est là.
Vous avez voilà Nancy en gros. On a démarré en gros de Malzéville. Souvenez-vous, j'ai parlé de Joss Chessler, etc. On a longé la rivière à partir de là. On est parti du pont. On a longé la rivière. On a passé Lys, on a passé le collège Paul Verlaine qu'on n'a pas vraiment vu parce qu'on était plus tourné vers la rivière. Par contre, on a vu les vaches et le Lix Epic Sericourt, c'est à cet endroit-là qu'on a vu les vaches. Et au moment où j'ai commencé à vous parler de la brasserie qui est à l'opposé, on voyait la grosse bâtisse, voilà. On a continué à suivre la Meurthe de cette manière-là. Est venu le choix au niveau de ce qu'on appelle le gymnase du Moulin Noir, voilà, on le voit là. Je reviendrai sur les noms plus tard. Je laissais le choix d'aller soit à droite et de faire le contournement, enfin le tour du plateau de Malzéville, mais par la plaine en aval, ou alors continuer à gauche, le choix qui a été fait de Froboz. On a passé la dite passerelle du Moulin Noir, et en fait, voilà, on est là où il y a la petite encoche grise. Au moment où j'ai arrêté la vidéo, en fait, on est là, nous, voilà, on est exactement, on est là. Voilà, ou même là d'ailleurs, je crois, on est dans le virage. Voilà, et en fait, on va poursuivre jusqu'au sous le pont de l'autoroute. Voilà, là il y a l'autoroute A31. En fait, nous, on va continuer à faire ça le long de la Meurthe. Et on va s'arrêter à côté de la. On va papoter, vous verrez à un moment les camions en arrière-plan passer sur la voie rapide. Oui, bah oui, ça parle beaucoup plus une carte. Mais t'as très bien fait de poser ta question, Pamela Ripop. Je te remercie, c'est bien. Ça rend vivant la présentation de la promenade. Et puis on reviendra sur nos pas et on rentrera sur la rive opposée. Mais le retour, je vous le montrerai pas aujourd'hui. Je vous le montrerai un autre jour. Je reverrai avec Nain Honnête. On synchronisera nos agendas. Alors, dans l'idéal, ce serait le week-end prochain, mais c'est pas sûr. Mais vous inquiétez pas, on vous communiquera la date. Aujourd'hui, on fait juste l'aller. Et on parle une bonne demi-heure, d'ailleurs, encore à la fin de l'aller, qu'on est posé sur la table, où on voit justement les camions sur l'autoroute. Là, je pense qu'on est encore en vidéo jusqu'à au moins 20h30 facile, voire 21h. Voilà, je sais pas si vous voulez rajouter autre chose dans le commentaire. Non, je voulais rajouter, ça a répondu à la question que vous ne pas, tu imagines. Ok, on continue la vidéo. Je me pose la question d'ailleurs, est-ce qu'il n'aurait pas été immortalisé sur le fameux Google Street View map là? Black va arriver. Ah, vérifier, tiens, je me suis jamais amusé à ça. L'expérience pourrait s'avérer intéressante. Ah, ça y est. Le sage Twitch qui a donné un message. Ah. Oui, que je peine à interpréter d'ailleurs son message. Ah mon Dieu. Je sais pas si c'est une répétition de Fan ou si c'est lui-même qui Non, je me méfierais, je sais pas honnêtement si on peut avoir des couleuvres. Ah oui, c'est la com pour Fan, ok, merci. Ouais. Se faire croquer ou piquer par je sais pas quoi, vaut mieux éviter. Ouais, non, mais ça, c'est le truc pas souhaité. Ouais. Alors, deux têtes. Sujet de conversation, je voulais l'aborder tout à l'heure. Les nouveautés côté serveur, donc plaisir Twitch et compagnie, entre bons copains, etc., évidemment. Hein. L'expression française que j'adore. J'aime élargir le cercle de mes amis. Ah. Ça me fait toujours délirer. Du bourgoulois, pardon. Je ne résiste pas. Bref, pour dire qu'évidemment, ravi de recevoir tout à chacun les nouveaux, pas forcément les fidèles, mais je suis content qu'on puisse rire en plus grand nombre. Bref, je parle pour ne rien dire. Pas mal de nouveautés. Alors malheureusement, Twitch, il y a toujours autant de bugs. Pour saluer Aeroster, il a pesté récemment sur une mise à jour de l'application mobile de Discord, surtout en plus de Twitch. Il paraît qu'ils ont réussi à faire encore pire qu'avant. Il paraît que l'interface sur téléphone est ingérable. Ouais, Discord, ça devient une un cauchemar. Alors Twitch aussi, mais si tu demandes à Aeroster, il va te dire que la dernière mise à jour sur téléphone de Discord, c'est une purge. Ah, ok. Et sur tablette, c'est mieux?
Je ne me prononce pas. Bah, moi, j'utilise Discord de temps en temps sur tablette. Ouais. Ça se passe bien, mais je ne demande pas les fonctions avancées. Donc, mais disons que je suis simple consommateur à consulter sans éditer ou essayer de créer du contenu. Alors, sinon, je suis usage de mon ordinateur. Là, on voit que le ciel se couvre. Bon, bref, il y a toujours autant de fantômes sur Twitch. Alors, qu'est-ce que... Effectivement, on voit que la météo tourne. Alors, Pop et Repop qui dit, de toute façon, le mobile pour les applications, c'est la mouise. Oui, c'est pas adapté pour, mais bon. Voilà, quoi. Oui. J'appelle les fantômes. Ce sont les comptes qui ont été piratés et qui errent sur plusieurs chaînes en même temps. Quand je dis plusieurs, c'est centaines, des centaines, voire des milliers, qui ne sont pas vraiment connectés à votre compte, mais Twitch les détecte comme étant présents. Et alors ça va, ça ne fausse pas encore les statistiques, le compteur de spectateurs en direct, mais j'utilise moi certains outils, je vous avais déjà expliqué, d'ailleurs, il faudra que je développe sur mon Discord où trouver ces outils et comment s'en servir, ça viendra dans bientôt, vous en faites pas, il y a beaucoup de projets, c'est comme dans Minecraft, j'ai ouvert plein de chantiers, mais il faut que je les ferme à un moment donné, c'est juste que j'en ai 10 en même temps. Les outils, ils détectent ces fantômes. Et par moment, je me posais des questions, je dis, mais merde, mais il y en a plein qui jouent au jeu de la pêche, par exemple, dans le Discord, dans mon chat. Non, pas dans le Discord. Dans mon chat Twitch. Mais non, mais bref. Ça pollue un peu, visuellement, mais bon, bref. Mais c'est toujours pas corrigé. Une petite parenthèse. Oui? J'appelle ça une ZI, quoi, la zone là? Bah, je sais pas si on peut dire que c'est une zone industrielle ici. Merde. Je... Le diminutif, comment c'est ZI, je sais plus quelque chose. Ou... Ah, zone industrielle, c'est dit. Mais je sais pas si on peut qualifier ici de zone industrielle. Il y a des entreprises très tôt sensu. Pas forcément industrielles ici, des bureaux si tu veux. Je donne ma langue au chat, comme on dit. Oui, donc je pose la question à l'industrie, parce qu'il y a un bâtiment juste à côté qui fait un peu penser à un bâtiment industriel. Il y a un bâtiment à côté qui que quoi? Qui me fait penser à un bâtiment industriel là sur la vidéo, un grand bloc. Ah oui, bah, tiens, je vais voir si je peux pas te retrouver l'info du dit bâtiment sur les cartes internet. Je vais regarder ça, je te tiens au courant. Moi, je me félicite qu'on ait encore un peu de verdure. C'est pour ça que j'ai. Oui, j'étais demandé. C'est vrai que je vais plus regarder. Si on peut pas donner, lui demander à. Comment c'est que j'ai mis gourmand l'expression donner la langue au chat. Ah, Jeremy Gourmand. Ah oui, les expressions françaises. Bah, c'est simple. En zoomant sur le Google Maps, voilà, t'as ta réponse. Ça s'appelle. Ça s'appelle Rexel Champignol. Rexel, d'accord. Ouais, tu vois, on connaît notre bras là, où là on est en train de marcher, notre bras de rivière. On a passé à la centrale hydroélectrique, voilà. Il y a Rexel Champignol, t'as Berger Levrault. T'as AS24 Champignol, je sais pas ce que c'est. T'as les fameux transports Foulon où tu vas faire la référence au simulateur de camion. Ouais, dans pas longtemps, ouais. Voilà, vous pouvez repérer les lieux. Hey, Vulcain sécurité incendie, instinctivement mon cerveau a lu vilain. Vilain sécurité incendie. Mon cerveau a bugué. Vilain sécurité. Comment casser l'image de marque d'une entreprise en une seule fois, c'est... Oh mon dieu. Vulcain qui fait évidemment référence à la mythologie, le dieu de la... J'allais dire de la lave, le dieu de la... du feu, là. Voilà. La vie de la sécurité incendie. Ah là, c'est tout, moi. La vie de la foutue incendie. Allez, Zou, la suite, on n'a rien entendu. Zou. Oui, c'est dingue, mais c'est la langue au chat, je ne serais pas foutu de t'expliquer l'origine de l'expression. Mais oui, ouais, c'est vrai que la langue française en regorge. Ah. Et donc, Zoom industriel, avant, tu parlais de Discord. Oui, ou de Twitch, enfin de nos plateformes entre habitués, là. Ouais. Là où je salue le boulot fait cet été, je suis impressionné, c'est Wisebot. La plupart de notre robot. Je crois que c'est des hérons. C'est vrai que c'est la première fois que j'en vois autant. Ce sont des hérons. Oui, c'est vrai qu'en général, il y en a 2-3, mais là, il y en a une quinzaine. Je suis impressionné. Est-ce qu'ils sont en migration? Peut-être.
Oui, alors les signes, c'est habituel de la mode d'avoir des signes. On a même une ou deux oies qui, à mon avis, ont dû être relâchées et rendues sauvages par accident ou pas, je sais pas, mais oui, là, c'est bien des signes. Hein. Je confirme, d'ailleurs, on voit, il y a des cigognos, il y a des petits qui sont encore au pelage, aux plumes grises, foncées. C'est que c'est des jeunes ados, là, ils sont peut-être nés au début du printemps. C'est bien, l'espèce se renouvelle. Et non, les signes magnifiques. Mais des ronds, là, qu'on voyait. C'est vrai que... impressionnant. Donc, Wisebot, notre robot commun greffé à Twitch, qui a proposé cette dernière semaine un florilège de nouveautés. En ce qui me concerne et ce qui m'intéresse, que je pourrais éventuellement farfouiller, mettre en place sur ma chaîne, c'est que il y a toute une ribambelle d'interactions entre Wisebot et Discord, justement. Maintenant, Wisebot peut envoyer des informations sur nos Discord respectifs, sur plusieurs événements. C'est-à-dire qu'il y a un sondage Twitch en cours, qu'il y a un clip qui a été fait, enfin en mode automatique, pas en mode manuel, qu'un direct est lancé, et etc. Ça, c'est sympa. Ça, je vais peut-être mettre en place quelques trucs prochainement. C'est mais déjà fait. Ça. Je l'ai mis en place aujourd'hui. Il y a un greffon que je ne connais pas, un logiciel que je pourrais pas vous dire. C'est pas le Stream Deck, c'est autre chose Deck, je sais plus quoi, qui est apparemment téléchargeable. Je vais essayer de m'y intéresser, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle. Comme tu es ingénieur informatique, tu t'en sors très bien pour bricoler les ajustements. Alors là, tu me fais trop d'honneur. Tu m'as qualifié d'ingénieur alors que je suis entre guillemets simple technicien. Je suis en dessous, je suis pas ingénieur, mais merci, je suis flatté. Mais oui, j'ai les mains là-dessus dans le conduit, c'est ma bulle, et oui, je vais m'éclater, ouais, je vais m'éclater. Et c'est vrai que ça a beau être pour moi en ce moment du loisir, je n'exclus pas que ça puisse être utile en milieu professionnel. Hein. Je serais pas surpris, alors moi c'est pas le cas en ce moment, mais je serais pas surpris d'apprendre que telle ou telle entreprise hein, en interne utilise Discord pour échanger des informations ou faire je sais pas quoi, qui entre en partie dans le process de fabrication ou de... Bref, au cœur même de l'entreprise. Vous m'aurez compris. On est en train de changer de sujet. Oui, bref, chapeau bas à Wisebot qui... Moi, je suis agréablement surpris quand cette fin d'été, là, on est le 2 septembre, et ben, fin août, ils ont fait une grosse mise à jour où il y avait pas mal de nouveautés. Je les ai pas toutes en tête, alors j'y reviendrai de temps à autre pour vous en parler. Surtout, évidemment, si je suis séduit par l'outil et que j'arrive à le maîtriser, je le mettrai probablement en place sur la chaîne et je vous expliquerai le comment du pourquoi. Pour dériver sur Minecraft, où ça y est, j'ai réussi à tisser le lien entre ma chaîne et mon serveur de jeu Minecraft. Et maintenant, les spectateurs, alors évidemment au prix de quelques points de chaîne, c'est-à-dire quand même que vous soyez un petit peu fidèles et que vous me consacrez un peu de temps, et je vous en remercie, à venir me voir et qu'on échange pour rigoler, vous pouvez me simplifier la vie, ou on verra à terme, plus tard, simplifier la vie des autres joueurs. Je suis en train d'y réfléchir, connecté au serveur Minecraft, mais vous pouvez aussi me pourrir la vie. La première fonctionnalité qui est valable, qui fonctionne bien, c'est de me faire apparaître un zombie avec une excellente armure dans ma tronche. D'accord. À votre nom. C'est-à-dire que votre pseudo va apparaître en direct au-dessus de l'ennemi. Donc toi aussi, moi-même, je vais être dans le jeu. Oui. Envoyer un zombie. Oui. Et avec mon nom. Et oui. On combat tous les deux. Alors que tu n'as même pas le jeu, tu vas pouvoir le faire via ma chaîne Twitch, grâce à Wisebot. Énorme. Hein. Ouais, c'est rigolo. Énorme. J'ai réussi à programmer ça et c'est génial. Et la petite fonctionnalité de base. Incroyable. Alors là, c'est pas au détriment de points de chaîne. Tout le monde pourra le faire. Pas tout le monde. Non, c'est faux. Pas tout le monde. C'est-à-dire, au moins, je crois que j'ai mis au minimum ceux qui suivent la chaîne. Encore que j'ai peut-être commencé avec les VIP. On va commencer doucement parce que pour peu qu'il y ait des joyeux drilles qui sèment la pagaille en direct, évidemment, je vais éviter ça. Mais je desserrerai éventuellement les taux et je serai plus souple si je me rends compte que l'expérience se passe bien. Vous pouvez au moins les VIP. Maintenant, quand je fais un direct Minecraft, vous pouvez envoyer un message qui apparaîtra non pas seulement dans Twitch, mais en direct dans le jeu Minecraft. Donc imaginez les joueurs qui suivent pas ma chaîne, mais qui sont connectés à mon serveur de jeu, vous pourrez interagir avec eux en leur communiquant des infos, ou faisant entre guillemets état de votre état d'humeur. Oh, un tel s'est fait patater par un zombie, enfin bref, tout ce qui vous passe par la tête. Évidemment, dans le... je dirais la morale et le bon goût, évidemment, oui. L'état d'esprit de... voilà. Vous l'aurez compris. Je vous expliquerai la technique le moment venu, mais sachez que c'est maintenant possible.
et c'est un régal. Et je vous cache pas que je suis pas peu fier d'être parvenu à établir ça. Les camions de Retruck Simulator. Ouais, les camions de Retruck Simulator, mais c'est vrai en plus. Ce que tu dis, c'est on ici. On va tester pour de vrai. C'est parti. On remonte pour vous. Ouais. Exact. Tu as raison. C'est Alain Foulon, l'entreprise de transport. Ouais. C'est leur locaux ici. Ouais. Ah, oh merde, on va se ranger. Oh là là. Ouh là là, panique. Oh voilà, c'est des grands sportifs là, ils nous ont fait peur, on est partis chacun où ça s'opposait. Ah ouais, non mais j'ai flippé là, ils arrivaient comme des boules de canon. Ouais. Mais bon, bref, tout ça pour dire que oui, entreprise de transport, Alain Foulon, pour ne pas le nommer. Et ouais, ouais, Euro Truck Simulator, mais en vrai, c'est ça. Ouais. Des camions, je préfère ce genre de remorque d'ailleurs dans le jeu, parce que c'est plus sobre. Les autres, c'est un peu compliqué à manipuler. Ah oui. Ça, c'est clair. Oui, oui là, Europera, oui, j'ai envie de dire, c'est facile comparé aux Américains. Ouais. Oh. Je sais plus si c'était avec toi, j'avais tiens. Ah, je vais tester. Quand on fera prochainement une session. Une session, ouais. Je testerai une 3 remorques. Oui, parce j'avais eu la 3 remorques, ça me fait flipper. Ça, je vais le faire. Et franchement, même sortir de mon garage personnel, ça m'a, enfin, du garage dans le jeu, c'était galère, j'avais raccroché le muret de. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont lissé un peu. Si on peut, avant, on pouvait pas, on était coincé parce que la physique empêchait de passer. Ouais, ouais. Et maintenant, on peut forcer un peu et ça passe. Ah ouais, ils ont eu de la tolérance, bon, notamment si c'était balèze, ouais. Oui. Il y a quand même des dégâts. Oui, il y a des dégâts, mais oui, ils ont dû avoir des remontées d'expérience joueur en disant c'est trop frustrant votre truc, c'est prise de tête. Oui. Soyez plus baba cool, quoi. Ouais. C'est un jeu, hein, ça reste un jeu. Bah oui, bien que ça, quand même, moi, je donne l'attribut de simulateur parce que c'est bien pensé, bien fichu. Ouais. Mais oui, c'est censé être avant tout du divertissement et pas vraiment un outil de formation en vrai. Oui. Bien que ça s'y apparente, hein. Oui. Pour une initiation. Moi, c'est la question que je me pose. C'est est-ce qu'il n'y a pas des carrières qui sont faites grâce à simulateur? Ah. Parce que ça n'a pas suscité des vocations chez les jeunes. Ouais. Ces dernières années. Ah, je serais pas surpris d'apprendre ça, moi. Ce serait tout à leur honneur. Alors la transition est bien faite, bien vue. Ouais. Nainonette Frobose. Ouais, vélo, attention. Merde, ah oui, oula, je bouge plus. Ouais, faut pas se paniquer en ces moments-là. Je change plus de trajectoire. Oui, de Minecraft à Euro Truck Simulator, tu as très bien fait la transition. Mmh. Oui, alors l'American Truck Simulator auquel on joue actuellement. Je te cache pas, j'ai pas acté, je verrai. D'ailleurs, au moment où je te parle, j'ai pas encore fait ma compta perso. Oui. Et il faut que je, la fasse. Bah, pour voir les petits sous-sous que je peux me permettre de dépenser. Ouais. Alors, sans être foufou dans les prochaines semaines. Voilà. Je fais des d'ailleurs, parenthèse, aux le sage, joujoux de cabine. En ce moment. Ah, oui. Et l'état de l'Oregon. D'accord. Et est-ce que je peux. Ok, je merci pour l'info. C'est solde, parce que généralement, c'est l'état d'Oregon, ça va être à 5 euros au lieu de. De 12. Au lieu de 12. Ouais, ouais. Oui, bah ouais. Sinon, il y a des sites, comme je conseille le site, je conseille aussi là, parce que c'est un site qui recense les prix des revendeurs agréés. C'est pas du marché gris. Ouais, ouais, ouais. Pour des promotions, des ouais. Promotions. Ouais, ouais, ben, merci. Et, c'est là que j'ai acheté des extensions de Colorado et de. Ah. C'est pas Dakota, c'est l'autre, celui qui est en dessous. Au-dessus. Colorado. Wyoming. Ah oui, oui. J'ai acheté les deux là. J'en ai eu pour 12 euros les deux, je crois. Ah bah oui, oui, t'as eu deux pour le prix d'un, quoi. Voilà. Oui, ça vaut le coup. Et grâce au référencement, justement. Ouais, c'est bien. Ouais, t'as malin, bah merci pour le lien. Voilà. Je le redonnerai si tu l'as perdu. Non, je l'ai. De toute façon, c'est facile. Is there any deal? Ah, hein. Bien vu. Is there any deal? C'est un truc américain, donc il y a principalement des. Alors, évidemment, quand vous allez sur le site là. Il référence des sites du nord-américain, principalement. Et il y a un taux de change. Donc, soit on paye par carte bleue et après, il y a une petite taxe qui s'ajoute. Ouais. Une petite. Des fois, ça peut être 1 euro ou 2 euros. Et des fois, on a aussi directement la conversion. On peut payer par PayPal. Et ça prend en compte. Soit ça prend en compte les charges, soit ils font payer. Quand on fait la conversion euro-dollar, hop, ça coûte plus ou moins cher. Mais en ce moment, ça coûte plus cher parce que l'euro vaut moins cher que le dollar actuellement. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Là, ça, c'est historique. Ouais, exact. On était toujours devant. Et avec les événements actuels. Ça va encourager l'exportation. C'est plutôt une bonne nouvelle d'un point de vue économique. Parce que les Américains et le reste du monde vont nous acheter des trucs puisqu'on va devenir moins cher. Donc ça devrait faire tourner là, théoriquement. Je ne suis pas économiste. Ouais. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Je
Je viens de voir les promos, effectivement, je vais m'y intéresser à deux fois, ça tient encore pendant 48 heures, merci de l'info. Et achetable, hein. Je veux même pas aborder le sujet parce que ça fait mal au trip. Oui. C'est vraiment, les temps vont être durs, hein. Ça l'est déjà, mais c'est. Voilà. Oui, c'est, les temps sont durs. On trinque. Oh oui. Mais voilà. Mais oui, donc pour revenir, le site, voilà, c'est un site de référencement et c'est vraiment pratique. Pour les jeux PC en partie. Je sais pas s'il y a les jeux consoles, mais c'est pour les jeux PC. Oui, bah, c'est déjà bien. Ouais. Des économies sur les jeux PC, rien que ça. Ça fait une sacrée mandale. Ouais. Oh, c'est bien. Wow. Ok. Et bah, c'est bien. C'est bien. Et. Ouais, non, c'est. Moi, j'ai tout vu. Et du coup, le sujet, c'était, avant Euro Truck, c'était quoi? Bon, on parlait des nouveautés, Minecraft, Wisebot, Twitch, ouais, etc. Mais je vous ai dit les grandes lignes, je vais pas... On y reviendra le moment venu, je vous ferai une démonstration, je vous expliquerai, mais c'est pour vous annoncer la bonne nouvelle. Non, par contre, je te ferai la remarque du temps qui a changé. Ah oui. Tout à l'heure, on avait un ciel bleu. Là, oui, ça se couvre. Là, je fais exprès de zapper vers le ciel pour la vidéo, mais... Du coup, ça tape moins, c'est bien ça. Oui, il fait plus frais, je me sens mieux. Encore que mes pieds commencent à me faire mal, mais c'est pas grave, c'est anecdotique. Ouais. Il te faut des bonnes chaussures de marche. Ça. Oui, c'est oui. Plus cher que celle-là. Oui. Je les avais payées, celle-là, 70 euros, mais c'est d'entrée de gamme. Ouais, non, mais si elles te vont bien, t'as raison, c'est bien, c'est important. Quand on regarde le pied, là, ça s'use un peu plus du côté. Ah, oui. Parce que on appelle ça supinateur ou pronateur. Pronateur, c'est le côté intérieur et supinateur, c'est le côté extérieur. Ah, c'est ça. Tu me l'apprends. Et bon, c'est l'aspect résistante comparé à des chaussures classiques. Mmh. Parce que mes chaussures de vie, elles sont bien usées sur les côtés, je les ai depuis 2 ans. Ouais. Et quand je fais beaucoup de marche, je prends ça. Attends, je monte le panneau. Pompé. Ouais. Non, on n'ira pas jusqu'à Pompé. Mais ce que je disais, le temps que tu soulages ta vessie, je leur expliquais qu'on allait jusqu'à l'autoroute. 9 km de Nancy, 9 km 5. Ouais. On a fait 10 km. Ouais. Oh, bah, c'est bien ça. Ouais, on est déjà à 10 bornes de Nancy. Ouais. Non, je pense qu'on va s'arrêter quand on sera sous la voie rapide. Ça paraît bizarre, il y a 9 km, je trouve que c'est beaucoup, quoi. Parce que là, il y a, ça me paraît beaucoup comme ça. La voie rapide, le train. Je vais juste planter sur la distance. Commercial, bien tout dire. C'est mélangé un peu les deux. Et pourtant, c'est ce qui est indiqué. Ouais. Et via map aussi. C'est tout en longueur. Ouais. Jusqu'à Joie, Champignol. Attends, vas-y voir que je te fasse un arrêt sur image. Ah bah, parfait. Voilà, parfait. Vous l'avez à l'écran. Ils disent que Nancy était quasiment à 10 bornes. On voit 9, quelque chose avec un abruti qui a tagué, qui a fait un gribouillis à la noix, là, un Abel, visiblement. Mais on voit qu'il y a 9, quelque chose. Donc on était déjà à 10 bornes de Nancy à ce moment-là. Et au moment où on fait la pause, très honnêtement, je pense qu'on est à 11, 12 km. Hein, quand on est à la table près de l'autoroute. On est à 11, 12 km de marche. Ouais. Ça me paraît bizarre quand même, c'est une impression vraiment bizarre, j'ai l'impression qu'on a fait que la moitié. Et non, mais en fait c'est parce que même point de vue central, le centre de Nancy est considéré, que je sache, la place Stanislas, là d'où on est. Oui, la statue, ou la mairie. Oui, bah elle est à quelques mètres, donc ça revient au même. Au kilomètre, excuse-moi, mais on n'est plus à quelques mètres près quand on compte autant de milliers de, milliers de mètres, pardon, j'allais dire de kilomètres. Oui. Eh ouais. Non, on a bien marché. On a vraiment bien marché. Allez, j'en mets la suite. Bien ça. Ouais, on est déjà à 10 bornes de Nancy. Ouais. Non, je pense qu'on va s'arrêter quand on sera sous la voie rapide, l'autoroute. D'accord. Parce que là, il y a la Meurthe, la voie rapide, le train. Ouais. La zone commerciale, bien tout dire. C'est mélangé un peu les deux. Ouais. C'est tout en longueur. Ouais. Jusqu'à Joie, Champignol. Ça y est, je peux refirmer la voie, il n'y a plus personne en face. Attends, merci pour la canette de Perrier. J'ai bu encore de ma boisson derrière. Je te peux croire que j'ai déjà un nouveau soif. Ah, tu veux que je vous du Perrier? Si on fait encore une pause, peut-être. D'accord. Parce que boire le Perrier en marchant, là, je vais faire des repas possibles.
Ouais. Là, ça va pas le faire. Ça va être contre-positif. Merci de la proposition. Là, c'est... je l'attendrai pas. Non, mais j'ai encore de ma flotte à moi. Et je te rappelle que, ne me concernant que moi, j'ai encore deux bouteilles vierges de minéral. Alors, on est tranquille au niveau de la flotte. Okay. Mince, j'ai oublié de filmer les signes alors que je les voyais un peu de l'angle de l'œil. On les verra peut-être mieux au retour. Waouh! Oui, alors ce qui s'est passé hier, pour te mettre au courant la folle journée que j'ai eue hier après-midi sur Twitch, c'est qu'il y a eu donc le début du partenariat entre FunFan et Aerostar sur Resident Evil 5, qui était génial, ça s'est bien passé, c'était vraiment cool, on a hâte de voir la suite. Et j'ai envie de dire, la mayonnaise a bien pris, ils font un très bon tandem tous les deux. Et derrière ça, alors que je regardais déjà avec passion le direct FunFan et Aerostar, qu'est-ce que j'ai pas acquis qui se manifeste sur mon Discord au sujet de Minecraft? Christella, qui me dit « Oh, je vais lancer mon antenne en partant un petit peu à la découverte de ton serveur, voir ce qui a été construit. Ouais. » Waouh, je me dis « Mais qu'est-ce qui m'arrive tout qui m'arrive en même temps ?» Donc, j'ai fait le nécessaire pour avorter le... Du coup, j'ai pas tout vu, de, mais je reverrai la rediffusion d'Aerosurf and Fan, pour foncer sur mon serveur Minecraft et rejoindre un peu après 17h. Rejoindre Christella et on s'est éclaté pendant... Alors moi 2h30, elle a fait 3h, mais comme j'ai rejoint un cours de route. Et du coup, bah, on a fait une promenade. On était le record, j'ai envie de dire, à 4 connectés. Le maximum actuellement sur mon serveur. D'ailleurs, je reparlerai du détail technique de pourquoi on était 4 plus tard, le moment venu. Et ça va s'agrandir, voilà. J'en parlerai dans mon Discord, mais là, je vais pas faire mon chiant avec le technique. Juste pour dire qu'on a passé un merveilleux moment. On s'est bien marré, que Christella elle-même s'est laissée piéger. Elle pensait faire une partie de son direct ce jour-là sur Minecraft, puis faire un point and click. Mais on avait tellement de choses à lui présenter que ça a duré tout le long des 3 heures qu'elle voulait diffuser en direct. Et du coup, c'est pendant la diffusion qu'elle a expliqué tout et elle regardait. Oui, elle regardait, elle était en mode touriste si tu veux. D'accord. Et c'était génial. Ça fait une excellente émission. Il y a son public qui lui a spontanément dit qu'ils aimaient bien le concept, quoi. Puis je pense que ça change un peu. Elle varie bien son contenu sur sa chaîne, Christella. Même si ça reste que je sache que du jeu vidéo, mais elle le fait très bien. Waouh, c'est trop bizarre de voir le panneau planté au milieu de la rivière. Ah oui. Ah, c'est trop bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Surtout que c'est pas une balise maritime, c'est un panneau de travaux de route. Ouais. C'est trop bizarre. Les aliens. Oui, bah attends, je sais pas si c'est un indicateur de contrôle du fond de la rivière, non, du lit de la rivière. Pourtant, il est propre. Hein, ouais, mais ça fait flipper, quoi. C'est la première fois que je vois ça. Mais c'est un peu la rivière, non? Bah oui, mais c'est pas encore catastrophique. Mais oui, mais forcément. C'est sûr qu'elle a pas le débit des étés précédents. Mais je trouve que c'est bien géré. Franchement, je trouve que là, ça a été bien géré au niveau des voies maritime du pays. Ah non, c'est trop bizarre la vision de ça. Oh là là. Bref. Oui, Christella qui arrive à varier les goûts, les couleurs sur sa chaîne en jeu vidéo. Et que c'était génial, quoi. On s'est éclaté. Et du coup, j'ai envie de dire, le rendez-vous est pris. Qu'elle repasse au printemps prochain, en gros, dans 6 mois. Voir toujours notre carte, mais comment ça a été évolué. Surtout que j'ai eu le plaisir, entre autres, de recevoir M. Poupon et Nachevman qui sont bien actifs et qui font des trucs formidables. Encore que Poupon, je m'avance un peu, il est encore planqué dans sa zone, je sais pas ce qu'il a fait, mais je ne doute pas qu'il a fait des beaux trucs. Oui, bah tu vois, on arrive sur... Ouais, 17h l'heure du thé. On arrive à la fameuse voie express, l'autoroute là. On va passer en dessous. D'ailleurs, le bâtiment auquel on fait face, c'est encore des silos. Je sais plus à quoi ils servent, ceux-là. Je pourrais plus dire, puisque je retrouverai d'ici là la réponse sur Internet. Si ça n'a pas été foutu en l'air, on va avoir du mobilier et des bancs pour pouvoir se poser. Ce qui me permettra de revoir un coup. Et je pense très honnêtement qu'on reprendra le chemin du retour, là. On va pas prendre trop de risques, parce qu'on voit que ça commence à se couvrir. Et bonjour, j'ai Bob peur Marlac. Que les prévisions de météo Bob soient Marlac. Justes pour aujourd'hui. Et que la flotte arrive d'ici peu. Parce que ça a vite tourné, là. Lucie est incontrôlable. À 18h, la flotte est censée arriver et à 20h, les orages. Donc, on va pas prendre de risques.
Et... un voie rapide, juste un voie rapide. Oui, voilà, c'est un bonus. C'était pas sûr qu'on la fasse. Et c'est cool. Je suis content au moins de pouvoir vous montrer ça. Donc t'as ton petit vêtement de pluie. Oui, on a chacun notre imperméable. Hein, c'est bien. On a parapluie. Non, parapluie, c'est... Pas pour une randonnée. Pour la vie de tous les jours, faire des courses ou bosser, ouais, parapluie, ok. Mais je privilégie en général l'imperméable. Ça me fait suer de tenir un truc à la main. Ouais, c'est vrai que c'est... Bah là, c'est vrai que tu tiens le chapeau, il est pas trop beau. Oui, pareil, la caméra, ça va. Mais voilà, quoi, bref. Non, c'est cool, c'est cool. Ah non, hier, la journée folle sur Twitch. Ah, j'étais heureux comme un gosse le jour de Noël. Ah, c'était extra. Petite parenthèse, je reviens sur Minecraft, mais c'est les derniers trucs que je me renseignais pour savoir si je pouvais mettre ça en place. Alors, je parle au conditionnel, parce que je sais pas si c'est techniquement possible, mais je vais essayer évidemment de trouver ma limite et de mettre la barre un peu plus haut. De programmer pour les spectateurs une chasse au trésor. Salutations, nous avons c'est le plaisir d'accueillir sur tout. Des endroits prédéfinis, parce que si je mets un truc aléatoire, le coffre généré aléatoirement va pas être trouvable. Message de FunFan1992, je suis de retour mais pour dans vous des prédéfinis plus tard à terme, c'est peut-être une option que je vais pouvoir programmer, c'est qu'un spectateur provoque une chasse au trésor. C'est-à-dire qu'un coffre avec bonsoir, FunFan, c'est bien. Soit généré dans notre. Je te ferai le relais peu avant 21h. Et qu'il y ait une chasse au trésor déclarée à un moment donné. Et que tous les joueurs connectés à Minecraft. Alors, peut-être pas forcément moi, parce que comme c'est moi qui veux programmer le truc, je saurais où seront les endroits où c'est censé apparaître. Mais je pourrais être un peu le commentateur de la carte au trésor, on va dire ça. Et suivre les joueurs connectés à la recherche du dit trésor invoqué. De ce que j'ai lu actuellement dans la technique, la coulisse, il y a potentiellement, je pense, moyen de le faire. Je ne sais pas si je vais arriver à vous monter, tricoter ça, mais ce serait franchement marrant. Enfin, moi, l'idée me plaît. Alors là, j'informe des téléspectateurs que, ou des viewers, que si on continue, on va arriver à Massy. 10 km. Ouais. Il faut encore faire 40 km tourner à Massy. Tu me poses une colle, mais c'est possible ce que tu dis. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait ça avec des potes, on est allé jusqu'à Metz comme ça. Sérieux ? Ouais, mais il y avait des routes à un moment, il n'y avait plus de chemin. Ah ouais ? T'es allé jusqu'à Metz à pied à partir à vélo, d'ici ? À vélo. Ah, à vélo, ok. Voilà, donc à voir rapide. Parce qu'il y a. À l'époque où j'avais. Ouais, c'est l'autoroute ça. Mais on va la voir de notre jeu de pause mieux. On verra, on aura un gros plan sur l'autoroute. Alors, oui. On a fait le chemin à l'époque. On s'est demandé si une route tournait comme ça tout du long, mais non. Là, ça va tourner à gauche. Ah, c'était ça, pas goudronné, ouais, jusqu'au bout. À un moment, faut aller par la route. Ah, faut emprunter la route pour aller à Metz. Ah merde. J'ai déjà fait deux fois ça. Tu l'as fait deux fois ? Ah ouais ? Nancy-Metz. Nancy-Metz. Waouh, bien. C'est sympathique. Ouais, c'est bien. Bah, je crois que j'ai mon ancien coiffeur. Je dis ancien parce que j'ai plus de cheveux, j'y vais plus. C'est vrai en plus. Enfin, disons que je me les coupe moi-même maintenant, vu le peu que j'ai sur le caillou. Tout ça pour dire que mon ancien coiffeur, lui, il l'avait fait à pied, il avait fait un marathon. Ou une grosse randonnée, je sais plus comment on appelle ça. Sur une journée, ils partent de Nancy, ils allaient à Metz à pied. Enfin, une petite foulée. Remarquable. D'accord. Autant moi j'aime bien la marche, autant je crois que je me lancerai pas là-dedans. Des gros silos à grains. Ouais, ça doit être des silos à grains, ouais. Honnêtement, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être ça. Là, on voit au-dessus, il y a une autre voie rapide en dehors de l'autoroute et on voit qu'il y a des grandes enseignes de commerce. Ce que j'en fais, c'est vraiment des silos à grains. Ah ? Ah, il y a du mobilier. C'est dans l'agriculture et on allait quand on livrait le grain, c'était un silo comme ça. Ah ouais, quand tu livrais le grain, ok, t'allais là-dedans. Si c'est une fissure, ça s'ouvre et ça se répand par terre. Ah oui, ça peut exploser, je sais qu'il y a des risques d'explosion avec les silos à grains.
Ça déconne zéro. Ouais. Voilà, là on voit mieux l'autoroute en grand angle. Nous on va s'arrêter sur la. La Meurthe, elle est. Là il y a un bout de la Moselle, mais je ne me trompe pas. Je sais pas si la Moselle arrive tout de suite là. Elle est plus loin là, l'arrivée de la Moselle. Ouais, okay. Elle est plus loin. Oh merde, ils ont rendu crade les salopios. Ah oh, ouais, oh les vilains. Oh la prochaine tempête, il n'y aura plus rien. Exactement. Alors je coupe pas la caméra, hein, moi je. Bah si ça te dérange pas. Non, vas-y, vas-y. Je t'offre un peu d'eau si tu veux. Ah oui, là, bah là la Perrier, je veux bien, merci, t'es adorable. Tiens, il est un peu plus chaud, mais il est encore chaud. Oui, c'est pas grave, merci. Aïe. Ah ouais. Mais... Attends, je vais mettre ma jambe. Hydratons-nous. Alors, je vais un peu me filmer moi, même si vous avez l'habitude de voir un peu ma tronche. Et puis, attendez. Dans 5 minutes, je braquerai un peu sur Propose Nainonette pour changer un peu. Alors, je vais essayer de caler la caméra. On essaye de me voir à peu près bien. Santé, santé, ouais. Merci, ouais, mais glou glou. Ah. Ah, oui, là, ça fait plaisir d'avoir de l'immobilier. Ah, ouais, ça devient gris là. On le voit, ça devient gris. Après, on va prendre un avion, on va aller dans les nuages et on va voir la pluie de très près. Non, c'est des conneries. C'est des conneries, je plaisante. Tu rigoles, mais ce serait stylé d'avoir l'avion. Mais... J'ai pas de brevet de pilote, désolé. Le brevet de pilote, il faut faire tous les deux mois, il faut se réformer ou reformer tous les six mois. Je pourrais pas dire. Alors là, je fréquente pas d'aviateur. De pilote, je pourrais pas dire. Mais je pense qu'il y en a quelques rares qui doivent offrir ce beau spectacle sur Twitch. La modèle qui va filmer au nord de l'autoroute, elle coule sur l'autoroute, la modèle. Place ou quadriplace type Cessna. Qui tombe en panne sur l'autoroute dans Truck Simulator. C'est ça en plus. Ouais. Boire en wifi. La caméra, dis-moi, la caméra, tu bois en wifi. Alors, tu es obligé d'expliquer pourquoi tu bois en wifi. C'est parce que c'est les bouteilles de Nayoné, c'est pour ça. En wifi. Non, je laisse ça, j'expliquer. Oui, dans le fait que je boive comme ça, c'est une crainte. D'avoir éventuellement ce qu'on appelle de l'urine de rat. Faut pas négliger ça. Dans les zones de stockage, j'ai eu vent pour ma part. Enfin, pas forcément la forme container, canette, etc. Je sais qu'il faut éviter de les boire à pleine bouche et plutôt prendre un verre, une paille ou faire comme moi quand il n'y a pas d'autre solution. Pas à la gicler, c'est pas le bon terme, mais vous m'avez vu avec le filet de flotte, voilà, sans contact avec la matière. Boire en wifi. Oui, boire en wifi, comme tu aimes le dire. L'urine de rat, ça peut arriver que les mulots se soulagent. Et c'est extrêmement toxique. J'ai eu un témoignage d'une connaissance il y a quelques années. Il y avait un gars qui se baignait dans je ne sais plus quel point d'eau. Il a eu le malheur de boire la tasse, mais il l'a bu en surface de l'eau, accidentellement. Qu'au cours de circonstances, il y avait de l'urine de rat en surface de l'eau. Il a ingéré ça. Il s'est retrouvé dans le coma et quand il s'est réveillé, il avait des séquelles nerveux et cérébraux. Wow. Et c'est hyper violent, l'urine de rat. C'est un poison. C'est comme... Alors attention, ceux qui sont à table, bouchez-vous les oreilles, ça s'écrade. Il y a un imbécile de jeune adulte qui avait fait un pari auprès de ses copains d'avaler une limace. Le problème, là aussi, c'est une créature qui a une grosse toxine concentrée dans son organisme. Et le jeune s'est retrouvé dans le coma pendant les deux tiers de l'année, au moins 200 jours sur 360. Avec aussi des séquelles, il n'en est pas sorti indemne, parce qu'il y a une neurotoxine dans l'organisme de la limace. Enfin bref, un pari stupide et burque. Voilà, vous pouvez vous déboucher les oreilles, pour les âmes sensibles. Voilà, et sinon... On voit dans le fond, il y a un balai de voiture. C'est moins calme que le plateau de Malzéville. Hein. C'est moins calme que le plateau. Oui, je peux filmer l'autoroute si vous voulez. C'est particulier, mais comme dit Nainonette Frobos, je peux filmer l'autoroute. Le chemin qui part en arc de cercle, là où on est passé. Et heureusement qu'on nous entend bien, parce que je pensais que l'autoroute, on ne nous entendrait pas du tout. Tourner. Puis on voit que le ciel s'est progressivement couvert. Enfin, encore que là, il fait à peu près clair. Si je me tourne...
vers vers Nancy, je crois, géographiquement parlant. Non, quoi que non, je dis bêtises. Oui, oui, non, c'est par là-bas. Non, je vais regarder vers. Non. Loire, c'est là-bas. Là, je suis en train de cadrer vers la forêt de haies et Ludre. Ludre, c'est complètement au sud. Oh, j'aurais dit plus par là-bas, par-dessus là. La... C'est au sud. Ah, tu dis par-dessus. Parce que là. Je demande à vérifier. On vérifiera sur des cartes. Ouais. On vérifiera sur des cartes. Ouais. De toute façon, on pourra vérifier sur la toute puissance de l'Internet. On pourra vérifier ce qu'on fait au niveau des propos, au niveau de la géographie des lieux, mais je pense que c'est plus en direction Ludre. Bref. Il importe peu, vous aurez vu le ciel chargé. Ah. Eh ouais, l'autoroute. Et on est début septembre. Ça roule bien. Ah, frigo 7. Frigo 7. Frigo 7. Et le frigo 6 qui va passer derrière. Ouais. Et au frigo 0, ça va faire un boum. Oh. Ah bah tiens, un Alain Foulon, on en parlait, il rentre au bercail. Moi je crois qu'en fait, oui, je vois en rentre. Est-ce que dans chacun, est-ce qu'au moins une fois dans sa vie, au moins de ses camions, de ses conducteurs de camions, a testé le jeu Euro Truck Simulator? Tu rigoles, mais c'est le genre de sondage qui me plairait à faire. Genre, ils font leur métier, puis ils retournent à la maison, ils rejouent au jeu de camion. Oui, le mec, il a accro. Je fais pas un jeu qui me rappelle mon boulot de tous les jours, ce serait trop. Et puis je pense que je serais frustré parce que, comme t'es facilité dans le jeu vidéo, de dire merde, pourquoi dans la réalité ça marche pas pareil. je pourrais me gagner mon fric avec moins d'efforts. C'est con, mais c'est ça, quoi. Tiens, c'est bizarre. Claude, il y en a qui font simple. Voilà, c'est ça, le Claude. C'est ça, en plus. Et voilà, vidéo passionnante. Vous n'aurez jamais pu deviner que j'allais vous filmer l'autoroute. C'est fait. D'ailleurs, on a la borne. D'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe. Mais on a la borne orange de détresse téléphone. Oh merde. Allez, zou. Bah, je vais essayer de la placer comme ça, peut-être que... Oh, alors, est-ce que ça filme toujours? Trincon. Oui, trincon. Comme des ivrognes. À notre... Oh. Ah ben non, là, ça va trop filmer en bas. Bah oui, mais... Attends. Voilà. Voilà, là, je la calme. Là, on ne voit pas. Santé. Oui, alors, on ne voit pas. Mais attends, attends. Ah, il faut centrer, hein. Oui, voilà. Et je vais la reculer, du coup, je vais la mettre dans la merde qu'on a vu tout à l'heure. Là. Ah, le chapeau. Oui, sale, tout. Bon, caca. Plus, je me sacrifie. Voilà, oui, vous nous voyez, je pense un peu. Je sais pas, je vais peut-être m'avancer un peu, mais. Ah, ouais, ça fait du bien. Tu la grimaces devant la caméra. Mais, non, mais je me marre parce que je repense à ton terme de je bois en wifi, ça me fait marrer. Ça me fait bien en plus. Bon, c'est deux sportifs, le monsieur et sa femme. Oui, j'allais dire, ils ont la même décalcomanie sur leur maillot. C'est la même équipe. Oh, pareil, là, je t'avoue qu'on a. Alors, je pourrais constater à la caméra si je suis en train de faire la grimace comme la dernière fois. Oui, mais là, tu te forces. T'en es pleinement conscient. Ouais. Non, je pense que tu. Oui, on en a parlé hors antenne, mais. Oui. Voilà. Je me suis surpris, j'ai regardé ma tête, je me suis rendu compte que je faisais la grimace lors du plateau de Malzille quand on s'était posé sur la table. Non, oh, t'étais crispé, mais ça va pas sûr. Ah, un vélo couché. Un vélo couché. Oh, il est en dessus là. Ah ouais. Il y a un vélo à trois roues. Je sais pas si ouais, c'est un couché BMX là, il peut faire sur du caillouteux. Ah, il peut y avoir un clip là. Ah ouais. Ah non, c'est impressionnant. Oui, non, j'ai pas le réflexe, j'ai pas envie de décalibrer là. Mais je pense que c'était bien calibré. Oui, je pense qu'on le verra. Mais c'est vrai que ça va du coup d'ailleurs. M'en fais pas pour ça. Non. Ah, Edgy, bonjour. Au niveau de la météo, en dehors du Kawé, j'avais un doute, je sais pas si t'as remarqué, mais je me suis mis que ça soit une sous-chemise. Ah. Parce que je me disais, je pouvais plus facilement me dessaper si j'avais trop chaud. Oui. Et alors que l'inverse, si t'as froid, t'es bien emmerdé si t'as pas. Voilà. Ouais. Et finalement, ça s'est bien passé. Ouais. J'avais un peu chaud au début, mais c'était tenable. Je vais essayer de faire un lancer parfait. Oh, tu vas faire un panier? Non, c'est trop loin. C'est trop petit. C'est trop loin. Loin. Je vais mettre un peu plus près. Pardon. Oh, Toto. Oui, mais bon, faut bien que ça sorte. Ah, il a loupé son panier. Ah là, le lancer de canette dans la poubelle, raté.
Oh, dépassement de camion. Comme dans le simulateur. Les camions qui se dépassent. C'est les frobos qui dépassent un camion, qui dépasse le sage. Je l'ai clippé il y a pas longtemps, là, j'ai rien, donc ralenti. Le coup, t'as grillé le feu rouge comme un fou furieux. Ah oui. Ah non, mais. Ouais, moi, j'ai la livraison à terminer, je suis en retard. Alors que j'ai 3 heures d'avance sur la livraison. Ça, puis le train qui a pop avant que l'autre. Ah oui, le train qui dépop, ouais. Ah, elle était bonne, celle-là. Faudrait que je fasse un coup. De trois remorques, j'arrive sur un chemin de haut niveau qui se. Ah, faut que je le fasse. Je le ferai. Si jamais il y a, ça te présente l'occasion, tu seras derrière moi, on verra mon camion foncer sur le. Traverser la voie ferrée alors qu'il y a un train qui arrive. Et là, le spectacle, attention, oh, ça m'est déjà arrivé, c'était impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette physique? Ah oui. Aïe. Comme le coup que tu étais garé, tu as tapé des secours et ton camion était retourné. Ah oui, l'opération de l'échec là. Ah non, mais c'était n'importe quoi. Non, mais j'avais rechargé, je sais plus quoi. J'étais dans les nues et il m'a refoutu à l'envers. Ah non, mais là, c'est. Ça n'a pas pu être clippé, j'enregistrerai pas. On faisait une session de test avec Phobos et Manette sur simulateur. Et c'est vrai que j'ai eu un bug, mais complètement délirant, quoi. Non, sortir des menus, avoir la remorque retournée, c'était délirant. Il y a un truc qui m'ennuie, c'est. Il y a l'autoroute qui fait du bruit, il y a le vent. Non? C'est pas trop gênant pour qu'on nous entende bien? C'est pas grave si nous entendent pas. Écoute, je te cache pas qu'on a loupé des sujets de conversation que j'ai pas retenu intéressants de toi sur le plateau. Ah! Et ça n'a pas empêché de faire une bonne soirée, une bonne vidéo. Le coup, on était dans le. Dis-moi. On était dans le. Je me rapprochais un peu. Comme tu veux. Ah, je peux passer. Oui, il y a de la table, oui. On était dans le. Dans. La terre brûlée, là. Et ça me faisait trop penser à la musique du jeu qu'on a écouté, que FunFan a streamé. Ah oui, de Western. Et voilà, j'avais cette musique claire dans la tête. Ah ouais? C'était sympa, ouais. C'était marrant. C'est ce que j'avais dit au plateau de Malzévic, justement. D'accord, c'était ça. J'avais pas la référence. Sinon, j'avais fait une blague. Une blague stupide. Ah, regarde, il y a un sniper en haut de la tour. Il y a déjà des cadavres partout. Du recyclé. Je recycle. Et voilà, c'est. Je me souviens plus de quoi j'avais parlé exactement. Pardon, Daphné. Est-ce que tu as des sujets de conversation? Oh oui, on n'a pas épuisé la liste. Honnêtement, je crois pas qu'on pourra les faire tous, même sur le chemin du retour. Alors, je constate déjà que mon écran est hyper crade. Oula, vraiment dégueulasse, moi je nettoie avec des produits. Ah oui, j'en ai un pas mal par rapport à notre ville. Oh putain, j'ai eu peur. C'était une araignée. Ah oui, t'es arachnophobe? Oui. Ah, je comprends. Notre belle ville de Nancy, la vieille ville, t'es au courant pour le chantier de rénovation en vieille ville d'Ancienne Grange? Non. Il y a les riverains ou les voisins, je sais plus, qui m'ont alerté la police. Il y avait de quoi? Les ouvriers qui faisaient la rénovation en vieille ville, ils étaient en train de déblayer dans une benne, ils étaient en train de balancer des ossements humains. Donc, ils ne s'orientent pas vers la piste criminelle, mais ils s'orientent vers la piste archéologique. D'accord. Donc, évidemment, ils ont dit stop à 2-3 soleils, vous n'avez plus le droit de continuer votre chantier. D'ailleurs, à mon avis, si c'est on le saura plus tard, il va y avoir un procès. Ouais. Si l'instigateur du chantier a volontairement ordonné de passer sous silence les ossements pour accélérer le chantier, parce qu'il a arrêté, il a obtenu exactement l'inverse. Ouais. Parce qu'en plus d'une procédure d'archéologie, il va avoir un procès pour violation de site archéologique et non déclaration. Bref. Et ça a été découvert, le fait remonte à il n'y a pas 15 jours. Donc le temps que ça se passe, que le dossier soit instruit, que aussi bien du côté archéologue que du côté justice, on en reparlera à mon avis dans 2 ou 3 ans. Ouais, c'est violent. Oui, c'est violent. Donc en vieille ville de Nancy, voilà. C'était vraiment des ossements. C'était des ossements et apparemment humains. D'accord. Que d'après les premiers éléments qu'on filtrait dans la presse, le journaliste disait que on s'orienterait plutôt vers la piste archéologique, j'ai envie de dire tant mieux, que la piste criminelle. Ouais. Ou criminelle mais très ancienne. Possible aussi. Et la presse locale, ok. T'as lu ça dans l'Est républicain.
Alors, on a fait. Non, je peux pas dire sur Twitch, c'est pas très sympa. Parce qu'il y a un surnom à l'Est républicain. Non, moi j'assume, je le dis. Je le dis parce que moi j'ai eu des pépins, enfin des pépins professionnels. Ça, je pourrais presque vous dire que ça a failli causer des soucis diplomatiques. Bon, à petite mesure, petite échelle, mais quand même. On recevait des officiels, vous savez que je travaille en lien avec le Japon sur Nancy. Et on recevait des officiels, vous savez, tout ce qui est diplomate, enfin diplomate. Oui, si, il y avait peut-être d'ailleurs le monsieur l'ambassadeur, je ne sais plus, à ce moment-là, ou ne serait-ce que monsieur le consul. Tout ça pour dire qu'on avait eu droit à un papier dans le journal local qui s'appelle, nous, l'Est républicain. Et quand je parle mal d'eux, qu'ils rédigent des articles pas corrects, pour diverses raisons, je suis vilain et je l'appelle l'Est répugnant. Voilà, oui, voilà. J'assume mon propos. Voilà. Moi, par contre, j'assume pas, mais on peut inverser. Et moi, torchon républicain. Oui, torchon. On parle de torchon quand, oui, quand c'est un article qui est pas correct, qui est bâclé, qui est mal fait. Moi-même, et c'est un terme qui tient qu'à moi, je parle, alors pas forcément les pigistes, mais vraiment les mauvais journalistes. Et malheureusement, il y en a aussi. Hein, comme on dit, dans toute récolte, il y a parfois des fruits pourris. Ça, c'est une question de statistique probabilité, mais bref, on va pas philosopher. J'appelle certains journalistes des journaleux. C'est-à-dire, les journaleux, c'est des mauvais journalistes. Ils pissent de la copie pour faire du chiffre et ils sont prêts à débiter n'importe quoi pour vendre du papier. Bref, voilà, critique faite du journalisme. Mais c'est pas un métier facile, hein, ça j'avoue. Hein. Je peux faire aussi la critique inverse, bien évidemment. Bref, oui, j'avais eu un souci à l'époque parce qu'ils avaient, dans l'article, ils avaient bâclé, ils avaient interverti les titres et les civilités, les identités des personnes. Ça ne le faisait pas. Pour une visite officielle, ça ne le faisait pas du tout. Ouais. C'est un peu comme si on avait dit, mais du côté japonais, on avait dit Monsieur Macron, Premier ministre, et je sais pas, Monsieur Cazeneuve, président. Vous voyez, ça le fait pas. Donc, j'ai pas du tout apprécié. En ce qui me concerne, j'appelle pas ça du boulot professionnel. J'ai envie de dire que même un gamin bien instruit, qui fait bien son devoir de maison à l'école, il confond pas les personnages historiques quand il rentre voir en temps normal. Donc un professionnel qui a fait ça, je l'ai encore honnêtement au travers de la gorge. Enfin bref. Voilà, ça c'était un froid. Voilà, ça plus calme ouais. Direct. Plus personne ne dit rien. On dit rien. On n'est que deux en même temps. Il y a les voitures qui parlent. Enfin, les voitures qui font du bruit, pardon. Le blanc. Elle parle avec les pneus. Les voitures qui parlent avec les pneus. Parle avec les pneus. Allez, je vais prendre un autre sujet. Mais ouais, parfois il y a des faits divers. Dans Dragon Sky. Alors, Britney Spears, on en a parlé, tac, 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 tac. C'est vrai que je garderai en dernier les sujets un peu lourdingues, pas drôles. On a déjà un petit peu abordé tout à l'heure en discutant, et j'aimerais... Et bonsoir, Dragon Sky. Et marrant. C'est assez énorme, le nombre de camions qui passent. Ah oui, il y a beaucoup de trafic routier, camions, ouais, transport. Oui, bah, c'est l'époque qui fait ça. Hein. Ouais. Mais je pense que ça joue qu'on soit aussi le retour de vacances. Ouais. Et les entreprises retournent à plein régime, c'est la fin des repos, ouais. Et ils refont les stocks pour retrouver leur plein rendement. Portman, le camion de Nathalie. Ah oui, c'est vrai, en plus. Portman multimodal. Ah, encore des cyclistes. Oui, après notre sortie plateau. Moi, je vois pas les camions. Je sais plus, je crois que je l'avais dit, hein, j'avais participé à un appel. Je corrigerai l'erreur un petit peu plus tard. Nationale. Et la sécheresse et tout, bref, j'avais été mis machin. Et j'avais vu justement toujours dans notre journal local que quelques temps après. Il y avait mis en place une vigilance plus appuyée sur le plateau avec garde champêtre par rapport à ne pas jeter de clopes, oui. Risque incendie, etc. Et bon, je voilà, on va dire mi-août, ouais. Ils ont publié ça. Ouais. Ça fait un peu effet d'annonce. Mi-juillet, je dis pas, mais voilà, je critique ouvertement. Ils ont fait trop tard, quoi. Non, bref. Je développerai pas parce que même intérieurement ça m'agace et ça n'apportera rien. Ce serait contre-productif. Ah, pour te login dans le camion, tu cliques, tu cliques et tu mets le mot de passe. Ouais, c'est rigolo, login, ouais.
Je me demande si on voit les camions, c'est marrant, parce que des fois il y a des noms marrants. Ouais. Oh, Amazon. Ah oui, c'est vrai. Merde, c'est ça en plus. Bon, je sais pas si on les verra sur la vidéo, mais oui, c'est un camion Prime Amazon. On ne voit pas, non, je crois pas. Oh, hey, haute résolution. On le verra peut-être pas sur Twitch parce que je suis en 720p. Ouais. Mais si, je crois qu'il va l'autoroute. Quoi, qu'est-ce que tu regardes? Ah, tu vois si ça. Ah, là, tu veux ajuster. Voilà. Comme c'est intéressant. Voilà. Même ma. J'ai pas d'animaux de compagnie. Non, mais je te donne raison. Plante, c'est bien, ça fait deux plans, ça dynamise la discussion. Là, c'est bien. J'essaie d'en prendre soin, je vois un peu, mais là, elle a souffert de l'été, elle aussi. Alors que je la chouchoute, elle est en pot. Bah, j'ai appris dernièrement qu'une plante, quand il fait plus de 26 degrés, elle arrête de s'alimenter. Ouais. Elle est en léthargie, elle est assommée. Stop, pardon, je fais pause parce que Dragon Sky, merci à toi de donner la réponse de l'ambassadeur du Japon en France actuelle, oui, visiblement qui est monsieur Ihara Yunichi. Mais en fait, l'incident dont je parlais, c'est-à-dire qu'un journaliste avait mal fait son boulot lors d'une réception officielle de japonais à Nancy, et j'étais donc là, c'était ma mission de les recevoir. Je faisais partie de l'équipe qui réceptionnait les japonais. Et le journaliste, en fait, quand il avait pondu son torchon, il n'y a pas d'autre mot, c'était n'importe quoi. Dans le journal, il avait interverti les identités des personnes, les noms, les fonctions. C'était mais débile au possible. C'est ce que je disais, voilà, à Nainonet. C'est comme si on disait, pour un papier depuis l'étranger, on dit que Macron, c'est le Premier ministre et que Cazeneuve, c'est le président, quoi. C'est ces mêmes effets. Enfin, bon, bref. Mais merci de la précision, oui, merci Dragon Sky. Voilà, ça m'a bouffé. Quand c'est arrivé, je comprends pas qu'il y ait des professionnels qui soient si peu rigoureux dans leurs articles, ça me bouffe. Parce que après, l'intéressé, honnêtement, l'intéressé qui veut contacter la personne pour X projet, X chose ou poser des questions, quand il prépare son courrier, c'est un coup à se planter. Tu t'adresses pas à la bonne personne et au final, ton courrier, par exemple, n'arrive pas à destination. Ne serait-ce que l'exemple là, on peut s'imaginer d'autres situations cocasses, parce que le journaliste n'a pas fait son boulot, voilà. Pardon, je repasse mon coup de gueule, parce que mais ça me bouffe. Bon, je sais pas si vous voulez rajouter autre chose, Nainonet, tant que t'es avec moi à l'antenne. Non, pas du tout. Voilà, la suite. Mais bravo à toi, le coup du plan de recadrer sur les camions, bravo à toi, bien bien. T'es un chef. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. La plupart de nos plantes à nous, je veux dire, européennes, oui. Sont communes, et je pense que c'est le cas de ma plante en pot. Elle est claquée, il fait trop chaud, quoi. Elle le boit même plus. Donc elle fait une sale tronche, je suis triste, mais elle est encore vivante. Donc j'espère que là, avec la flotte qui arrive, elle va reprendre des couleurs d'ici 15 jours, parce qu'elle me fait mal au truc. Oh là, ça se pousse. Oh, le cabalier de camion avec des voitures. Alors ouais, les camions, les remorques à voiture, non seulement c'est harnaché par le dessous, par le châssis, ouais. Mais c'est aimanté. Ah oui. Je savais pas, mais c'est aimanté. D'accord. Sujet léger. Ah oui, il y en a une pas mal. Notre président, il a le droit quand même aussi à des vacances. Encore oui. Que, il est vrai, il faut dire qu'elles sont relatives. Parce qu'il bosse quand même certains dossiers. Mais à un rythme moins effréné que la normale quand il est au fort de Briançon. Fort de Briançon, oui. Et à un moment, il est retourné dans sa résidence principale qui est je sais plus où, dans le nord, là, enfin bref, je sais plus. Tout ça pour dire qu'à un moment, il a fait une petite halte en soirée à un concert. Mais c'était à titre privé, c'est pas annoncé. Il était comme monsieur tout le monde, comme tout festivalier dans le public. C'était un artiste, je crois, rocker, qu'on a dit, américain. Oui. Je vois l'article. Il s'est fait insulter oui. En plein concert, où justement l'artiste disait Macron, voilà, avec plein de noms d'oiseaux, comme on dit, mais bien cru en plus. Et bref, tout ça pour dire que l'artiste, n'a pas reçu son cachet ou lui a été imposé de rembourser son cachet pour la prestation faite, puisque notre président était en repos et participait dans le public. Voilà, évidemment, comme tout à chacun, il a le droit des loisirs. Et ça doit faire bizarre de se faire insulter alors que t'es pas annoncé officiellement, t'es dans le public, ça doit être waouh. Mais le truc, c'est qu'il aurait pu clairement demander à la personne de rembourser le matériel cassé, en plus le président. Ah, je sais pas s'il y avait du matériel cassé. Bah, il paraît qu'il avait justement sur la table de mixage ou je sais pas trop quoi, ou le matériel d'audio, il a renversé un verre et ça a bousillé l'électronique ou un truc comme ça.
Notre président ? Non, oui, oui, c'est ça, en fait, c'est ça. En fait. Ah bon ? Il s'est passé un truc. Ah, je savais pas, ça. Il paraît qu'il a renversé, sans faire gaffe, un liquide sur le matériel. Sur l'électronique. Oui. Après, c'est un accident. J'ai envie de dire, il y a des assurances. Mais, tu vois, tu me l'apprends. Je savais même pas. J'avais pas tout le détail de l'affaire. Après, j'ai qu'une source. Hein. Moi aussi. Et puis, la mienne, elle est orale. Je l'ai pas vue moi-même dans la presse, mais comme l'a raconté, je vous cache pas que j'ai bien rigolé. Bien que, évidemment, je précise, je ne cautionne pas ce genre d'événement. Enfin, je veux dire, le fait de copieusement, de manière aussi fleurie dans le propos, on va dire, être injurieux envers des personnalités, qu'elles soient publiques ou non. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, la critique, comme je vous le fais, voilà, avec les journalistes, ou des journaleux. bref. Ah oui, le sujet pas mal qu'on n'a pas abordé, les NFT ou jetons infongibles. On en a parlé entre nous lors de notre pause quand on filmait pas, voilà, qu'on était c'est en train quoi, de ça, se restaurer tout à l'heure. Les NFT ou jetons infongibles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une notion qui a été nouvelle dans l'économie et principalement dans l'art ces derniers mois, pour pas dire ces dernières années, il y a peut-être 2-3 ans. Comment vous expliquer ça? C'est pas évident. C'est la possibilité d'acquérir et d'investir sur un bien immatériel, souvent culturel, sous cette forme-là, et d'en avoir une rente, on va dire un droit d'exploitation, de rémunération, sans qu'on en ait, au terme, je crois, stricto sensu du droit, l'usufruit. C'est-à-dire que matériellement, vous ne pouvez pas jouir directement de l'objet en question, qu'il soit matériel ou non. C'est vrai que c'est un concept pas évident, ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est d'être en partie, en être rentier ou on va dire copropriétaire, comme par exemple l'album d'un artiste, investir dedans et en avoir une rente par rapport à ses ventes ou à son exploitation, de manière grossière, hein, je ne suis pas spécialiste du truc, mais pour essayer de simplifier, de vulgariser la chose, c'est un peu une, qu'on appelle ça, oui, des droits d'exploitation, j'ai envie de dire. Avec un retour sur investissement. Bref, ça s'appelle les NFT, techniquement, c'est en bon français des jetons dits infongibles. C'est le terme trouvé, employé. Pour dire que moi, je voyais ça de très mauvais œil, parce qu'en fait, pour pouvoir revendiquer un bien immatériel, c'est un similaire à la crypto-monnaie, que j'encourage pas spécialement non plus, qui est pas du tout écolo, puisque ça demande une énorme puissance de calcul, pour générer une chaîne de caractères qui est unique, ce qu'on appelle une clé de cryptage. Enfin, clé de cryptage. Pas pour le cryptage, mais pour rendre la chaîne de caractères unique, inviolable et non clonable, on va dire, et qu'une seule personne puisse en avoir la propriété et pouvoir proclamer d'en être, en avoir la possession. Et de facto, de manière mécanique, en avoir un revenu, quel qu'il soit. Et le problème, c'est que cette grosse puissance de calcul, elle n'est pas du tout écologique, parce que ça demande à des ordinateurs, c'est rarement qu'un seul ordinateur, c'est à une groupe, une grappe de plusieurs ordinateurs à Internet, connectés au réseau des réseaux, qui permettent de générer ce dit jeton. Donc c'est un jeton déjà qui coûte cher à la fabrication, mais surtout cher d'un point de vue écologique, hein, ça fait chauffer les ordi. Donc voilà pour la pique et la critique au niveau de la pratique. Comme la crypto-monnaie. Et ben en fait, ce phénomène, il y en a certains qui ont investi et qui plébiscitaient ce nouveau mode de consommation très particulier et qui est franchement pas à la portée de tout le monde, parce que les sommes sont grosses, hein, je ne vous le cache pas. C'est en train de se casser la figure. C'est voilà, je vous cache pas ma satisfaction que ce phénomène, je trouve que c'est pas plus mal que qu'il dépérisse. Voilà, c'est encore mon avis personnel. Ouais. Je ne suis pas pour les choses changées, mais ouais, c'est un truc pour gagner du fric sans rien faire. Voilà, pour moi, c'est ce que j'appellerais une dérive, un pur produit du monde capitaliste. Comme la crypto-monnaie, quoi. C'est similaire. Dans la manière de procéder, ça fait chauffer les machines pour calculer une chaîne de caractères extrêmement complexe, pour qu'on ne puisse pas la violer, la revendiquer, la copier. Donc, pour moi, c'est totalement contre-productif, c'est pour faire du fric, et je n'adhère pas au principe. Ah, une petite brève. Dans l'Ohio, États-Unis, il y a un homme malheureux de 20 ans, là aussi, âme sensible s'abstenir, hein, pardon, je préviens, parce que c'est un cas fait divers à Tristounet. Un homme de 20 ans est dans le coma, il y a depuis quelques jours, hein, l'info est récente,
après avoir été piqué plus de 20 000 fois par des abeilles tueuses. Et il a même inhalé une trentaine de ces insectes. Le malheureux était en train de faire des travaux de verger. Il taillait un citronnier. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait taillé une ruche. Oh. Et j'ai pas de nouvelles du malheureux. J'ai juste le billet d'information comme quoi le malheureux était dans le coma. Donc, il y avait une ruche à côté du citronnier. Dans le citronnier. Et quand il a vu le tailler, il ne s'est pas rendu compte qu'il a coupé la ruche. Donc, il s'est fait attaquer par les sapes, forcément. Oh la vache. Et c'était des grosses abeilles bien, bien violentes. C'est horrible. Voilà. Je regarde un peu pour le retour, quand même. Je regarde quelques sujets. Je bois encore un coup, puis on va peut-être retourner sur le chemin du retour. Qu'en dites-vous ? Ton sac, tu l'as acheté où ? Alors, je pourrais difficilement répondre à cette question, puisque c'est un cadeau adorable de ma maman. Ah, d'accord. Tu vas faire une surprise, je sais je pas. Je crois que j'ai le même, en fait, pour mon. Ah, c'est bien, je suis ravi pour toi. Il est bien. Il a l'air un peu. Il a l'air plus gros, plus grand, le tien. Alors, oui, petite parenthèse, effectivement. Il y a Pop and Repop, merci de la précision. Alors, déjà, merci Dragon Sky quand tu parles du Z-Event pour donner des informations. C'est vrai que ça fait partie de l'actualité, on va dire geek de manière générale du week-end. Et Pop and Repop, merci, tu rebondis sur mon propos au niveau de la crypto-monnaie, où tu nous dis que ça se base sur ce qu'on appelle les blockchains. L'utilisation des cartes graphiques en masse depuis le début a une incidence sur la consommation d'électricité. De nouvelles technologies font que les cryptos se débarrassent de leur ferme de cartes graphiques depuis début 2022. Oui, ça bouffe trop d'électricité. Oui, c'est plus devenu rentable, effectivement, par rapport au coût d'électricité. C'est pas plus mal. Parce que ça provoquait, en fait, beaucoup de surchauffe pour pas grand chose, pour faire du fric. C'est horrible. J'ai envie de dire, c'est la quintessence de la, qu'on appelle ça, du capitalisme, là, comme j'expliquais tout à l'heure. Et pour dire que, il y a même Nvidia, à un moment, le constructeur de cartes graphiques, qui était mécontent que leurs cartes graphiques soient détournées pour cet usage-là. Et ils avaient... moi, j'avais compris que c'était une intention véritable et honnête de leur part de réguler à nouveau le marché et de faire désenfler le prix sur le marché des cartes graphiques. Ils ont sorti des cartes spéciales non graphiques, mais qui étaient similaires. C'est juste qu'elles n'avaient pas à l'arrière de prise vidéo. C'est juste c'était des unités de calcul supplémentaires dans le but de faire de la crypto-monnaie ou, plus rare, des calculs puissants sur ordinateur commun, entre guillemets l'ordinateur de monsieur tout le monde, ils n'ont pas des super calculateurs, bon, on peut dire pour en faire un mini calculateur en fait, et pouvoir faire, en dehors de la crypto-monnaie, on peut très bien en faire une simulation poussée de calcul de quoi que ce soit. Mais c'est juste que ça perdait son attribut de sa destinée pour le graphisme et le réalisme dans les jeux vidéo tels qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, alors tu dis quoi pour Venerie Pop, je te lis. Ce que je te dis, c'est qu'il se passe des fermes de cartes graphiques, mais ça continue, avec une baisse de consommation d'électricité. Ah, ils continuent de rentabiliser, malheureusement, la pratique perdure. Mais tu es en train de me dire qu'ils essayent de gagner en rentabilité en baissant le coût de la facture d'électricité. Ah, si ça donne des idées aux constructeurs après pour faire des cartes graphiques qui consomment moins, j'ai envie de dire, nous, le consommateur final joueur, c'est-à-dire qui utilise des cartes graphiques, pas des cartes de crypto-monnaie, si on peut en avoir le bénéfice d'avoir des cartes toujours plus puissantes mais qui consomment moins d'électricité, là je suis pour. Mais voilà, il y a matière à réflexion. Allez, on continue, on est proche de la fin, là il reste quasiment 5 minutes et puis après je ferai quasiment le relais à FunFan pour 21h. Voir les lames hier. Le tien est mieux. Le mien il est sacrifice aussi, mais le logo était plus. Instant téléachat. Bon, c'est pas ça que téléachat, il était voilà. Téléachat. Avec plusieurs poches, j'en ai sur le côté aussi. Non, mais il est bien. Non, il est franchement, super. Il est bien. Non, le tien, il est bien. J'essaie de le garder à peu près correct. Bon, il y a déjà crade dans le dos, mais c'est. Voilà. Un petit tour dans la machine à laver. Non, mais il est bien. La capacité, je sais plus, il doit faire 15 litres ou c'est pas plus. Non, non, il est. Ah, oh, ton biscuit. Ah oui. Ah, ton biscuit. Le biscuit fameux. Ah oui.
Oh, il ne reste plus qu'un. Ah ouais. Ah, oui. C'est le dernier, attention. Sympa. Au miel, merci Nayonette Frobose. Je vais essayer d'en faire chez moi. Alors, il faut que je trouve une recette. Ah bah, tu nous tiens au courant. Bah, tu nous racontes si tu as réussi la recette. Ouais. Pas dégueu. Franchement, au miel, j'apprécie. Ça coûte environ 2,50 euros. Ouais. La boîte de 6, de cette taille-là. Et après ça, on y va. Alors, ça se fait au miel d'épeautre aussi. Au miel d'épeautre, à la farine d'épeautre, là c'est la farine de blé. Mmh. Une semi-complète. Mmh. Ils sont top. Ils sont vraiment top. C'est comme le chocolat. En fait, le chocolat, j'ai remarqué qu'il était bon que quand il était à une certaine température. S'il est trop froid, ça développe moins les arômes. Quand il est chaud, il y a plus de goût et ça a plus de plaisir à manger le chocolat. Pas obligé qu'il soit fondu, mais qu'il soit légèrement tiède. Notamment les chocolats où ils mettent de l'huile de palme quand c'est froid, c'est. Ah, ah j'aime pas du tout. Oui, non, ça donne un palme, goût d'huile. Après, quand c'est chaud, ça passe. Mais c'est encore meilleur le chocolat avec soit du chocolat noir, soit du chocolat avec chocolat au lait. Ou avec des trucs comme des petits crispy, là, je sais pas trop quoi, des morceaux de caramel ou des morceaux de noisettes, là, c'est bon. Mm-hmm. Un petit morceau. Blé soufflé, non ? Du blé soufflé, ouais. Ça, c'est... Ouais, ça c'est pas mal les blés soufflés aussi. Ah, j'aime bien les blés soufflés. Ouais. Chocolat qui craque là. Hein. Alors, je sais pas si vous le voyez parce que j'ai mis en 720p. Je rappelle que l'original est en 1080p, mais parfois on voit le passage d'oiseau, c'est sympa. Ils ont mis le bar à côté de l'autoroute, j'aurais plutôt mis à côté de la rivière directement. Non ? Pardon ? Le banc, à côté de l'autoroute. Mais ce serait plus cool au niveau de. Là-bas, ça doit continuer. Il n'y a pas un bras qui continue là ? Un bras de quoi ? D'eau. Oui, c'est la Meurthe. La Meurthe est là. La Meurthe, je dis des conneries, oui. La Meurthe est du côté là. La Meurthe, elle est par là. Je dis des conneries ! Non, t'as raison, c'est le canal de la Marmorin qui passe. Ah, ok. Je dis des grosses zèdries, pardon. On vient de là. Hein. Oui. Oula, je. Oui, effectivement, ça s'appelle la Meurthe. C'est ce qu'on vient de faire pendant 10 km. Mais non, c'est de l'autre côté. Alors, le Danube. Le mec. Ah, le mec, il est fou. Ce changement drôle de genre. Ah, oh, je ne savais pas. Ah non, c'est moi qui savais. Ce renversement de situation. Pas rocambolesque, mais énorme. Je suis en train de jeter un coup d'œil. On le voit beaucoup plus au niveau de la partie autoroute qui passe au-dessus du canal. Ouais. Mais si tu regardes sur les bords au niveau de la barrière, il y a beaucoup d'herbes. Il y a beau avoir fait chaud, il y a plein de buissons et d'herbes qui poussent sur les côtés. Ouais, ça pousse. C'est impressionnant. Et là, c'est pas jaune. C'est vert. C'est moins jaune, ouais. Non, ben, proximité. Là, ils ont quand même les racines de la flotte. Coincé entre une rivière et un canal. Encore que le canal, il n'est pas censé. Encore que honnêtement, je ne sais pas s'il y a des points d'évacuation du canal. Je ne pourrais pas dire. Mais rien que la proximité avec la rivière, ça joue. Bah, rien que. Quand on regarde la planète, c'est une planète bleue, il y a plein d'eau dans les mers, tout ça, mais il y en a aussi dans la terre, dans les plantes, dans la terre elle-même. Heureusement. Okay. Il y a des nappes phréatiques qui sont impressionnantes, hein, qui font des kilomètres de l'eau. Mm-hmm. Je ne parle même pas de nombre de mètres cubes qu'elles embarquent. Ouais, et puis les nappes phréatiques dans les déserts qui sont sacrifiées pour la culture. Juste pour faire de la culture intensive. Ça, je pense à une scène de James Bond, Quantum of Solace. Ah oui, ils sont à court d'eau, les Péruviens. J'aimais bien cette scène, elle était vraiment cool. Enfin, je trouvais qu'elle était. Enfin, cool, non, mais je trouvais qu'elle rendait bien intéressant. Ça faisait un peu documentaire et j'aimais bien. Prise de conscience. Ouais. Ça mettait un peu de naturel dans James Bond. Surtout cette action, les acteurs étaient tous les deux sales et en vêtements légers. Et puis... La scène d'avant, ils avaient trouvé une réserve d'eau. Et la scène d'après, on y voit ceux les paysans qui n'ont pas d'eau. Je sais pas. On a perdu les corps.
mais j'ai apprécié cette scène, elle était sympathique. Alors, il est 17h40, on va pas non plus marcher vite pour le retour, ça va aller. Mais je t'invite quand même à ce qu'on reparte, parce que franchement, le mobilier est très agréable. On pourrait nous servir un apéro, que je dirais pas non. Le problème, c'est que la flotte va arriver, la nuit aussi quand même, hein, en fin d'été. Oui. Et voilà. Mais c'est super agréable, sans déconner. Ouais. On aurait pu jouer les prolongations là. En plus, il y a de l'air enfin où on respire. Même moi, je revis. Sans déconner, je pourrais rester. Si le temps reste comme ça, je suis prêt à rester encore 2 heures à parler de tout et de rien. Ah oui, il faut que je donne l'adresse à quelqu'un que je connais parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me rendre visite tout à l'heure à 13h. Je dis, ah non, je peux pas, je dois sortir. Et en fait, il venait à l'improviste. Une connaissance à toi. Une connaissance à moi. Ah oui. Et du coup, je vais conseiller de regarder le stream aussi que je vais faire dimanche pour le country. Et je vais pas encore donner l'adresse. Ah oui, bah oui, donc c'est prudent. Ah oui, l'adresse virtuelle Twitch. Pendouille au cou. J'ai dit au cou. Voilà. Donc là, après, on repart sur du. Oui, merci Pop une Repop qui répond, oui, qui dit que la crypto utilise des algorithmes de même nature que le rendu graphique. Voilà. Donc on a vu la. Voilà. On a vu l'aller. Donc en gros, je vous présélectionne. Voilà. C'est ça qu'on a vu. Et on verra le reste qui fait, bah là, tout et pour tout, qui fait 2h15 en fait. Le retour est un peu plus court, en 2h15. Mais je pense que je ferai encore des pauses où j'expliquerai, je développerai le propos sur pas mal de choses. Je vous ai pas tout lu, je vous ai pas parlé de la brassiche champignole, mais sur le retour, on y passe encore plus près. Donc j'aurai l'occasion de vous en parler. Je vous expliquerai le moulin noir, je vous expliquerai une expression, au moment où on en a fait usage, je sais quoi, c'est ouais, la vidéo 5, enfin je reviendrai dessus. Et puis vous voyez, il me reste les séquences 9, 10, 11, 12 qu'il faut que je réécoute, je crois que je ne les ai pas encore réécoutées sur le retour. Je vais d'abord, moi, de mon côté, les écouter en semaine et repérer les informations que je dois compléter pour vous les donner en temps présent comme ce soir. Et voilà, que ce soit plus dynamique, que je puisse répondre à vos questions, etc. Et qu'on complète notre propos. Non mais je t'en prie, Pop and Repop, merci à toi d'être venu. Voilà, et donc là, vous l'avez sur Twitch pendant encore 15 jours. Et à terme, ça arrivera, je sais pas quand. Là, je reconnais que j'ai un décalage de plus d'un mois entre ce que je fais sur Twitch et ce qui arrive sur YouTube. Parce que j'essaie de m'en tenir à une vidéo déposée par jour. Et là, je sature en ce moment. Donc, je pense que la version commentée arrivera comme la version brute, courant octobre. Mais vous savez que c'est pas perdu. Je vous laisserai farfouiller sur mes adresses. Je vous remets juste la classique YouTube. Hein. De toute façon, vous tapez LSDN. Vous tapez mes initiales de mon pseudo, le Sage Nancy, ça donne LSDN. Vous tapez ça dans YouTube, vous me retrouvez ma tronche avec le macaron là, de la bergamote. Et puis... Vous vous servez dans l'eau, hein. C'est fait pour ça. Bref, alors, première chose déjà, vous avez gagné le droit de revoir ma tronche en plein écran. C'est pas comme s'il allait avoir un relais de chaîne. L'ami FunFan, qu'est-ce qu'il fait? Il miame quelque chose, peut-être de la purée. On aime bien le taquiner avec la purée, le pauvre FunFan, mais il mange pas que ça. Non, visiblement, je vois qu'il est pas en ligne. Alors... Yes, c'est ça, macaron à la bergamote, oui. Ah là là, m'en parle pas. Non, t'es là, mais est-ce que tu penses lancer ton direct dans les minutes à suivre? Parce que je suis quasiment prêt à te faire un relais, mon cher FunFan. Alors ça, c'est demain matin. Ça, c'est demain matin. Le coup, je fais chauffer le disque dur de la PS3. En ce qui me concerne, vous me retrouvez demain matin. Alors, je sais pas quelle heure. Là, je suis volontiers client des grâces mat, hein. Ce matin, j'ai pris mon antenne peu avant 11h parce que je suis claqué, j'ai besoin de dormir en ce moment. Je sais pas si je serai à mon antenne demain à 9h. Mais non, PS3, non, demain matin, je fais de la Final Fantasy XIII, là. J'ai passé mon satané boss du pape, là. Enfin, du patriarche, et puis j'avance enfin. Mais c'est du Final Fantasy XIII pour le matin. Et puis la suite, je verrai, comme j'ai fait du Minecraft aujourd'hui. Demain, on a joué en commun avec FunFan.
Je vais lancer mon stream à tout de suite pour ceux qui suivent le raid. Pour les autres, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Wally, Wally, oui, merci. Bah oui, 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 je tiens ce que tu lances, mon cher fan. Je vais te faire le relais. Bah, tiens, je vais me programmer maintenant. Tac, 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 tac. Voilà, comme ça, dans 90 secondes, ça va, on va basculer. Moi, ça va me permettre de vous remercier déjà de votre présence. Hein, merci d'avoir regardé. Je suis ravi d'avoir participé, enfin participé, de vous avoir proposé la promenade. Merci évidemment à toi, Naunet, de m'avoir participé sur le moment venu. Et là, ce soir, pour le commentaire. Tant pis, c'était un plaisir. Et puis, merci d'être venu voir notre balade. Sachant que hors antenne, on fera synchroniser nos agendas pour vous faire la deuxième partie, donc le retour. Qui voilà, j'ai pointé le chrono. Ça fait 2h15 en vidéo, donc ce sera un peu plus court. Mais je pense que j'aurai de quoi faire mousser en parlant, en donnant davantage de précision. Je pourrais tenir, je pense, 3 heures encore la prochaine fois en papotant, en patatant. Les gens, n'importe quoi. Le mec il sera dans Street for Fridge, mais dans la vie réelle. Le gars il devient fou, il se fait arrêter. Fun fan qui part sur du Deus Ex, que je vais me faire une joie de voir, en espérant que ça attire Théo, l'ami Théo qui fait du speedrun sur Deus Ex. Et que dire d'autre avant que ça zappe. Merci à vous toutes et toutes d'être là. Et moi je vais jouer à Minecraft là, je vais dîner, je vais jouer à Minecraft dans mon coin, donc. Ceux qui sont fidèles au serveur, petit appel du coin, vous êtes les bienvenus. Enfin, moi, je vais me détendre. Merci à vous d'être là. Bisous, bonne soirée, prenez soin de vous. Ça devrait pas tarder à zapper, je pense. Voilà. Là, merci, bon. Les anonymes. Voilà, hop. Parce que j'ai pas fini de couper l'enregistrement, donc il y a ceux qui sont sur YouTube qui peuvent encore entendre ce morceau-là. D'accord. Ah, alors que je vais pouvoir fêter mes 17 mois chez... Oui, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Non, pas du tout, pas du tout. C'est bon. D'accord. Oui, merci les anonymes YouTube. Ça y est, je coupe l'enregistrement. Par ce de là, vous n'entendrez plus rien. On se retrouve au prochain épisode.